La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec et de CertainTeed. Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums, Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. La formation de départ, the starting lineup, le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre, le numéro 84, number 84, Guillaume Latendresse. Yes, sir, la gang, la poche bleue de retour après... Salut les amis! Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien. Deux semaines de vacances pour la poche bleue, on s'est reposé, ressourcé, prêt à affronter les 15 derniers shows de la saison. Ben merci, plusieurs personnes nous ont écrit disant « Hey, vous êtes où? Vous revenez quand? On s'ennuie? » Ben on s'ennuie nous autres aussi, puis le premier message qu'on a reçu ce soir, c'est JP. Salut JP! Je suis présent, je suis là, je m'ennuie de vous autres. Nous autres aussi, mon JP, on va se parler. J'ai hâte de voir si JP a pris des vacances. Il doit en prendre, lui. C'est écœurant, il revient. Il se gâte, lui. Bien bronzé comme Marie-Ève Dicker avec un raccoon parce qu'il a mis ses lunettes de soleil. Tu fais tout au party de Noël, Marie. Marie est spécialiste là-dedans. Ouais, Marie, c'était sharp, Marie, quand on t'a vu. Mais bien content, on a eu des super belles vacances, on a passé du temps en famille, reposé et on est prêt. Et justement, qui dit retour au jeu, dit des nouveaux produits, dit on a des choses à vous présenter, dit SAQ, dit quoi, là? Dis plus rien, puis il met la photo, Simon. Et voilà, le rebranding de l'agitateur, mesdames, messieurs. Formule améliorée, mais pas améliorée, parce que c'était très, très bon. Et puis la petite limonade rose de Pink Lemonade en canette, prête à boire. Ça, d'après moi, cet été, une belle petite canette. Hein? C'est bon. Prête à boire à base de vodka, guys. Pas trop sucré. Je regardais comparativement à certains d'autres d'un prêt à boire. On est extrêmement fiers. Bon produit. C'est un mix du Sour Thunder de l'agitateur. On a mis ça ensemble. Puis ça fait en sorte qu'on a le Pink Lemonade. Petit bébé fait par Maxime et Guillaume. Yark. Oh non, ça. Ben avec le sujet qui s'en vient, Noé, je trouve que ça va bien ensemble. Pourquoi? On n'a pas un autre produit à présenter, non? Ah non, c'est pour aujourd'hui. Oui. Ouais, je trouve que ça va bien. Ça va fûter. Ouais. Mais allez voir ça sur Internet ou autre, là, sur SAQ.com, tout est disponible. Limonade rose et le rebranding des couleurs de l'agitateur. On a, on a André Roy dans notre équipe, on s'est dit tabarouette, puis Marc-Antoine, mon petit, du podcast Pas de temps à perdre, qui est rendu chez nous, puis... Lui, le gars, c'est un comic, c'est un brain, c'est un gars, il a bien des idées. Puis là, on a dit, André Roy, comment on peut utiliser André pour rendre ça efficace un peu? Fait que là... J'ai pas le goût de le décrire, je pense qu'on va le mettre, puis vous allez... Je veux voir sur le chat, ça vous rappelle quoi dans la vie, là. Si on peut le mettre, Simon. Salut les amis et bienvenue à un nouvel épisode de la bière Wow. La 84 est bonne. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment empiler vos bières pour en faire une superbe pyramide comme ceci, appelez-moi pas parce que j'en ai aucune espèce d'idée. Wow! Lorsque j'étais dans la Ligue nationale, le 84 était le numéro que tout le monde voulait. Même le champion de Super Bowl, Patrick Mahomes, a choisi ce numéro. Wow! Comme Guillaume Latendresse, la 84 est douce, comme un nounours et coule bien en bouche, même dans la douche. Wow! Et si vous tapez trois fois sur le côté de la canette comme ça, et deux fois sur le dessus comme ceci, je vous garantis que vous aurez l'air aussi idiot que moi en ce moment. Wow! Comme dit la légende Wayne Gretzky, avoir eu le 84 comme ailier, j'aurais crissement moins scoré. Maintenant, à ton tour de l'essayer. Wow! On a des bonnes réponses sur le chat. Chamois, c'est exactement ça, le bon vieux Chamois. Ouais, fait qu'on on a fait une coupe de pub avec André là, sur toutes nos bières qu'on va vous présenter comme ça au cours des prochaines semaines. Mais oui, c'est la fameuse Vincent et le Chamois. On est bien content, André. Merci d'embarquer dans nos foleries. Puis on va mettre ça disponible partout, là, sur les réseaux sociaux de La Poche Bleue, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et autres. Donc, vous irez voir ça si vous voulez le réécouter. C'est un méchant malade, ce André-là. Un autre point aussi, on a beaucoup de stock à jaser à soir parce que deux semaines de vacances. Ben on, oui. On va être où, Max? On se fait souvent dire « Hey, j'aimerais ça vous rencontrer en personne. » Tu sais pas? Non. Sérieux? Non. Ben, jeudi... tu m'as pas dit de date. Jeudi prochain, le 23. Jeudi prochain, on va être au Lac Lémy, au casino. Vous pouvez venir voir le match avec nous, Canadiens Bruins de Boston. La rivalité, toujours le fun. Venir prendre une petite bière avec Guillaume et Maxime, regarder le match. Crier, danser, chanter
La fureur! C'est ça, exactement. Mais on va être là à partir de 18h environ. On va être au Casino du Lac Lémé dans une salle là-bas. On va aller vous rencontrer, avoir du fun, prendre un verre, regarder le match ensemble. Je pense qu'il va y avoir aussi une petite période de questions là, dans les entraques où on va jaser avec vous autres. En tout cas, l'invitation est faite. Allez voir ça. Party time. Allez voir ça sur le Casino du Lac Lémé. .ca, jeudi prochain, gens de la région de l'Outaouais, Gatineau, Ottawa. Louis Robitaille, si ça te tente de venir, on t'invite. Hein? Faudrait peut-être l'inviter. Ouais, c'est un bon gars de party, ça. Ouais, ouais. Ouais, il mérite d'être là. Ce serait le fun qu'il vienne. Il vient t'occuper, toi. Il joue beaucoup de matchs. Ouais. Mais on vous invite. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'était bizarre. Ouais. On vous invite. Venez voir, venez nous rencontrer, venez nous voir la semaine prochaine. On va être là jeudi au Casino du Lac Lémé. Vous allez pouvoir essayer aussi les nouvelles bornes de Paris Sportif de l'Auto-Québec qui vont être disponibles ce soir-là, la gang. Donc, Casino du Lac Lémé.ca. Un autre concours qu'on a lancé. On sort un produit dans les prochains mois. C'est ça que je voulais dire. Ça mixe ensemble. On aurait dû y mettre back-à-back. Moi et Guillaume, on a fait un petit bébé. C'est la limonade rose mélangée. Ouais. Le Sour Tender, l'agitateur. Puis là, ben, on va pouvoir savoir quelle saucisse. Quelle saucisse vous aimez le plus? La saucisse à Guillaume ou la saucisse à Maxime? Donc là, il y a un vote qui se passe, la gang. La Poche Bleue et la Fernandière s'associent pour offrir deux nouvelles saucisses de la Poche Bleue. On vous invite à voter pour les saveurs de votre choix. Il y a la saucisse à Maxime, la saucisse à Guillaume. Vous courez la chance de gagner un paquet cadeau juste en allant voter sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Donc, goûtez les saucisses en live. Barbecue sucré ou shish taouk va être mon choix. On vous laisse voter présentement. Le barbecue sucré domine. Piri Piri et la Shiracha et miel. 688 votes présentement. Donc, c'est une de chaque bar, par exemple. Ouais, c'est important de le préciser. Exact. Vous votez pour une saucisse rouge puis une saucisse d'un bleu. Fait que je sais pas si on peut remettre l'écran, Simon, là, l'image, mais ça va être soit la Sriracha et miel ou Piri Piri contre soit la barbecue ou la shish taouk. Exactement. Dis, on va l'essayer immédiatement. Donc, vous participez et vous gagnez la chance de gagner un paquet cadeau de la Poche Bleue. Donc, on est très contents. Ben le fun. La Fernandière, Olimel, merci beaucoup, la gang. C'est super gentil. Moi aussi, je pense que je vais me prendre une petite barbecue sucrée ici. Je te dis pas pourquoi j'aimerais que les gens votent, mais j'ai pris une barbecue sucrée. C'est laquelle, la barbecue sucrée? La petite Paul, là. Ouais, elle est très, très bonne. Mm. Mais elles sont toutes bonnes. Elles sont toutes bonnes. Les as-tu les quatre là-dedans? Ouais. Ça ici, c'est la Shiracha. Et miel. Ils sont toutes la même grosseur? Mm. Oui. Mm. C'est arrangé avec le gars des vues pour ceux-là. On a truqué la mienne. Ouais, c'est correct vos blagues, les amis. C'est correct vos blagues. Ça va être dur de pas tout manger ça avant. Donc, allez voter sur lapochebleue.com ou sur les réseaux sociaux de la Fernandière, la gang. On vous invite à participer. Et le menu de ce soir, on a un gros show. On a un gros show ce soir. Maxime à la bouche pleine, on est gâté. On a Théo, hein, notre ami Théo qui vient toujours nous voir. C'est toujours légendaire. Chaque fois que Théo vient nous dire ses petites anecdotes puis parler un peu d'actualité, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, me semble, parler situation de Montembeau, le Canadien, Caulfield, Drouin, qu'est-ce qu'on fait avec, toutes ces affaires-là. André qui va venir nous donner tout un show comme d'habitude, puis Marie-Ève Ducœur, d'ailleurs, de parler des grosses nouvelles qu'elle vient d'annoncer dernièrement. Là, on va parler, on va gratter la situation un peu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que, tu sais, elle a fait sa sortie, là, j'annonce ma retraite, parfait, mais ici, t'as la Poche Bleue, elle a pas dit de secret, elle doit avoir des secrets, c'est sûr. C'est sûr qu'elle a des secrets. Et la bio de ce soir, on a déjà reçu José Théodore par le passé, mais un petit recap, Maxime encore la bouche pleine, donc présenté par le gin de la Poche Bleue, la carrière de José Théodore, junior majeur, à Saint-Jean, Olympique de Hull, Canadien de Montréal, l'Avalanche, Capital, mon coéquipier avec le Wild du Minnesota et les Panthers, Vizina, Hart, Bill Masterton, un gars incroyable qui a une carrière exceptionnelle aussi. Donc, on a bien hâte de recevoir notre ami José Théodore. Et sur ce, on passe avec Marie-Ève Ducœur dans le coin bleu. Coucou, Marie! Hello! Hello! T'as l'air d'une fille tellement relaxe à la retraite, là. Ben, écoute, je suis tellement contente que t'en parles. Mais je veux juste savoir pourquoi on a assisté à votre dégustation de saucisses. Genre, pourquoi que... T'as-tu mis des écouteurs ou quelque chose? Parce que on dirait que tu parles dans la tête du bonhomme carnaval. Mm. Pour vrai, ça fonctionne pas bien? Non, on va te laisser... OK, attends une minute. Je vais mettre l'autre option. Parce que...
Non, ça sonne pas bien encore. Non, mais attends, là, je vais le brancher. Non, non, ça sonne vraiment pas bien, là. Attends, je vais le brancher, je t'ai dit. Tiens, là, là, il y a quelque chose qui va se passer. C'est que bien ça. Est-ce que... Ah, bon, mais il y aura finalement une bonne nouvelle. On n'entend plus Marie. C'est mieux, là? Est-ce que vous m'entendez, là? Ah! Qu'est-ce que t'avais moi, fait, Marie? Moi, je me pose la question. J'ai mes écouteurs. Moi, je me pose juste la question. Marie, on te donne un très bon micro de bonne qualité pour faire le podcast. Mm-hmm. Puis tu utilises les câlisses d'écouteurs. Pourquoi? Ben, c'est parce que mon micro, il prend de la place, puis il m'empêche de bien gesticuler. Puis là, je me suis dit, hey, mes écouteurs, ils vont super bien dans tout ce que je fais d'autre. Fait que pourquoi pas ne pas utiliser mes écouteurs? Puis là, moi, je me suis dit, maintenant que je suis à retraite, j'ai juste ça à faire, penser à des nouvelles idées. Puis c'était mon idée de ce soir. J'ai le doigt. C'est bon, ça. Ben, t'es libre maintenant. Allez, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Ben oui. Ouais. Ben, tu penses? Parle-nous donc de ta routine un peu, ça a changé comment? Il me semble que je te vois le matin te lever, te manger des Lucky Charms. Cale donc une bière, là. Cale une bière. Cale une bière, Marie, là. Come on. Non, là. Mais c'est ça, là. Là, c'est parce que ce qui arrive, c'est que, comme vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, j'ai le champagne et l'alcool facile derrière moi. Puis, justement, je veux pas me laisser influencer par vous autres. Parce que, Marc, quand t'as pris ta retraite, t'as pris combien de livres, toi? C'est pas si pire, là. 45. Ben, 45 sur 6 et 4, c'est pas si pire. 45 sur 5 et 7, 5 et 8. Ça commence à... Non, fait, mais faut que tu déconnectes un peu, là. Cale une bière. Here's your boys. Alors, on peut voir que Marie avait vraiment pas influençable. moi, je me laisserai pas influencer par vous, les gars. Deux secondes plus tard, en bois de la bière tablette. Ça va bien. Ça a pas été long, hein? Non, mais c'est parce que, tu sais... Je sais pas encore comment trop gérer ça, cette retraite-là. Puis, tout ce que j'ai dit en entrevue, j'ai dit, ah, je vais me laisser du temps. Mais il faut croire que le temps, c'est relatif parce que ça fait une semaine que j'ai annoncé ma retraite, puis il me semble que je suis prête à passer à autre chose. Ça serait quoi, mettons, le plus beau moment ou celui qui est venu te toucher dans tout ce processus-là? Je te dirais que c'est vraiment quand j'ai pris la décision finale de la conversation que j'ai eue avec mes entraîneurs parce que on en avait parlé, ça faisait. Que vous en avez parlé, les boys dans le studio, puis tu sais, quand tu décides de faire la coupe, puis vous, c'était vos coéquipiers, mais moi, c'était mes entraîneurs que je voyais à tous les jours et tout ça, puis on dirait que je voyais pas ma vie sans eux autres. C'est comme si je prenais ma retraite, puis j'allais plus les côtoyer, puis j'allais plus être unie avec eux autres. Puis les discussions qu'on a eues, Colin, je suis pas une fille émotive dans la vie, mais ça a été des grosses discussions, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on a affronté le reste du monde ensemble. Ouais. Puis là, ben, on tourne la page là-dessus. Qu'est-ce qui te rend le... Tu sais, tu tournes la page, puis c'est dur, mais qu'est-ce qui te rend le... C'est quoi le plus gros défi que tu penses que tu as relevé? Dans tout ça, tu parles que vous avez fait face à des montagnes ensemble. Ça a été quoi, mettons, si tu reviens en arrière, la journée que vous étiez tous ensemble dans le vestiaire ou peu importe, c'était comme... C'est-tu que c'est tough? Mais je pense pas que ce soit une journée en soi que la carrière au complet, parce que, tu sais, derrière moi, ça a été une semaine, puis souvent, quand on a des gens dans notre milieu de travail qui prennent à la retraite, ben on leur rend hommage. Ça fait 30 ans qu'ils sont avec nous autres à tous les jours, puis c'est comme s'ils n'existaient pas, et là, tout d'un coup, ils s'en vont à la retraite, on leur rend un hommage. C'était un peu ça, cette semaine, donc il y avait beaucoup de vidéos souvenirs et tout ça. Puis moi, je regarde ce qu'on présente souvent aux gens, c'est tous les moments positifs, c'est tous les faits marquants, tout ce qui a bien été. Mais on oublie toute la chenoute qu'on a eue en arrière. Puis, tu sais, moi, si je pars de aussi loin, tu sais, mon premier combat s'est fait à Sorel-Tracy et j'ai fini ma carrière à Manchester, en Angleterre. Comment ça a été loin? Ben, c'est ça. Fait que ça a été de prendre pause puis faire comme, hey, t'as-tu remarqué tout ce qu'on a fait quand j'ai signé en 2016 avec le groupe Jim? Il n'y avait pas de filles qui boxaient vraiment professionnelles, puis tout le monde riait, tout le monde faisait comme « Ouais, c'est bien beau, là, mais tu sais, ça ira pas trop loin, cette histoire-là. » Mais je pense que tout ce qu'on a fait pour gagner de la crédibilité avec la boxe féminine, avec mes combats, puis avec les filles qui s'en viennent, je pense que ça a été ça, vraiment, la bataille de tous les jours. C'est pas tant les combats que j'ai menés, les entraînements que j'ai faits, mais ça a été de vraiment légitimiser cette place-là, de gagner en crédibilité, puis de dire que moi, aujourd'hui, j'ai gagné ma vie de mon sport en tant qu'athlète féminine. Je pense que ça a été une des plus belles réussites qu'on a faites.
Toute une carrière. On voulait te féliciter. On va, ben oui, on va le faire une centaine de fois en personne. Là. Ça, c'est sûr, certain. Puis justement, on va encore en parler un petit peu, mais on n'oublie pas le coin bleu qui est présenté par les outils Pierre Berger et Milwaukee. Les outils de jardin à batterie comme les tondeuses, coupes bordures, souffleurs et taillets seront bientôt disponibles. Retrouvez-les sur le mke.outils.berger.com. C'est la référence pour tous vos outils Milwaukee. Abonnez-vous à l'infolettre et suivez leurs réseaux sociaux pour rien manquer. Et justement, le poids léger, c'était ta retraite qu'on voulait parler. Ouais. On a fait un peu un petit survol rapide de ça notre. Ça aurait pu être un poids lourd, mais on voulait commencer avec ça. Mais ouais, hein? C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est que j'essaye de ne pas devenir un poids lourd. C'est ça, j'essaye. C'est ça mon objectif là, de retraiter, de ne pas devenir un poids lourd. C'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qui te fait peur, justement, dans l'avenir, dans pitcher dans rien? Tu as fait de la boxe toute ta vie? Ah, ben, ce qui me fait peur, c'est de devenir grosse. Mais mettons que je mets ça de côté. Pas devenir grosse, mais tu sais, pour moi, le sport a toujours fait partie de ma vie, l'hygiène de vie, tout ça. Puis, vous le savez, les gars, dans le domaine où on est dans l'événementiel, on voit des gens, il y a des soirées, il y a des occasions quasiment toutes les soirs de prendre un petit verre, de manger, tu sais, de la nourriture qui est un peu moins saine. Puis moi, j'ai l'impression que j'ai besoin d'un certain cadre, d'une certaine routine. J'ai besoin de me sentir sharp physiquement pour avoir des idées, puis c'est un peu ça ma nouvelle vie, puis c'est vraiment drôle parce que je l'ai expérimenté un peu cet été, mais c'est de créer du contenu, avec vous, avec les dangereuses, quand je fais des chroniques et tout ça, puis pour ça, il faut que je sois sharp, donc ça me fait peur d'un peu me perdre, puis c'est un peu une belle affaire, mais on dirait que j'ai trop de choix. On dirait que pour la première fois de ma vie, j'ai le choix de faire d'autres choix, d'affaires. T'as d'autres choix pour la première fois. Est-ce que le coaching en fait partie? Il y a quelqu'un qui demande sur le chat. Est-ce que le coaching fait partie? J'ai eu une école de karaté pendant 11 ans de temps. J'enseignais le karaté, j'enseignais la boxe. On dirait que c'est derrière moi. Puis moi, je suis le genre de fille, quand je passe à autre chose, je passe à autre chose. C'est comme si je fais check pour cette partie-là de ma vie, puis j'ai envie d'aller vers des nouveaux défis. C'est sûr que je regarde des fois les boxeurs dans les gymnases qui sont peut-être un petit peu moins encadrés, qui ont besoin de conseils. Ça va toujours me faire plaisir de partager un peu mes expériences avec la relève, mais je pense pas que j'ai envie de faire ça à tous les jours puis de m'impliquer dans un gymnase encore comme je l'ai fait là. Tu fais souvent des conférences aussi. Tu touches à quoi dans tes conférences? Bien, en fait, ma conférence, ça s'appelle « La réussite, un combat de plusieurs rangs ». Puis je parle un peu de tous les trucs que j'ai utilisés au fil de ma carrière pour arriver au combat que j'ai livré. Tu sais, des moments de ma carrière où ça a été difficile. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme outil? Je parle des outils qu'on a travaillé avec mon psychologue sportif dont je vous parle quand même souvent et je décris comment je les ai utilisés. Puis je fais aussi le lien avec comment les gens peuvent les réutiliser dans leur milieu de travail, dans leur vie en général. Je parle de la persévérance, je parle que la réussite, en fait, ben ça n'a rien à voir avec la chance. Tu sais, des fois, on dit « ouais, il est chanceux, lui, il a réussi ». Je suis comme « non, ça n'a rien à voir avec ça ». Fait que c'est un peu ça. Puis ce que je trouve cool, c'est le contact direct avec les gens parce que là, je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, mais je les vois pas. Je vois pas qui nous écoute. Des fois, on voit le chat, mais on dirait que ce contact-là avec les gens me manquait. Donc, avec les conférences, c'est ce que j'ai du plaisir à faire. Là. Fait que les gens peuvent vous contacter où pour booker Marie-Ève Dicard en conférence? Ben, en fait, ça peut être directement sur les réseaux sociaux en privé ou à l'adresse courriel dicard.me@gmail.com. C'est aussi disponible sur les réseaux sociaux. Puis les demandes vont être redirigées là, en fonction là, de où c'est puis comment le faire dans la logistique. Là. Super. Poids moyen, Marie. Pierre-Carl Pelado qui achète. C'était juste ça. C'était facile. Caroline. C'est vrai, on a facile même. Tu parlais de toi-même. T'sais, on te connaît. Oui, ben c'est ça. Vous me connaissez tellement. Ah, comme si on t'avait tricoté. Peut-être. Calme-toi, là, c'est pas parce que vous faites des bébés ensemble. As-tu hâte de goûter à nos saucisses? On va t'en envoyer. Ben c'est ça, là. Moi, je me demandais, c'est quoi la différence? Je me demandais si je pouvais vous dire ça. Genre, les gars, c'est quoi la différence entre ta saucisse, Max, puis la tienne, Guillaume? T'sais, peux-tu dire ça? Ben oui. Ben c'est ça le coup de pub qui est le fun. Coûte moins cher l'emballage, les miennes. La saucisse à Guillaume, ça prend 20 secondes à faire cuire. Mais ils ont-tu, mettons, la même forme, vos saucisses? C'était ça, ma question. Oui. Oui, ils ont la même forme. Okay. Vous avez comparé ça, vous autres? Oui. Ben, c'est pas c'était facile, Marie, si on peut pas y mettre à l'écran, mais dans le fond. Non, tu peux pas en mettre à l'écran, ta saucisse. Les deux sortes de saucisses sont dans des paquets pareils. OK. Ouais. Vous étiez pas. Ben non, mais vous étiez pas prêt à toutes les questions concernant votre nouveau produit, hein? Ben, vous en trouvez d'autres, les questions, moi. Non, vas-y. Non, mais tout ce que tu peux faire avec ça, là, je m'excuse. T'as-tu vu la saucisse à Maxime, moi, Guillaume? C'est ça, mais l'emballage, là, il se mange-tu, l'emballage? Oui, biodégradable. Okay. OK, parfait. Ça a l'air qu'en dedans 3 jours, tout est vidé.
Hey, j'ai vraiment hâte que ma mère m'appelle et qu'elle me dise « Hey, ça fait 3 fois que je mange la saucisse à Guillaume. C'est bon, en crime. » Ça va créer des moments malaisants. Ouais, fait que c'est ça. Non, mais vous en plus, pas côté, une des qualités, une des qualités des saucisses, c'est lors de la cuisson, elles sont très juteuses. Ah ouais, hein? Ouais, elles viennent très juteuses, puis le jus, toi, tu fais cuire dans le jus. Puis, honnêtement, ouais, le goût est exceptionnel. C'est-tu tendre? Tendre, comme t'as jamais vu. C'est d'une tendreté remarquable. Ouais. Tout en tendresse. Tout, t'as dit, là. Ouais. Sauf que Max, d'après moi, ils sont un petit peu plus durs, hein, la pierre. Oh. Ouais, moi, j'ai les saucisses dures. Là. C'est bien, en tout cas, les saucisses sont dures quand elles sont trop cuites. C'est chaque, ouais, on préfère un bout. Ouais, je pense que nous trois ensemble, ça pourrait durer longtemps. Il y a quelqu'un qui marque la saucisse à Guillaume, la même curve que le cavalier. Bon, OK. Oui, pas moyen, les gars. Hein? Oui. Aïe, aïe. Bon, ça du bien pareil. Je vais sûrement acheter vos saucisses, les boys. Merci, Tommy. Merci. Merci, Tommy. À l'endos du paquet, tu regarderas, il y a une photo aussi. Une photo. La saucisse? Ouais, ah, c'est ça. Ah, OK. T'as pas vu le cover? Il y a une photo de saucisse. Ah, je trouve ça tellement drôle. Ouais, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de jeux de mots avec ça. Ouais. J'adore ça. OK. Alors, Pierre-Carl Pelado a vraiment acheté les alouettes, hein? Oui, Pierre-Carl Pelado a vraiment acheté les alouettes. Pensez-vous qu'ils vont vendre vos saucisses au Stade Percival? Probablement. J'aimerais ça vous manger un hot dog. Bref, tout ça pour dire que Pierre-Carl Pelado qui s'est fait dans une franchise. Oui, ça va bien. Pierre-Carl Pelado a acheté les alouettes. Et lui s'est impliqué dans une franchise qui est en difficulté depuis 7 à 8 ans, tu sais. Je pense que ça prenait, ouais, du guts, ça prenait des nerfs d'acier parce que tu sais que quand t'achètes, tu sais, on s'entend, on n'achète pas un succès sur toute la ligne avec les alouettes. On achète quelque chose en difficulté. Tu sais qu'il va y avoir bien des surprises, bien des chèques à signer. La bonne nouvelle dans ça, c'est que la valeur nette estimée de Pierre-Carl Pelado, c'est 1,9 milliard US. Okay. Et ouais, c'est pas super, hein? Et qu'il a acheté ça avec son nom personnel et non avec la Société québécoise. Donc, j'aime le fait qu'il prend ça sur son nom personnel. Puis tu sais, lui, ce qu'il disait, c'est que c'est un investissement communautaire. Il le fait en sachant très bien que pour le moment, il ne va pas faire de l'argent. Il va probablement en perdre. Mais ce qu'il dit, c'est « Moi, je veux être ici, je veux être fort, puis je veux créer quelque chose dont les Montréalais vont pouvoir être fiers. » Et ça, j'aime ça parce que je trouve que c'est ce qui a manqué avec les Alouettes. Mario Cecchini a fait un travail remarquable au cours des dernières années. Ouais. On a vu, il a redressé le club. Il a vraiment essayé d'amener du monde, d'amener un sentiment d'appartenance. Mais c'est difficile quand les propriétaires de l'autre côté s'en foutent un peu. Mais là, dans ce cas-ci, on a un Québécois, un entrepreneur qui est réputé. T'sais, on a beau dire ce qu'on voudra, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Pierre-Carl Pelado, on sait que c'est un passionné. On sait que c'est un gars qui a une capacité financière pour soulever ce genre de problème-là. Puis on sait que c'est un vrai Québécois et qu'il ne laissera pas mourir ça sans s'acharner. Donc, tu sais, je pense que pour Machocha, qui est à la charge de l'équipe, pour les joueurs, c'est un peu la lumière au bout du tunnel. Parce qu'on se rappelle que au mois de février dernier, là, l'équipe a été placée sous tutelle de la Ligue, ouais, canadienne. Imaginez-vous, les gars, ils s'en vont, ils se préparent, puis tout ça, puis... Le club est sous tutelle de la Ligue. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va-tu fermer? Ça va-tu continuer? On a perdu des gros joueurs à cause de ça, là. Ouais, mais exact, parce que c'est dans l'incertitude. Donc, je pense que c'est enfin la lumière au bout du tunnel pour les joueurs des Alouettes, pour les dirigeants, pour aussi les partisans, parce qu'on a vu beaucoup de gens dire « Hey non, nous, on veut garder ce club-là. » Donc, c'est une dose d'espoir, de motivation. Maintenant, on espère que les performances vont suivre. On espère que cette stabilité-là va permettre aux joueurs de se développer, permettre aux gens de développer ce sentiment d'appartenance-là. Parce que quand tu vois la une des manchettes que le club est vendu, que le club est racheté, oups, qu'on met Cecchini dehors, pour les gens, c'est pas encourageant d'aller vers cette équipe-là. Puis on en a parlé tellement de fois. Tu veux développer ton fanbase, tu dois développer ce sentiment d'appartenance-là. Donc j'espère qu'on va y aller avec ça. On veut garder l'équipe à Montréal, puis oui, ça prend quelqu'un qui était prêt à mettre de l'argent pour ça. Là, notre job comme partisan, comme fan, ben, c'est de se déplacer et aller dans le stade, encourager, ouais, notre équipe. Parce que si ça ne marche pas avec Pierre-Carl Pelado, c'est fini. Là. Il faut que ça devienne un party aussi. Là, ouais. C'est l'été, oui, tu vas avoir des matchs de football. C'est un événement, ça rapproche les gens. Exact. Le faire, puis... Mais les gars, en tout cas, si vous voulez voir des matchs, demandez des billets à LP, va vous arranger ça. Oh, il est tellement connu là-bas. Ouais. Des... Je sais même pas quoi dire. On est allé voir un match, même le gardien de sécurité, je savais pas c'était qui, il a travaillé 12 ans pour l'équipe. Je pense qu'il pensait qu'il travaillait là.
Honnêtement, j'ai rarement vu ça. Excuse-moi, LP. Il est arrivé là. Mettons, il marchait, les cheveux dans le vent, les lunettes d'oreille. Suivez-moi, j'ai été ici 12 ans. Il est comme, salut, le gars, salut. Comme, LP. C'était bien. LP, ouais, la file est là-bas, monsieur, comme tout le monde, 1h30. Là. Ah non, c'était que. Ça, c'est un de mes plus beaux moments de l'été. Ouais. Sérieusement. Quand je suis allé aux Alouettes avec LP, puis personne ne reconnaissait. Non, c'est écœurant, honnêtement. D'après moi, peut-être que ça va marcher encore une fois cet été. Peut-être que là, il va le reconnaître. Là, on va y aller. On va avoir un bon club en plus. Faut y aller. Ben oui, on y va. Poilot, Marie, sujet plate, mais Carson Brière attire l'attention. Je pense que c'est le sujet chaud en ce moment. Oui, mais c'est le sujet chaud, puis en fait, moi, tu sais, vous savez, j'ai tendance à toujours regarder les choses sous un angle différent, puis moi, dans ce cas-ci, là, c'est sur Daniel Brière que je veux aller. Puis ce gars-là a une carrière incroyable en tant que joueur de hockey. Il est maintenant nommé, la semaine dernière, là, pas plus tard que la semaine passée, DG par intérim des Flyers. C'est un Québécois, c'est un gars de chez nous. Il s'intéresse à ça, ce rôle-là de DG, les ficelles, le jeu qui se passe comme en coulisses depuis les années 2000. Ça fait au-dessus de 20 ans qu'il se prépare pour ça. Et là, on est en train de tasser cette nouvelle-là, de tasser ce moment heureux-là pour parler de son fils qui, je ne suis pas en train d'excuser son geste, là, je veux dire, c'est un geste qui est irrespectueux, disgracieux. Ça n'a pas sa place dans notre société, mais tu sais, moi, je me dis dans la vie, là, bon, vous le savez comme moi, là, on a beau donner la meilleure éducation à nos enfants, on n'a pas toujours le contrôle sur nos ados, là, puis il y a un moment ou un autre dans leur vie, puis je suis sûr que c'est la même chose pour vous autres, les gars, il y a un moment ou un autre dans leur vie qui vont faire des affaires qui ne rendent pas leurs parents fiers. J'en ai fait, vous en avez fait, non. Vos enfants vont en faire. Pas vrai, ça, Marie. Puis, t'en as fait, t'as jamais problème. Fait de niaiserie? Non. Pardon? Non. Pas dans... Quand j'avais à l'école et tout, j'ai jamais été... Non. Je te parle pas de faire des gestes comme ça. Je te parle pas de gestes irrespectueux, mais c'est sûr que t'en as fait des niaiseries. Ah, ben oui, tes parents seraient pas contents. Oui, mais c'est ça. Non, je te parle pas de gestes irrespectueux. Je te parle de niaiseries. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on n'a pas toujours le contrôle sur les comportements non. de nos parents, de nos enfants. Puis, je suis pas en train de dire qu'il faut enlever le blâme à tous les parents quand les enfants vont pas bien. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on n'a pas toujours le contrôle. On sait pas ce qui s'est passé à la maison. On sait pas la discussion, le sermon, ce qui en est suivi de cet acte-là pour ce jeune-là. Moi, d'après moi, il s'est fait ramasser solide. Ben, c'est ce que je pense aussi. Donc, je peux pas croire qu'on va pointer du doigt Daniel Brière puis son fils quand on sait pas vraiment ce qui s'est passé à la maison, comment il s'est fait ramasser. Je présume qu'il s'est fait ramasser parce qu'il a fait des excuses publiques. Mais tu sais, ce que je suis en train de dire ici, là, c'est que si ce geste-là n'avait pas été fait par le fils de Daniel Brière, on n'aurait jamais entendu parler. Puis on dirait qu'on utilise une nouvelle, on utilise un moment où il y a un Québécois qui fait quelque chose de cool pour essayer d'entacher ça. Puis malheureusement, on l'a vu souvent. Parce qu'on l'a vu avec Guy Lafleur, avec son fils. On l'a vu avec Shane Corson, pas plus tard, il n'y a pas si longtemps que ça, son fils Noah. Tu sais, c'est correct qu'on parle de scandale, c'est correct qu'on souligne les mauvais comportements des jeunes, qu'on le dise haut et fort pour éviter que ça se répète. Mais j'aime pas ça voir utiliser une nouvelle pour entacher ouais, mais la réalité, Marie, là, j'ai trois enfants, moi. Tout le monde a la même éducation à 100%, puis oui. C'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. C'est exactement. C'est tout simple. Tu sais, tes trois enfants, tu dois le voir, là, les trois sont élevés de la même façon. Tes trois filles doivent être complètement différentes. 100%, il n'y en a pas une qui a la même personnalité, puis il n'y en a pas une qui agit de la même façon devant une situation dans la vie. C'est juste que j'ai envie de dire, c'est faites attention de ne pas lancer trop de tomates à Daniel Brière, parce que ouais. je présume qu'il fait son mieux, puis des fois, on n'a pas toujours le contrôle. 100%. Mais c'est correct qu'on en parle, c'est correct qu'on dise « Hey, faites attention ». Puis je pense que aussi, ben, pour tous les jeunes qui sont en ce moment dans les organisations qui s'apprêtent peut-être un jour à aspirer à des grands rôles, n'oubliez pas qu'à ce temps avec les réseaux sociaux, tout ceci fait que... Tout. Ah, puis ça reste c'est longtemps ça. Aussi, là. Oui. C'est pas juste « je fais ça aujourd'hui, puis demain, c'est oublié ». Je veux dire, on peut retrouver toutes les niaiseries que tu fais sur les réseaux sociaux ou un nom que tu te mets ou un hashtag que tu mets, peu importe. Exact. Là, c'est pour faire vraiment attention. Puis je pense que les jeunes, c'est important qu'il y ait une prise de conscience là-dessus. Exactement. Excuse, puis dans Marie, ce cas-ci, je te smoncelle beaucoup. C'est parce qu'on avait des problèmes mais j'ai même pas remarqué. Je jase avec Max. J'aime pas ça quand on est sur notre salle. Puis j'arrivais pas à rejoindre José comme il faut. Mais il n'y a aucun problème. Mais bref, tout ça pour dire que faites attention à ce que vous faites dans la vie. Gardez toujours le respect en tête. Puis les gens, ben, pitchez pas trop de tomates trop rapidement parce qu'on sait pas ce qui se passe toujours dans les maisons. Surtout au prix qu'on vend les légumes à l'épicerie ces temps-ci. Ben là, c'est ça. Au prix que ça coûte, hein, Colin. Ouais.
Non, pas de tomate. Mais non, pas de tomate, là. On va trouver quelque chose de moins cher. Salut, pas grand chose qui est plus cher au star. Thank you. Salut les boys. Salut, bye. Oh, c'est bon. Ça. Ah. Bien mérité, Marie, pareil. On n'a pas parlé beaucoup, mais ça retraite. Parce qu'elle a ouvert plusieurs portes. Puis, tu sais, les gens, je lis les textes, puis on s'entend. Là, carrière assurée dans les médias, diction incroyable, belle personnalité. Je suis pas inquiet pour elle. Avoir beaucoup d'options. Elle est toujours préparée à ce de quoi elle parle. Mais ça, je la verrais gérer, tu sais, la boxe d'une certaine façon, tu sais, une agence, je sais pas. Non, mais ça, c'est beaucoup d'argent à investir, là. Tu sais, demande à Yvon Michel combien d'argent qu'il met, ou Camille Stéphane, ou... C'est beau, tu sais, je pense que c'est Descari qui est impliqué avec... Tabarouette, c'est beaucoup. En tout cas, on y souhaite peu importe ce qu'elle veut faire, qu'elle ait du succès et qu'elle réussisse. Et sur ce, on passe en première période avec notre invité de ce soir. Wow! La première période qui vous est présentée par le Ford Bronco Sport Big Band 2023. Une véritable force de la nature. Et on est content ce soir là, de recevoir notre invité. Ça fait longtemps, là. Ouais, on l'a reçu. Il vient souvent. Ça fait deux fois qu'il vient. C'est la troisième fois qu'il vient ce soir. Troisième? Mais ben non. Oui. Non? Il est venu seul, puis il est venu avec Ribeiro Dagenais. Ah ouais, c'est déjà sa troisième fois. Clair. Il nous garde toujours en plus. Ah, bah, en plus, ouais, c'est ça. Il est généreux dans les anecdotes, puis on est bien content toutes les fois qu'il vient et qu'il nous dit oui. Et notre invité ce soir, qui est une présentation de Slogar. Yes. meilleur setup de tous les invités. Oh, ça. Comment c'est mieux, boys? Comment c'est mieux? L'autre comme bord. Ça ou comme ça? Comme ça, fait de même. Pour vous autres. Hey, what a beauty. Non, l'autre bord. Sinon, on te voit juste un œil. Bon. Hey, je suis obligé de commencer, mon Guillaume, là. Sérieusement, il faut que tu traites tes invités un petit peu mieux que ça. Tu te rappelles même pas, ça fait combien de fois que je t'ai dit sur le show? Une chance que Max est à côté de toi pour sortir de la merde, mon Guy. Je sais que tu back-check pas trop, mais Chris, rappelle-toi de tes invités. Non, mais il pédale, par exemple. Théo! La première fois avait été trop marquante, Théo, c'est pour ça. T'as été un beau setup, mon Théo. C'est... Ah oui, je me souviens pas. Je m'en souviens plus. Hey, ça a passé à ça que j'oublie, hein. Sérieusement, je fais comme si 8h30, ça a passé à ça que je vous oublie. J'ai dit, Chris, j'ai de quoi à soir, c'est quoi? Y a-tu un show? Non. Y a pas de show de télé. Ma fille, a-tu un concert de danse? Non. J'ai pensé à vous autres, les boys, à la dernière minute. Si, je suis content. Ben, tu nous as oubliés, toi aussi. Fait que, attention avec Guillaume. Mais ils ont inventé une nouvelle affaire, Théo. Là. C'est, non, non, c'est nouveau. Là, ça vient de sortir. Ça s'appelle un calendrier puis un alarme. C'est nouveau, là. Apple, ils viennent de lancer ça. Chris, c'est 999. Je regarde le setup, ouais. J'aurais oublié moi aussi. Envoie-moi là. Envoie-moi ça, mon Guillaume. Si on dit, Théo, que c'est la troisième fois que tu viens nous voir, justement, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois avec le beau Théo, là? C'est quoi les dernières nouvelles? Ben, depuis la dernière fois, là, si tu te souviens, je me suis fait mettre dehors de mon vol d'Air Canada en première classe. J'ai décidé que quand je vais à Montréal, je prends mon avion. Il n'y a pas de trouble après ça. Tu pars avec ton avion, t'atterres à Saint-Hubert, personne ne peut me mettre dehors, c'est moi qui pilote, la vie est correcte. Comme ça, tu contrôles ton destin, mon Guillaume. Dans la vie, là, tu ne laisses pas les autres contrôler ton destin. Tu prends ton destin dans tes propres mains et tu décides qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Qu'est-ce que tu en penses? Chris, j'adore ça. J'aimerais ça pouvoir faire pareil, mais j'ai pas d'avion. Demain, je vais me lever, je prends tes mots, c'est bon, mais je suis pas sûr que je peux contrôler mon destin autant que toi. C'est que j'aime ça. Hey, c'est une vieille nouvelle, mais on sait que tu l'aimais tellement. On voulait t'entendre sur le congédiement puis la fin de carrière de Bruce Boudreau. Qu'est-ce que t'en penses? Es-tu content? Non, ça, sérieusement, c'est pas correct. On perd un de nos grands coachs, nos gros coachs dans la ligue. Un de nos grands coachs. C'est un grand coach. Là, mais... ça arrive des fois, on se trompe, grand, gros... Mais c'est un grand coach. Non. Pour vrai, écoute, Bruce, là, tu sais, je fais des blagues, puis souvent, le monde, ils savent qu'est-ce que je pense de Bruce. Sauf que c'est quand même un très bon coach. C'est un player's coach.
C'est juste la manière qu'il gère ses gardiens de but qui n'ont aucune idée. Parce que comme je te dis, ça a été comme ça. C'est le seul coach, je pense, qui a utilisé. Mais tu sais, c'est un coach qui a du succès, c'est un bon coach. C'est juste que là, je pense un peu, tu sais, la nouvelle mentalité, la nouvelle ligue nationale, je pense qu'il est un petit peu dépassé par ça. Mais pour, tu sais, je fais des jokes, là, je le mousse, mais j'ai quand même eu deux bonnes saisons avec lui. C'est juste qu'avec les gardiens de but, on s'entendait peut-être pas trop de la façon qu'il gère ses gardiens. Mais tu sais, des fois, j'en mets un petit peu, là, mais. Il contrôle son destin, mais pas son Wi-Fi. Ton Wi-Fi bug, Joe, es-tu capable de te mettre sur le 5G ou le LTE? J'aime ça, c'est comme un podcast old school. Comme dans... ouais, c'est comme dans le temps. Il y a des erreurs, ça arrive, puis ça bug. Ben, puis... c'est pas une erreur. Bon, c'est pas une erreur, ça bug. Mais c'est qui me ferait, ce gars-là? Il contrôle son destin, il prend son avion à ce temps. Ah, si je finis, vous oubliez, boys. Il est comme... Il est relax, relax. J'ai hâte de parler... J'ai des bons sujets à soir. Je peux-tu avoir de l'eau, s'il vous plaît? Oh, aïe, aïe. Mais ouais, d'après moi, il est trop loin de son Wi-Fi, puis là, ça fait que ça... Ah, tu penses qu'il est en dedans, c'est ça? Le Wi-Fi? D'habitude. Ouais. Sinon... Ben, moi, j'en ai un dehors. T'as un Wi-Fi dehors? Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je suis souvent dehors sur mon téléphone. Tu bord de la piscine l'été, dans le cabanon? LTE, ça fait pas. Pendant que Théo revient, mon petit Maximilien... T'as un quiz? Non, j'ai pas un quiz. Mais on va y envoyer Arbor bientôt, s'il continue de même. Arbor Jokai. Jokai, le Wi-Fi. Mais sinon, tantôt, la gang, restez là. André Roy va être avec nous pour venir jaser. Mais il y a une situation que je veux qu'on parle. Tu sais, quand on dit 2023, puis les joueurs de hockey s'ouvrent un peu plus, puis se permettent. Puis je veux entendre. OK, ben ramène Joe quand il est prêt, c'est bon. Bon ben. Garde ta question, ouais, mon homme. Garde ta question. Yes. T'as-tu enlevé ton Wi-Fi? C'est correct. Non, je viens de payer mon bill. J'ai envoyé à la carte, j'ai payé le bill, là, fait que je suis correct. Ben non, mais c'est ça. Je l'ai fait, ça a été rapide. Ça a été quick. Ça a été quick. Avec la carte American Express Black, ça va de même. Ça... c'est lui, il n'y a pas de bon sens à soi. Théo, t'as-tu déjà vu ça dans ta carrière pour venir à Bruce Boudreau, quelqu'un sortir mal de même? T'as-tu vécu ça avec un joueur ou un autre entraîneur? Ça n'a aucun bon sens. Là. Écoute, pour vrai, là-dessus, là, c'était quand même quelque chose. J'ai jamais vu ça. Puis la façon dont ça s'est fait, c'est quand même... Dans la Ligue nationale, d'habitude, les choses sont bien faites, mais de ce côté-là, ça... Il y a eu un manque à quelque part. Ça me fait penser quand j'étais au Colorado. Puis Crime Scratches, notre défenseur, il apprend qu'il se fait échanger à côté de moi dans la chambre pendant qu'il s'étire avant le morning skate. Tu sais, des fois, quand il y a comme des petits bugs avec la ligue, là, ben, je pense que Boudreau, là-dessus, ça a été mal géré un peu. Mais d'un autre côté, écoute, je pense qu'il s'en attendait là, avec la saison qu'il y avait. Puis le fait qu'ils n'ont même pas voulu le signer cet été, quand il savait que c'était son dernier contrat, je pense que le message était assez clair que ses jours étaient comptés, là, pour être honnête. Mais tu sais, pareil, l'image de voir un gars comme lui toute sa carrière, puis là, Chris, il broyait en arrière du banc, là. Tu sais, on a beau... c'est triste en tabarnak, là. Il est rendu à 65 ans, il a tout donné... Il fait 30 ans qu'il est dans le hockey, puis ça se finit en amenant une queue de poisson, là. Ah non, c'est plat. C'est sûr, pour lui, c'est plat de la façon que ça s'est fini, puis je pense pas qu'il... Tu sais, on s'entend qu'il méritait pas ça, personne ne mérite ça. C'est surtout, comme je te disais, un marché comme Vancouver, c'est un gros marché au Canada. On sait qu'on en parle beaucoup, on l'a vu. Écoute, je pense qu'il y a quelqu'un qui est échappé à la balle, ça c'est sûr, on s'entend là-dessus. C'est bien plate, mais la réalité, là, on le sait comment toi, quand un joueur s'est fait échanger, puis le lendemain, là, t'es juste un numéro, on l'oublie. Mm-hmm. Comme je dis, il y a des joueurs qui se sont fait échanger, mon Guy, qui l'ont appris à la télé. Ouais. Son agent n'avait pas le temps de l'appeler, le club ne l'a même pas appelé. Le gars, il se prépare pour jouer une game. Il regarde, on regarde TSN. Bon, t'es échangé. Le gars, c'est un Russe. Il dit, what's going on? Je dis, ben, tu t'en vas à Anaheim, mon chum. Ah, OK. T'sais, c'est comme... Des fois, il y a des petits manques comme ça. Puis je pense, de ce côté-là, il y a eu un manque, puis c'est plate. Mais il y a quand même une carrière exceptionnelle. On s'entend que c'est un coach qui a quand même eu beaucoup de succès.
On a plein de questions, des sujets séparés, Théo, parce qu'on ne t'entend pas assez souvent chez nous à Poche Bleue. Puis ton opinion, le monde capote toujours, c'est ton opinion. Puis il y a tellement de bonnes choses qui sont arrivées cette année. Tu parlais tantôt de Bruce Boudreau qui gère mal ses gardiens, mais à Montréal, il y a un gardien qui a quand même commencé d'une belle façon cette année, c'est Samuel Montembeau. Puis on voulait t'entendre, tu es un ancien gardien de but. Pourquoi que cette année, il a décidé d'éclore? Puis qu'est-ce que tu penses de lui en général? Es-tu capable d'un jour devenir un numéro un, tu crois? Je ne vais pas trop en dire là-dessus parce que demain, lisez ma chronique dans le Journal de Montréal qui apparaît demain, puis je parle un petit peu de ça. Mais je vais vous donner un petit aperçu pareil de mon approche. Tu sais, le monde, je veux le dire là, parce que c'est important de le dire des fois. Tu sais, je me fais dire « Ah, Théo, il est anti-canadien » ou « Théo, c'est pas ça. Moi, je parle, qu'est-ce que je pense. Là, je suis pas là. Je suis pas comme les gars de TVA. Mais je disais à TVA, mais anyway, les gars de TVA Sport qui sont pro-canadiens parce qu'ils veulent pas se faire ramasser dans les sociaux médias. C'est comme ça, c'est correct, là. Je salue mon chum Renaud, c'est normal. On pousse pour Canadiens puis toute la gang. Je suis d'accord, mais moi, je dis juste ce que je pense. Puis aujourd'hui, j'ai lunché avec Robida, puis on parlait, puis c'était le fun. Fait que tout ça pour dire, moi, je fais juste dire mon opinion le plus honnêtement possible. Fait que pour revenir à tes gardiens de but, écoute, Montembeau, je le dis, il a fait un pas de géant cette année, je l'avoue, là, comme pour vrai, c'est pas le même gardien de but qu'on a vu l'année passée. C'est un gars qui joue d'une façon qui appartient à la Ligue nationale, puis tu le vois que tu sais, il prend de l'assurance, je l'avoue. Mais la réalité, là, la réalité, puis c'est zéro un 10 à Simon, là, à Samuel. C'est pas ça. C'est juste qu'il est rendu à un âge, il a pris un step. Je ne sais pas combien plus de steps qu'il y a. Je pense qu'il va être à son meilleur comme gardien de but numéro 2 qui va jouer 30 matchs. Allen, on le sait, il est rendu là, il a fait ça, il est rendu un numéro 2. Fait que je pense que l'une des priorités de Kent Hughes, priorité, puis ça fait 3 ans, je le dis même 4 ans, ouais. Price est encore dans son prime, mais tu sais, moi, ils m'ont repêché. Patrick Roy, il avait 28 ans. Serge Chavard préparait déjà la relève. Price, il a été repêché, j'avais 28 ans, j'étais dans mon prime. Préparer la relève. C'est juste que ça fait 4 ans que je dis que Bergevin se devait de mettre l'emphase sur un gardien de but. Il l'a pas fait. Présentement, on parle de reconstruction. Je suis comme vous autres. Je les aime, les jeunes, puis je suis emballé. Suzuki, Caulfield, Goulet, nomme-les, Chakao, qui se bat au bout. C'est bien beau, là, toute la vie est belle. Mais quand même, ça prend un gardien de but. Ouais. Attends, puis pas un gardien de but. Suite, je veux pas un numéro 1 à 30 ans qui fait 7 millions. Ça te prend un jeune qui va bâtir avec ça. On l'a toujours dit, tu commences avec un bon gardien, puis tu construis. Je vais donner 2-4 exemples, mes petits cocos. Je vais commencer avec les Pingouins de Pittsburgh. Quand Fleury est arrivé dans la Ligue, là, il était mauvais, Pingouin. Mais il avait 19-20 ans, Marc-André. Là, whoop, Crosby, Chris Letang arrive. Puis quand ils ont gagné leur coupe, c'était comme tous les jeunes, ils ont grandi ensemble. Je peux aller même Rouen en 86 avec le Canadien, mais ça, on va l'oublier, ça fait longtemps. Chicago, Kane, Taze, en défense, on avait les Keith Seabrook, Duncan Keith. C'était qui dans le filet? C'était un jeune. Crawford, il commençait, on a buildé avec lui. Je vais aller même, quand Devils ont commencé, Brodeur avait 20 ans, il gagne la coupe. Voilà, LA gagne 2 coupes. Quick, il a 24-25 ans, en même temps que les jeunes, ça pique. Là, on va à l'inverse. Montréal doit éviter ce que Edmonton et Toronto a fait. 100%. Ils ont un gros club, on s'attend à beaucoup, ils sont juste pas capables de trouver un gardien. Là, ils paniquent, ils essayent de patcher les trous. Ah, Campbell, il a été bon à Toronto, on le voit à Edmonton. Il n'y a une POC, on y va avec un gars Skinner. T'sais, Edmonton, c'est un méchant club, mais ils n'ont pas de gardien, fait qu'ils n'auront pas de coupe. Toronto, on va chercher Matt Murray en espérant qui amène ça, on tourne en rond, puis c'est de valeur parce que les Marner puis Matthews de ce monde sont dans leur prime. Ouais. Fait que moi, qu'est-ce que je dis, Montréal puis Kent Hughes, pas juste de repêcher un gars, t'as beaucoup de bons jeunes dans la Ligue américaine qui ont un grand potentiel. Bien vite, là, Hallmark à Boston, il va gagner le Vezina. Ouais. Il était à Buffalo avant. Boston, ils sont allés chercher pour des peanuts. Le backup, Swayman, c'est un gars de deuxième ronde. Je peux continuer. Robin Leonard, qui était à Buffalo, ils l'ont laissé partir, gagner le Jennings avec Arlenders. Fait que t'as beaucoup de bons gardiens de but qui ont le potentiel, mais ils sont peut-être pas à bonne place. Je pense que ça doit être le focus du Canadien parce que sinon, on va faire du standstill. On va avoir un marqueur de 50 buts, on va avoir un capitaine qui a 90 points.
Mais si tu n'as pas le gars en arrière, on oublie ça. Puis Price, on s'entend que c'est pas mal terminé. Fait que ça, c'est la priorité. Fait que pour revenir à Samuel, il a fait un pas de géant. Je pense qu'il va être à son meilleur dans son rôle de substitut de gardien numéro 2. Puis ça, c'est à son honneur. Là. Il y a beaucoup de gardiens numéro 1, les boys, qui sont pas de bons numéro 2. Je pense pas que Patrick Roy aurait été un bon numéro 2. Puis moi, j'étais pas le meilleur numéro 2 parce que si je jouais pas, j'étais marabout puis ça me tentait pas d'être là. Je voulais juste jouer. Mais t'as des bons numéro 2 qui sont bons, qui apportent dans l'équipe, sont bons dans la chambre, qui sont capables de donner un break à ton numéro 1. Puis le rôle, il est très, très utile. Puis Samuel, je l'ai vu un peu à Montréal. Mais je pense que la réalité, on va être honnête, Primo, Montembeau, Allen, ils font la... Mais c'est pas des numéro 1. Là. Fait, si tu veux take it to the next level, c'est pas là. Ça, c'est mon opinion. Ben, je pense que ça fait longtemps qu'on aurait dû adresser ça. Cette année, on a deux choix en première ronde. On a le nôtre et celui des Panthers. Tu brûles-tu celui des Panthers pour prendre un risque sur un jeune gardien ou? Pas nécessairement, parce qu'on s'entend que les gardiens en première ronde, là, c'est quand même top à trouver. Ouais. Mais tu sais, je pense quand même que tu peux échanger, par exemple, ton choix de première ronde pour peut-être aller chercher Tarasov, qui est à Nashville, leur choix de première ronde, le goaler, que c'est un méchant prospect, ou Minnesota, là, ils ont Fleury, puis ils ont Gustafsson, qui va bien. Il y a un gars en première ronde, le Suédois, je ne me rappelle pas de son nom, mais c'est un gars de première ronde. Fait que tu peux aller chercher des gars qui sont très prêts. Oui, tu payes peut-être cher, mais quand tu es un prospect, mais on ne peut pas essayer de... on peut pas aller à la pêche en espérant de signer un gars de nulle part, puis ouais, ben, il était incroyable. Il faut quand même que tu payes un certain prix. Puis si, je sais pas le draft, les boys, là, s'il y a un gars de premier plan incroyable, tant mieux, puis ils peuvent le prendre. Mais tu sais, de l'autre côté, il faut pas juste que tu repêches un gardien tôt pour le dire. Mais je pense juste que tu as plusieurs bons gardiens de but qui sont dans la Ligue nationale, mais qui sont juste pas dans une bonne équipe pour jouer. Tu sais, comme je te dis, Saros à Nashville, il gonfle vraiment bien. On s'entend qu'il est dominant. Il y a un jeune des mineurs. Peut-être que les jeunes sont plus ou moins satisfaits. Quand j'étais en Floride, c'était Mark Strun qui était avec moi. Il commençait, puis il voyait comme le top du top. Là, whoop, ça allait moins bien. Mais Vancouver, ils ont fait le flash que le Canadien devrait avoir. Ils ont dit, hey, on va aller le chercher. On a confiance qu'il va être bon. Ils sont allés le chercher. C'est un gardien de but de premier plan pareil. Puis ça, je peux continuer des gardiens mais comme oui. Ça. Mais il faut à un moment donné qu'il faut que tu sois capable de dire, je m'avance, puis je vais donner un bon joueur. Mais ça pour dire... Hey, on va dans la bonne direction, les Canadiens. Là. J'ai croisé Kent Hughes tantôt, j'ai dit si j'aime ta job, tu fais une méchante belle job. Mais tout ça pour dire, vous le savez, les gars, là, stream, si t'en score 4, mais t'en accordes 5, ou quand le match il est 3-3 en troisième, tu as besoin de l'arrêter, là, pas 20-1. Ça te prend le gars qui le fait, puis soir après soir, puis ça donne confiance aux joueurs. Fait que, tu sais, je veux que les Canadiens performent, gagnent une coupe ou soient des contenders. Mais présentement, j'aimerais ça avoir un jeune gardien qui pousse, qui apprend dans la même mentalité que les Suzuki Caulfield. Pas un vieux de 30 ans. Je veux un jeune qui grandisse comme toutes les autres équipes que je vous ai nommées au début, puis que le Canadien soit vraiment une bonne équipe pour plusieurs années. Un gars comme, toucherais-tu dans tout ce que tu dis là, un gars qui plusieurs rumeurs sur lui, c'est sûr, à toute fois qu'il y a un gars disponible, tout le monde s'enflamme en disant « faut qu'il vienne », mais un gars comme Carter Hart, que ça marche pas pantoute à Philly, c'est un gars qui t'intéresse ou tu vois pas le potentiel? Sans aucun doute. C'est un gars de première ronde. C'est un gars qui a quand même performé dans la Ligue à 20 ans. On s'entend qu'il avait sorti canadien pendant la bobo d'une couple d'années, qui a été bon. Puis à 20 ans, pour goaler, je suis obligé de donner crédit. C'est pas facile. On le sait, t'arrives 20-21. Price a commencé à dominer. Il avait 24-25. C'est pas un métier facile. Il l'a quand même fait. Philadelphie, vous le savez, boys, vous avez joué là. Les fans sont pas faciles. Hein? On s'entend que les fans peuvent être tough. Fait que si t'as un jeune gardien de but, peut-être un petit peu fragile, je sais pas, on n'a pas besoin d'un gars fragile à Montréal, on s'entend, sauf que peut-être qu'en Philadelphie, là, ça va juste pas, puis c'est un changement d'heure. Mais c'est sûr que si Carter Hart s'en va à Montréal, puis il gagne un trophée de Vezina, personne va être surpris. On va dire, ben oui, c'est un choix de première ronde, c'est normal, c'est un prospect. Mais au moins, tu mets les chances de ton côté, tu vas pas chercher un chaudron du 8e ronde que tu dis peut-être qu'il va faire la job à 500 000. Ah, c'est ça. C'est comme, ça arrive une fois par 10 ans, puis je critique pas ça, c'est juste que ça arrive pas souvent, c'est juste qu'il faut mettre les odds de notre côté. Fait que, oui, Carter Hart, c'est un bon choix, puis tu sais, je veux dire, il y en a beaucoup, là. Comme je te dis, Boston, écoute, ils ont Allmark, puis Swayman, c'est un gars de deuxième round, puis c'est un potentiel, je suis sûr, qui va être un bon numéro un. Quoi, peut-être que tu fais un offre à Boston qui est intéressant, eux autres vont dire, parfait, on a Allmark,
t'offres un Montembeau pour être second, supposons, à Walmart à Boston, whoop, t'as Swayman qui a 24-25 ans puis qui a un gros upside. Je veux dire, il faut que tu ailles la chercher. Ça ne te tombera pas ses jambes, là, la transaction. Il faut que tu manipules. Puis surtout avec les joueurs qu'on a à Montréal, c'est tough. Là, tu ne peux pas faire rester un jus d'orange avec une gang de citrons. On s'entend là-dessus. Non, mais écoute, vous comprenez, on ne peut pas espérer avoir une superstar en échangeant un gars qui est en fin de contrat, qui va être agent libre, ou bien un joueur qui n'a pas d'expérience. C'est la réalité. Ah ouais. Tout ça pour dire que, Krim, on a beaucoup de choix. On sacrifie une couple de choix. Je te dis pas de le faire cet été, les boys, ou cette année. Je te dis juste que ça presse dans les prochaines années. Ben, dans les prochains 2 ans, max, parce que le club va faire ça, puis ça te prend le gars en arrière. Je suis d'accord. C'est mon opinion là-dessus. Ouais, c'est très bon, très bon. Ouais. Les gens. Justement, on a quelqu'un qui pose la question, juste retrouver c'est qui. Je la trouvais intéressant pour un vétéran comme toi qui a été longtemps dans la ligue. Le traitement qu'a reçu Jonathan Quick, la façon qu'on l'a. Tu sais, un gars, Chris, qui a donné des coupes, qui a été là pendant 15 ans, on le sac dehors à Columbus de même. Puis là, ça finit bien, là, il se retrouve à Vegas, puis c'est le fun, puis il y a du succès, mais il a été maltraité un peu. Là. Ça a été plate en Chris. Hey, Guy. T'es-tu vraiment surpris? Check comment Guy Lafleur est parti de Montréal. Check comment Patrick est parti de Montréal. Moi, j'ai été parti avec des Ray. Je veux dire, à un moment donné, là, c'est ça la gang. T'es un numéro, t'arrêtes plus époque, tu fais trop d'argent, bou. Je veux dire, va pas plus loin, là, Patrick. Il y en a un qui a donné à Montréal, puis qui a donné, c'est lui. Mais crime, on l'a quand même hué en bout de ligne, là. Guy Lafleur, j'ai regardé ses documentaires. Guy Lafleur s'était fait huer, puis il a arrêté à 32 ans, je pense. Il a arrêté de jouer à 33. Tu sais, moi, j'avais quand même joué 9 ans. J'avais fait du bon pour le club, je me suis donné. Mauvaise saison, tu te fais oui, puis c'est correct, ça vient avec la job. Fait que tout ça pour dire que Quick, c'est un peu ça qui est arrivé. Puis, tu sais, oui, c'est plate. C'est pas la Fleury à Pittsburgh. Tu penses que ça a bien fini, lui? Ouais, ça n'a pas d'allure. Il est sur le banc, le club gagne une coupe. C'est le meilleur gars, tout le monde l'adore. Il ne gagne pas une game, gagne une coupe, puis il laisse partir. Fait que tout ça pour dire, tu sais, écoute. Ça continue, les boys, on va pas réinventer la roue, c'est ça la ligue. Mais tu sais, tu parles de gardien, tu parles de moments difficiles, puis Patrick, tu parles de Patrick. Patrick Roy et Carey Price sont venus dans les derniers mois, puis ils nous ont parlé de la pression d'être gardien de but, surtout à Montréal, de la santé mentale. Puis tu sais, on dirait que toi, on l'a jamais vu. Tu sais, t'as toujours le look de bonne humeur, un gars bien habillé, confiant. J'ai jamais entendu ta perspective à toi là-dessus. T'es-tu déjà senti mal? Tu sais, Patrick, il disait qu'une fois dans l'avion, il avait le goût de broyer là, quand il était échangé. Ouais, ben écoute, je peux pas te dire que ça a toujours bien été, c'est pas ça, là, mais la réalité, puis c'est drôle, j'en parlais justement avec Robbie aujourd'hui au lunch, puis il me disait, tu sais, c'est quoi la plus grosse qualité que tu regardes pour un gardien de but? Là, il parlait, c'est-tu la grandeur, c'est-tu les réflexes, c'est quoi, il dit ça. J'ai dit, Robbie, c'est son attitude dans la tête. Tu peux être le meilleur gardien de but technique, gros puis grand, si t'as pas le chien puis t'as pas un peu de... On a-tu le droit de sacrer à votre podcast? Ouais, tu veux y aller. Bon, si t'as pas un petit peu justement calice, puis tu sais, être cocky, t'as beau avoir le talent, tu vas être bon dans les pratiques, tu vas dire c'est un esthétique de pratique, mais t'auras pas la coche. T'sais, tu regardes un gars comme Patrick Roy, c'est un gars cocky, mais confiant, puis le monde aime ça. Moi, je pense que c'était ça ma force, c'était pas ma grandeur, t'sais. On s'entend là-dessus, sauf que tu sais, dans la tête, je me voyais comme le meilleur à chaque match. Je voulais être le meilleur, puis j'acceptais pas d'être numéro 2, puis je poussais. Fait que je pense que c'est ça qu'on a besoin justement à Montréal. Puis de là, t'as du monde justement qui aime pas ça se retrouver dans l'œil public, puis qui aime pas ça avoir trop d'attention. Fait que ça prend un gardien de but qui est capable de dealer avec ça. Mais la réalité, là, on s'entend, les boys, que tabarouette, on est payé pour jouer au hockey. On n'est pas des joueurs de hockey. On est payé pour jouer. On dit pas notre job, tu sais, on joue pareil. Tu joues, tu t'amuses, tu veux être bon. T'sais, si tu as une mauvaise soirée, c'est-tu vraiment la pire affaire au monde? Là, on s'entend que des fois, on est capable de se dire hey, ça va pas bien, ta barouette, puis je laisse tomber tout le monde. La réalité, tu joues, tu mets ça de côté, puis il faut que tu aies confiance en tes moyens. Puis j'en reviens là-dessus quand je parle de qualité, là, d'être un petit peu cocky. Aucun entraînement du Canadien, puis je l'ai fait dans une de mes chroniques, puis ça m'a chatouillé. On parlait avec Primo, Montembeau, Allen, puis Primo Montembeau. Allen, esprit. Primo Montembeau. C'est ça, les trois. On parlait avec les trois, puis là, là, on parlait plus, c'est quoi votre but, les boys? Ben, Allen, on le met de côté, lui, on le savait. Ouais. Il mérite, il a sa job d'assurer. On est au tournoi de golf,
Puis les boys, Samuel, comment? Oh, je me suis entraîné fort, oui, qu'est-ce que tu penses cette année? Ah, oh, ben, je vais me battre pour avoir la job de numéro 2 avec Primo. Puis, tu sais, c'est mon chum, mais tu sais, je veux la job, je vais me battre avec. Là, après, tu vas voir Primo. Ah, oh, oui, j'ai eu de l'expérience dans les Ligues américaines, je veux me battre pour la job de numéro 2. Puis, mon but, c'est de jouer à Montréal. Hey, les boys, réveillez! Votre but, c'est d'être numéro 1. Price, il est dans les estrades. T'as Jake Allen en avant de toi. Va le dire. Hey, mon but, c'est d'être numéro 1. Je veux arriver au camp. Puis je vais essayer d'être numéro 1. C'est ça mon but dans la vie, d'être numéro 1 dans le national. Il n'y a pas rien de mal. Tu manques pas de respect à personne. Mais Chris, tu manques pas de respect à personne. Puis, tu sais, comme je te dis, avec Price en avant, c'est comme quand moi, je suis arrivé, Roy était là. Jamais j'aurais dit ça. Je disais, Patrick, c'est beau. Je suis juste content d'être dans la même chambre que toi. Je l'avoue. Price, il y a cet effet-là. Mais là, t'arrives à un camp, t'es tous des jeunes. C'est fucking Jake Allen que je respecte énormément, mais on s'entend que c'est pas Carey Price. J'aurais aimé voir les jeunes, pas dire je me bats avec le numéro 2 pour faire le club. J'aurais aimé dire, hey, moi j'arrive, mon but c'est d'être numéro 1, puis je vais être numéro 1 dans la ligue. Le monde aurait aimé ça, les médias auraient aimé ça. Puis si tu livres la marchandise, ben on fait crier un peu comme Guy, ça va être Guy, Guy, Guy. Là, ça aurait été Sam. Mais c'est ça que je trouve. La différence entre un numéro 1 et un numéro 2, c'est ton approche. Puis ça, c'était juste... C'est rien de mal aux boys. Là. Moi aussi, c'est comme... C'est déjà beau, ils sont dans la ligue, ils performent bien. Mais je te dis juste, c'est quoi quand je parle d'avoir du chien pour jouer pour le Canadien de Montréal? Ça te prend quand même ce côté-là. Puis je pense que le prochain gardien de but, on doit s'assurer que c'est ça. Il y a le petit chien qu'on veut, tout en étant confiant en ses moyens. Mais ça, c'est un atout important, je pense, pour jouer. Puis surtout être goaler pour Canadien. Ah, c'est bon en crime ce que tu dis. J'avais même pas jamais pensé à ça. C'est vrai que les gars, ils ont juste accepté. OK, on va se battre pour le numéro 2. C'était Jake Allen en avant. C'est comme... Non, mais la réalité, c'est comme tu dis, ah, ben, je veux faire le club, je vais être content de jouer 5 minutes sur le quatrième trio. Mais je comprends si tu es avec une équipe de stars, comme je te dis, j'aurais jamais dit ça avec un Carey Price, Patrick Roy en avant de moi. Mais quand t'arrives, c'est un Jake Allen que tu sais qu'il n'est pas supposé être numéro 1, on l'a signé comme numéro 2. Mais crime, c'est comme... T'as une chance en or là, de fausser les données. Oui, tu commences comme underdog, mais t'arrives, tu dis, hey, oublie les autres. Là, moi, je vise en haut, puis c'est là que je veux être. Puis tu pousses, puis si ça marche, tant mieux. Ça veut pas dire que ça va marcher. Mais c'est l'attitude que je pense qu'on doit avoir. Puis il n'y a rien de mal de le dire. Souvent, les joueurs, ils ont peur de dire qu'est-ce qu'ils pensent. Souvent, ils n'avaient pas peur. Il y a certains gars qui n'ont pas peur. Sauf qu'il n'y a rien de mal d'un jeune qui dit, je veux être numéro 1 pour le Canadien de Montréal. C'est comme, au contraire, c'est ça qu'on veut. Mais oui. C'est pas, tu dis pas que l'autre est pas bon. Tu dis juste, je veux sa job, je veux être numéro 1. C'est correct. Vas-y. Wow. C'est ça la game. C'est bien dit. Ça, c'est mon opinion, c'est gardien de but. Mais bon, là, ça presse qu'on a besoin d'un, là, pour être honnête. Là. Je sais que t'étais goaler, Théo. Là. T'as pas eu à te battre souvent, là, mais on a vu dans la réglementation qu'on veut abolir les bagarres dans le junior. Qu'est-ce que tu penses, toi? C'est ton opinion là-dessus? Bonne question. Écoute, je pense que si on abolit les bagarres dans le junior, il faut faire pareil dans la Ligue nationale. Parce que le gars qui se bat pas junior et qui apprend pas, s'il apprend dans la Ligue nationale avec un gars qui se bat 10 fois par année, je pense que c'est pas mal plus dangereux. Fait que c'est où que, c'est comme si tu me dis, pas de mise en échec jusqu'à temps que tu es dans la Ligue nationale. On s'entend que ça va venir vite en esprit quand tu es dans le show. Fait que les bagarres, je suis pas pour ça. Je te dis juste que si tu l'abolis dans la Ligue junior, bien, abolis-les dans la Ligue nationale. Parce que le junior majeur, tu as des joueurs qui passent du junior à la Ligue nationale tout de suite. Puis le gars là, qui pense qu'il est tough, qui ne s'est jamais battu, puis il arrive, il se bat contre un top qui a peut-être 200 combats en dessous de la cravate, je pense pas que c'est trop bright, puis c'est prudent. Fait que moi, c'est ça. C'est où que tu l'acceptes ou tu l'enlèves partout. Aussi simple que ça. Bonne réponse. C'est intelligent, encore une fois. Est en feu, le Théo. On a plein d'anecdotes aussi, puis on pourrait parler d'actualité pendant 4 heures avec toi, là, mais on parlait de gardien puis tout ça. Parle-nous un peu de le rappel d'urgence à 19 ans. Ah, ma première game, Esprit. Ça, c'est quelque chose. Je t'en, je reçois un appel, il est 3 heures de l'après-midi. C'était pas Réjean, il était DG, mais c'était quelqu'un de l'entourage, là, qui il dit, ouais, José, on a une blessure, on est obligé de te rappeler d'urgence parce que les gars de la ligne américaine sont trop loin, personne ne peut se rendre à Hartford à temps. Fait que t'es à Ottawa, rends-toi à l'aéroport d'Ottawa parce qu'il y a un jet privé avec Réjean Hull, puis les
c'est comme les big boss de Mawson qui vont être dans le jet, s'en aller à Hartford, embarque à Hartford pour aller à Hartford. Là, moi, j'ai 19 ans. J'arrive avec ma poche des Olympiques de Hull. Je suis dans le jet privé avec Régent Hull, puis comme le VP Mawson, le CEO, toute la gang. Là, je suis dans le jet. Je suis là, je peux te dire, je suis petit dans mes shorts. Tu l'aurais-tu dit que t'allais être numéro un? Non, je n'étais pas rendu là, par exemple. Non, mais je leur ai dit qu'un jour, c'est moi qui vais payer le jet, par exemple. Mais, ça, je n'ai pas parlé. Non, c'est pas vrai. Je fais des jokes, arrêtez, c'est pas vrai. Mais là, j'arrive, mais tu sais, ton premier match, vous vous souvenez de votre premier match, on est excité, on veut le savourer, on veut parler à nos parents. Waouh, ouais, je me fais rappeler. Moi, je me fais caler, il est 3 heures, la game est à 7. J'arrive à Hartford, le warm-up qui est à 6h30, supposons la game est à 7, 6h30. J'arrive dans la chambre à 6h25 comme un beau pingouin avec mon stock. Je vois encore Dan Pousse qui est prêt à embarquer pour le warm-up. Moi, je suis là, excuse, je viens de passer avec ma poche. Il faut que je m'habille en dedans de 5 minutes. Là, je suis là, tu sais, comme j'ai comme rien savouré, au contraire, je me sentais mal. Les gars sont tous debout. Ils ne savent pas chez qui, moi, je me sens mal. Je m'habille pratiquement dans les toilettes. Puis en plus, à Hartford, le gardien de but qui ne joue pas, le backup, il s'habillait comme. Il restait dans le coin entre les périodes, l'autre bord du banc. Tu comprends, là, comme pas rapport dans l'action. Fait que déjà là, moi, je me dis, tu sais, je voulais voir c'était quoi. J'étais juste content de patiner en rond avant les périodes, de regarder dans les astrales un peu. Dans ce temps-là, on patinait tout le temps, puis les périodes, ouais. Pour moi, c'était mon highlight. Là, j'avais ma gomme. Je me pensais « I make it ». Là, après deux périodes, quand j'étais assis dans le coin à côté de la Zamboni puis des fans, je me suis mis chum avec 2-3 fans. Mais là, mon stock, j'amenais mon casque, mes mythes. Après une période, on mène 1-0. Après deux périodes, on mène 2-1. Fait que moi, rookie mistake, je décide pour la troisième. Je dis, ben Chris, c'est sûr que j'embarque pas. Je vais laisser mon casque et mon bloqueur dans la chambre. C'est sûr que j'embarque pas. Pow, pow, pow. Là, Mario Tremblay, il est l'autre bord du banc, il me fait des signes. Premier coup, je fais comme si je le vois pas. Deuxième coup, il me fait des signes. Mais là, moi, il me fait des signes. Mais j'ai pas de cas, j'ai pas de mythe, j'ai pas personne pour aller le chercher. Fait qu'il me fait des signes. La caméra me filme, moi je fais un U-turn, je pars à courir dans la chambre comme si j'en vais me cacher. Fait que ça, c'est mon premier match. Là, je pars, j'arrive avec mon masque, puis j'embarque sur la glace. Fait que tu sais, l'image de mon premier match, c'est pas trop exemplaire. Puis là, j'embarque sur la glace, il reste 10 minutes, là, tu sais. Hey, déjà, j'ai pas eu de warm-up, j'ai pas eu de shot, je me sens, tu sais, qu'est-ce qui arrive? Là, j'ai couru esprit. Fait que là, je suis arrivé là. Pas payé deux, lancé un but. C'est pas payé. J'ai arrêté un sur deux. ça a été mon baptême de feu, disons, dans la ligue. J'aurais aimé ça avoir plus un fun de vie. C'est quoi exactement? Tu te fais rappeler que t'es avec les boys et tout ça. Mais moi, disons que ma première game, ça a vraiment pas été ça. Puis j'ai appris en rookie mistake que quand tu joues pas, t'amènes tout le temps des mythes et ton casse. Fait que si tu vas online, là, tu vas voir mon premier match. On va aller voir ça, c'est sûr. Tu goes. U-turn, je pars à courir dans la chambre. Là, le monde sera là. Qu'est-ce qui se passe? C'est mal fait pareil. Okay. Quand tu y penses, il y a tellement de monde qui pense au hockey dans une organisation. Ils rappellent le kid de 19 ans et ils font vivre ça. T'sais, c'est juste mal fait, je trouve. Ben, c'est un call d'urgence. Là, ouais. Je me mets juste dans ta tête, mais... man. Ouais. Le coach est là. Non, je veux pas le voir ici. C'est moi. J'ai resté là pour une couple de games. Puis là, après, je pense que c'était Thibault qui a blessé. Fait que j'ai resté là pour 2-3 games. J'ai reçu un 7 000$ que dans ma tête, j'ai dit, Chris, je suis riche. T'sais, 7 000 pour comme 2 semaines, je sais pas trop. Fait que j'étais bien content d'avoir mon salaire canadien, par exemple. C'était en canadien dans ce temps-là. Fait que c'était le fun, mais c'était spécial, disons. C'est que j'aime ça. Les anecdotes, c'est la beauté. Tu m'écris gros Mike en série avant le match numéro 7 qui rate l'avion qui mange le volet. Ça a l'air, là. Michel Therrien. Gros Mike, c'est Mike Therrien, ça? Oui, Mike Therrien. Puis on comprend, là, que Mike Therrien, c'est mon grand chum. Il est en Floride. On joue au golf ensemble. T'sais, c'est mon bon chum. J'ai même une autre anecdote qu'on est allé à Tampa boire un match il n'y a pas longtemps. On reparlera de ça après parce que c'est une autre bonne anecdote. Mais là, on est en série. C'est la première année de Mike. Moi, j'ai commencé à Montréal, j'avais un one-way jusqu'au mois de février, puis ça allait pas bien, je jouais pas bien, puis Vigneault, puis l'organisation m'envoie à Fredericton pour finir la saison. Fait qu'à partir du mois de février, puis Mike, écoute, je le connaissais pas, je le connaissais du junior majeur un contre l'autre, Hull Laval, fait que c'était la rivalité, puis
Fait qu'on se connaissait, mais on se connaissait pas en même temps. Fait que j'arrive là, ça tombe que tu veux pas, je pars de la Ligue nationale. J'arrive en bas, au lieu d'avoir une attitude de cul que si j'étais en crise, puis je suis posé être en haut, j'étais un one-way. Au contraire, tu sais, je l'ai pris comme un tape sur la gueule. J'ai dit, hey, là, réveille, tu vas aller là, tu vas dominer, puis l'année prochaine, tu remonteras. Fait que je suis arrivé là-bas, j'étais avec une bonne attitude. Il y avait des gars que je connaissais, j'ai gaulé. Mike m'a fait gauler comme 20 des 22 derniers matchs, fait que je gaulais tout le temps. Puis j'avais, ça allait super bien. On arrive en série. Première série, c'est contre les Leafs de St. John. Ça, c'est à Terre-Neuve. Pas St. John, New Brunswick, mais Terre-Neuve. Ouais. Là, dans ce temps-là, j'ai dit match 7 parce que je voulais que tu comprennes que c'était des 3 de 5. Puis c'était le match numéro 5. Fait que c'est comme le match 7. Là, on s'entend, c'est do or die. Puis là, moi, je restais en appartement. Ah non, c'est pas vrai, je restais avec ma blonde à l'époque. L'année d'avant, j'étais avec mon chum Jonathan Delisle. Rest in peace, Joe. Puis là, l'avion était à 9 h le matin. Pour partir, l'avion partait de Fredericton, faisait escale à St. John, New Brunswick. Les gars, ils attendaient St. John à St. John pour notre match, la veille du match ultime, le gros match. Moi, je suis dans le lit, je dors, 9h moins 20, téléphone sonne, allô, c'est Jonathan Delisle, Johnny. Théo, l'avion décolle dans 20 minutes. Je m'en viens, mon cadran n'a pas sonné, Chris. Comme vous autres, tu vois, je vous ai quasiment manqué. Imagine-moi 20 ans, 21 ans. Là, je suis là, je dis, qu'est-ce que je fais quoi? Là, c'était sûr que je manquais le vol. Je reste à 20 minutes de l'aéroport. Là, je dis, tabarnak. Là, quelqu'un des bureaux de Fredericton qui boucle les vols m'appelle. Il dit, OK, José, dit, on t'a pris dans un vol. Eux autres, c'était le vol de 9 h. Il dit, on t'a pris dans un vol de 10h30. Tu t'en vas à Saint-John, la même chose, puis après, Terre-Neuve. Et les gars, là, la gang de joueurs qui se sont levés à 6 heures pour prendre leur vol, ils ont attendu 3 heures, eux autres, pour prendre le vol pour aller à Terre-Neuve. Moi, j'arrive, mon vol à 10 heures. J'arrive, esprit, j'ai juste 30... Eux autres, ça fait 2 heures qu'ils attendent. Moi, j'ai inclus un petit 30 minutes à attendre, mais c'est pas ça. Il y avait une place seulement dans l'avion pour aller à Terre-Neuve. C'était en première classe. Puis Mike Terrien, puis tout le monde sont dans le pit en arrière. Moi, je manque mon vol. Puis quand ils disent, au début, on était à gate, puis là, ils disent, bon, on veut les gens de première classe de check-in. Là, moi, je vois Mike Terrien me regarde avec des couteaux parce qu'il sait pas que j'étais en première classe, mais il est en crise, j'ai manqué mon vol. Je manque le vol de l'avion la veille de la gate. Fait que là, les gars sont là, ça fait 2 heures qu'ils attendent. Moi, j'ai dormi jusqu'à 9 h, je suis très dispo. Donc, là, je suis assis avec les boys. Ben oui, désolé, boys. Excuse, Chris. Ben oui. Bon, les gens de première classe, boardés. Bon, OK, excuse-moi, boys. Mike Terrien, il est là. Tous les comptes, moi, je rentre première classe. Là, je suis assis dans l'avion. Je suis assis dans l'avion. Je suis comme là, bien à l'aise. Déjà, moi, j'ai mon petit code diète. Ils m'ont déjà tout servi. Là, les joueurs repassent. Les joueurs, tu sais, ils m'agacent. Théo, hein. Mais là, Mike Terrien tourne le coin. Là, je peux te dire, j'ai baissé la tête. En si mon mec qui tourne. Passe bien rouge, il me donne une tape sur l'épaule. Mot pour mot, là. T'as besoin d'engauler une tabarnak demain, toi. That's it. Je dis, inquiète-toi pas, coach. Là, je me suis mis un peu la tête sur la bûche. Je dis, inquiète-toi pas, coach. Je restais dans mon banc pareil, j'aurais pu y offrir. Mais crime, c'est moi qui joue, je voulais me reposer. Fait que là, je reste là. L'histoire, elle se finit pas là. Déjà là, c'est quand même, c'est une anecdote, le fun. Là, tu manques ton vol. Mais là, on s'en va là-bas. Là, j'arrive à l'hôtel. Là, je dégrise. Je dis, tabarnak, s'il faut que j'engole un esprit de mauvaise, hey, ils vont dire quoi, l'organisation, manque le vol, manque de sérieux, game 5. Là, je commence, la pression commence. Là, je commence à faire le 2 plus 2. Je dis, si j'ai pas le choix, là, je me mène. Là, le lendemain, on va à pratique. Je parle pas trop, là, je suis dans ma zone. Là, on arrive pour le match. Tu sais, le meeting qu'on fait comme 2 heures avant, là, les gars sont en combine, exemple, le PK, PP, puis le meeting d'équipe, mais pas avant qu'on embarque sa glace, comme le premier meeting, un peu par rapport, là, quand on est en combine, comme, tu sais, 30 minutes avant le warm-up, exemple. Mike Terrien rentre, il y a un esprit d'œil au beurre noir. Je dis, ben non, il n'y avait pas ça hier, c'est fait que là, c'est correct, Mike va en arrière, il revient. Puis ça, c'était dans les journaux. Fait que c'est pas comme si je dis quoi que Mike veut pas. Ça avait sorti dans les médias. Sinon, tu sais, je dirais pas de quoi que je peux pas dire, mais c'est pas ça. Là, Mike, il revient.
il fait son speech, là, t'as Roland Mélenchon qui était venu parce que le Canadien n'avait pas fait les séries encore. Fait que les gars, ils étaient en bas dans la Ligue américaine. Fait que Rowley est dans la chambre, puis là, Mike il est là. Puis là, Mike, on s'entend qu'il va se servir de tout pour motiver ses joueurs, là, on s'entend là-dessus. C'est comme s'il peut motiver les gars avec whatever, il va le faire, tu sais, il veut juste gagner, puis c'est ça sa porte. Mais là, il arrive, il dit, les boys, yesterday, il est arrivé de quoi, esprit, que esprit, j'ai eu peur pour ma vie, puis là, il fait ça. Il dit quoi? Il dit, hier, je peux pas croire qu'est-ce qui m'est arrivé. Là, il fait un build-up, tu sais, on, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Shiner. Il dit, hier, esprit, j'étais au restaurant avec Roland puis Jerry Fleming, qui mesure 6'6", sont au restaurant. Puis juste pour faire une parenthèse, Mike Therrien, après le match numéro 1 qu'on a joué, les gars des Leafs, ils pensaient, il y a un gars qui s'est fait avoir un ice stick, qui était vraiment blessé à l'œil. Puis les gars des Leafs ou d'un journaux, ça avait sorti que Mike Therrien, il a dit, ben, il méritait ou quoi de même. Mike n'avait pas dit ça, là. Mais c'était d'un journaux. Fait que déjà, Mike était comme un peu le target. Là, Mike, on retourne à son speech. Là, les gars des Leafs, ils ne l'aimaient pas, Mike, c'était d'un journaux, hein, tu sais, un peu de la bullshit de la série. Mais il y a le Shiner, il dit, hier, les boys, j'avais peur pour ma vie. Je suis allé au restaurant. Il dit, il y avait 4 joueurs de St. John's, Lonnie Bohanos, qui s'est fait rappeler après à Toronto. En tout cas, 4 joueurs. Il dit, ils m'ont attendu après, ils m'ont pogné 4 gars dans la ruelle. Ouais, non, non. Je me suis battu. True story. Il dit, à un moment donné, j'avais peur, là, Jerry, il est venu. Tu sais, là, il dit, je peux pourquoi ils m'ont fait ça, les boys, esprit, ils m'ont pogné, les traits, pis ci, pis ça. Là, il fait un speech pour nous minder, mais tu sais, c'était quand même vrai, là, c'était pas du make-up qu'il y avait là, c'était fait. Là, tabarouette, je dis, si je manque mon vol, mon coach, il se fait crisser une volée, je dis, Chris, on n'a pas le choix de gagner, gars. Je dis, let's go, on va gagner pour Mike, Allin, ça n'a pas d'allure, tout ça. Fait que là, les gars, là, fait que là, ça nous a comme mindé un peu. On est arrivé là, gagné à game 2-1. Puis si je me trompe pas, les shots, ça finit 44-17 pour eux autres, puis 2-1. Je suis allé voir Mike après, j'ai dit, Mike, je voyage juste en first class maintenant. il riait parce qu'on avait gagné, on les a éliminés. Fait que ça, pour dire, là, c'était... Mais tu sais, c'était ça. Quand tu parles de bon esprit d'équipe, c'était ça. Puis Mike, là, sa force, Mike, il est bon pour avoir les joueurs, tu sais, les joueurs tight. Puis ouais. Mike, sa plus grande force. Puis c'est pas un esprit d'adon, là, que... Moi, j'ai gagné mon trophée Vezina et Hart avec Therrien. Price a gagné Vezina et Hart avec Therrien. Pacioretty, il a eu ses grosses saisons avec Therrien. Del Weiss, Chris, il a eu ses plus grosses saisons avec Therrien. Parce que Subban gagne le Norris avec qui? Avec Therrien. Mike, il a une qualité énorme que c'est d'aller chercher le meilleur de chaque joueur. Il est capable d'évaluer son joueur. Lui, est-ce qu'il faut que j'y rentre dedans ou il faut que j'y mette des gants blancs? Lui, il faut que je le motive, lui, je le challenge, puis il va chercher le meilleur de tout le monde comme ça, puis pour vrai, c'est comme ça qu'il y a eu du succès, avec un bon esprit d'équipe. Fait que, tu sais, moi, Mike, ça a été, écoute, c'est un ami, puis ça a été un coach que je dois beaucoup, parce que ça a commencé junior majeur, on se compte des histoires du junior, puis ça, on pourrait compter des anecdotes de junior, mais ça sera pour la 4e fois que vous allez m'inviter. Fait que, mais tu sais, tout ça pour dire, Mike, c'est ça sa force, puis tu sais, quand c'était le temps d'être top, comme quand il voulait vérifier les couvre-feux, esprit, c'est vrai, c'est encore à Saint-John, c'est à Terre-Neuve. On se fait poigner avec les couvre-feux. Écoute celle-là. Bien vite, là, on est à Terre-Neuve. Puis Terre-Neuve, c'est une place le fun pour sortir, aller prendre une bière, puis tout ça. Puis on a tout 20, 21, 22. Puis on joue pas le lendemain, c'est ça, on joue dans 2 jours seulement. Là, on a hâte de sortir. Si Terry Ryan, il est là, puis Terry Ryan, il vient de Terre-Neuve. Pas besoin de vous dire, Terry Ryan, là, il aime ça avoir du fun. Il avait toute sa DA. Puis là, Mike, il dit « curfew à 11h30 ». Il dit « je vais être généreux ». D'habitude, c'est 11h30. Fait que là, on dit « c'est beau, on sort, on est comme 20 gars ». Tu sais, vraiment, c'était une belle soirée. On est 20 gars dans le bar, on a du fun. Prends des drinks, Terry Ryan. T'sais, c'est une belle soirée, mais là, 11h29, puis il est là. OK, boys, là, on a comme un petit regard, on fait quoi? Tu la connais celle-là? Vous la connaissez les deux, je le sais. Oui. On fait quoi? OK, bien, si on reste... on n'était pas 20, on était peut-être 10, 12. Si on reste, tout le monde reste. Là, on a passé une seconde et quart. Shooter pour tout le monde! On décide de rester. C'est correct. Mais là, moi, j'arrive. Mon roommate, justement, c'était Stéphane Robida. Robbie couchait à 11h30 comme un bon petit soldat.
Fait que c'est beau. Moi, j'arrive, on arrive dans la chambre, là, Robbie, tu sais, je parle un peu, je le réveille, tu sais, quand t'arrives un peu chaud, c'est le fun de réveiller ton roommate quand il dort, hein. Je saute dessus. Robbie. Fait que là, je le réveille. Là, le lendemain, nous autres, on s'en va à la pratique, au moins, les filles, on dit, hey, les boys, on s'est pas fait pogner, tout est beau. Tabarnak, là, la pratique finit. Un après l'autre, ils nomment tous les noms, puis il en manque pas un. Théo, Ryan, Higgins, non. Là-bas, la pratique est finie, là, ils nous cachent. Là, on commence du patin. Puis là, on est comme 12 gars qui patinent, on se fait baguer. Les autres qui n'ont pas sauté le curfew sont l'autre bord dans la zone, puis ils jouent à Juice Boy, whatever, parce que l'autre goaler, il n'avait pas sorti, fait qu'ils jouent l'autre bord. Là, ils nous rendent, mais là, moi, je me dis, comment qu'il a su, esti? Je dis, étais-tu caché dans les buissons? Tu sais, fait que là, ça me bug, le tabarnak, je l'ai su, là, une couple d'années seulement, comment qu'il nous a pogné. Parce que je ne savais pas avant, j'aurais pas été, hey Mike, comment tu nous as pas mis? Mais Mike, c'est un esprit bright. Puis il n'aimait pas ça de checker le curfew. Tu sais, je veux le dire, Mike, c'est pas un gars comme ça. Là, on avait, il voulait checker, puis il voulait être sûr que les gars sortent pas. Fait que Mike, qu'est-ce qu'il s'est dit? Tu sais, on a comme un, tu sais, le gars qui s'occupe un peu, là, tu sais, de booker les hôtels, l'avion, tu sais, un peu, là, tu sais, ouais. J'ai pas un titre exactement, mais c'est lui qui book tout. C'est lui qui book les restaurants, l'hôtel, l'avion, tu sais, tout, qu'est-ce qu'on a de besoin. Fait que là, Mike, il dit, écoute, on est à St. John's, les gars, ils aiment ça. Il dit, je vais te parler de quoi? Il dit, je veux que, tu sais, les petites peurs, là, quand tu vas dans le temps, les gars, tu te rappelles, les petites peurs de couleur pour les, comme les shooters qui sont bien minces, là, c'est quasiment comme un cure-dent, mais c'est des petites peurs de couleur, là, que tu mets dans les drinks, whatever. Ouais. Il y avait ça à l'hôtel, au bord de l'hôtel. Fait que là, Mike, il en prend comme 10-15, il les coupe ça. Le curfew, il était à 11h30, right? Fait que là, Mike, il dit au gars, il dit, à 11h, je veux que tu ailles mettre les petites peurs dans la craque de leur porte de la chambre en bas. Fait que quand le gars, il rentre dans sa chambre, la paille, elle tombe à terre, je le sais qu'il est dans sa chambre. Parce que là, il y avait des peurs. Nous autres, on rentre à 2h, là. Je la vois-tu pas, la petite paille sur l'ombre? Fait que là, Mike est en bas. Ben non, mais là, le curfew est à 11h30. Fait que Mike, il dit, j'attends. 11h45, il dit à son bras droit, va checker les pailles. Le gars, il revient en bas, il dit, les pailles sont toutes solides, mon Mike. OK, 11h45, peut-être les gars, ils sont en retard. Dans ce temps-là, on n'avait pas du beurre. Peut-être que c'est assis. Minuit, les pailles sont là. Minuit et demi, les pailles sont là. Fait que là, Mike, il dit, bon, coucher, tu me diras demain à quelle heure. Fait que là, le gars, il dit, crime, j'ai passé. Il dit, c'est à peu près à 2h que les poils commençaient à tomber. Fait que c'est comme ça qu'il a su exactement qui était là. Puis il n'y a pas un joueur qui a vu une paille. Tu sais, écoute, c'est ça de gros dans le bas de ta chambre. Tu rentres, t'as déjà de la misère à mettre la clé dans ta porte. On s'entend que j'ai pas vu qu'il y avait une paille à terre. Fait que, c'est des histoires de... Tu sais, tu verrais peut-être pas ça dans la Ligue nationale. C'est des histoires le fun à raconter. Puis là, après... C'est l'esprit d'équipe. On a gagné le match parce que là, tous les gars, on n'a pas le choix. Mike, il nous a fait le speech que Krim, vous n'avez pas le choix, vous avez chié dans les mains, on a gagné. Fait que, c'est des histoires, là, fun. C'est pour ça que tu l'as remercié avec un atterrissage d'urgence à Everglades ou c'était-tu ton cadeau de remerciement pour les poils, ça? C'est carrément ça. Hey, ça, c'est un peu, puis je fais pas ça d'habitude. Je suis un gars, sérieusement, là. Je suis un pilote qui a étudié, j'ai étudié encore, j'ai mes certification d'instrument, je suis capable de flyer dans la pluie, dans la neige, partout. Hein. C'est vraiment un AB, mais slash, moi, je l'approche comme une carrière ouais. Où est-ce que c'est à chaque jour, je veux m'améliorer, je veux upgrader, fait que je lâche pas. Là, on s'en va, justement, moi, il y a quelqu'un qui m'invitait dans une loge à Tampa pour le match Tampa-Colorado, qui était là, peut-être un mois. Tu sais, comme Mike est ici, Mike, c'est mon chum, puis tu sais, j'ai dit, OK, fait que moi, j'avais deux de mes chums. Mon avion, c'est un 6 passagers. Fait que j'avais deux de mes chums. Puis Mike, il y avait un de ses chums. Je dis, Mike, ça te tente-tu? Je dis, on va aller à Tampa. On va regarder la game dans une loge. Puis le monde qui nous invitait, c'était des gens qu'on avait, moi puis Mike, en commun, qu'on connaissait. Fait que quand je disais, hey, Mike, un tel, il m'invite, il y a la loge. Il dit, ben oui, je le connais. Ben parfait, on y va. Il dit, c'est correct, Théo, j'amène un de mes chums. Ben oui, Mike, c'est beau. Fait que là, on part, puis on couchait là après la game, puis on revenait le lendemain matin. Là, on s'en va. On s'en va, Mike, c'est comme mon copilote à côté. Puis en arrière, j'ai les autres boys. Tu sais, moi, les écouteurs, tout le monde entend qu'est-ce qui se passe. Puis moi, j'aime ça, parler, expliquer, OK, ça, c'est ça, je fais ça, c'est ça.
Là, ils comprennent. Je dis ça, c'est pour pas que ça descende dans le rouge. Puis là, je parle aux gars de la tour de contrôle. Tu sais, je leur donne un peu un crash course pour rendre ça un peu intéressant. Là, Manon, t'as 7000 pieds. C'est une bonne hauteur. Tu sais, c'est une manœuvre qu'on pratique à nos cours. On n'a pas le choix de la savoir. C'est pas rien de dangereux, mais quelqu'un qui n'est pas habitué, tu sais, c'est l'équivalent que t'as ton auto, là, tu roules l'esprit sur l'autoroute, puis tu mets ton auto au neutre. Quand tu mets ton auto au neutre, on s'entend que t'as plus de power, là, puis l'auto a ralenti. Mais quand t'es dans les airs, puis tu mets l'avion au neutre, bien, l'avion, elle descend. Fait que là, je suis en haut, puis là, toutes les lumières rouges, bip, bip, bip. Fait que là, on roule, tout est beau, tout est beau. Moi, il sait pas. Moi, je décide de mettre l'avion au neutre. Fait que là, ça ralentit, je veux pas, t'entends le bruit. Là, je monte, mais là, je panique pas, mais là, les sonnettes, bip, bip, bip. Là, tout le monde, mes passagers, Théo, Théo, je les bats, je dis, urgence, je dis, écoute, ça va pas bien, laissez-moi tranquille. Là, là on descend, mais tu sais, un avion, ça flotte, pas comme si tu descends de même. Tu descends d'une manière safe, mais le fait que tu sais que t'as comme plus de moteur, tu paniques. Mais, tu sais, c'est pas comme, tu descends comme un atterrisseur, mais là, je dis, ça va pas, là, je fais comme si je paye sur des pitons, mais je paye sur l'air climatisé. Je dis, trouvez-moi une belle place pour atterrir. Mais on est en haut des Everglades, ils ont rien, il n'y a pas de terrain de golf. Je dis, écoute, les boys, on s'en va, je pense que là, c'est bon. Fait que là, les gars, ils paniquent. Mais tu sais, j'ai pas été chien, j'ai pas descendu jusqu'à 1000 pieds. Là, j'ai descendu peut-être, je sais pas, ça a duré peut-être 30 secondes, mais 30 secondes. Là, après, je suis remonté. Là, je dis, finalement, tout est beau, tout est beau. Là, on a atterri. Crime, Théo, c'est quoi, Colin? Tout le monde est chez qui? Je dis, non, les boys, je viens jouer une tour. Je voulais me remettre even avec Mike quand il me faisait patiner pour rien. C'est sans joke. Mais il a pas eu un petit sweat, d'après moi. D'après moi, oui. C'était rien de... C'était très, très prudent, parce que je sais qu'il y a peut-être des pilotes qui nous écoutent. Fait que, tu sais, c'est rien de... On le pratique à chaque fois. C'est juste qu'en temps normal, t'es supposé dire, bon, OK, on va pratiquer une manœuvre d'urgence, je vais mettre ça au nerd, puis c'est... Mais tu sais, j'ai comme oublié de le dire. Que j'aurais pas assez hâte, c'est sûr, moi, je perdais connaissance. Un petit oubli. Je veux qu'on te parle avant de te laisser aller. Il y a deux affaires en ce moment, là. T'es retraité, mais t'es impliqué dans deux affaires en Floride. T'as parti, ouais. T'as plein des maisons que tu loues, tout ça. Comment ça marche? Ben, écoute, c'est juste, comme je dis au monde, tu sais, des fois, je vois beaucoup de Québécois qui sont en Floride. Tu sais, Guy, là, comme, tu sais, vous savez, moi, je dis Guy, mais Max avec, mais tu sais, les Québécois, ça vient s'étaler en Floride. Fait que, tu sais, j'ai des chums ici, pis tout ça. Puis là, depuis ma retraite, je me suis impliqué en immobilier beaucoup avec le groupe, ben, Serge Chavard, tu sais, les deux Mario Messier, son fils. Puis moi, tu sais, je suis en immobilier, puis j'apprends beaucoup d'eux autres. Fait que, tu sais, là, je suis en Floride. Fait que, tu sais, je reste actif. Fait que, des fois, le monde me dit, hey, Théo, tu fais quoi de tes journées? T'es en retraite? Je dis, non, je dis, je suis pilote, puis tu sais, je dis, je suis pas mal, je suis retraité du hockey, mais je suis pas retraité de la vie, là, tu sais, crime, j'ai une autre carrière, puis mon but, c'est de faire beaucoup, beaucoup d'argent, puis des beaux projets en immobilier, fait que je continue. Fait que là, en Floride, je regardais le marché, puis j'ai commencé des Airbnb, qui est vraiment formidable, parce que, tu sais, la Floride, c'est une place que tout le monde vient. Ouais. Fait que là, j'ai commencé ça, des petits Airbnb, je suis rendu à 5 Airbnb, j'ai un chum qui est ici, un partner. Ça va super bien. Fait que c'est le fun parce que des fois, il y a des chums, puis tu sais, Guy, quand tu m'as texté, je t'ai dit, hey, Guy, tu viens en Floride, laisse-moi savoir, je vais te faire un deal. Puis, fait que c'est le fun parce que je peux m'occuper de mon monde, tu sais, à bon prix. Puis en même temps, c'est quelque chose qui est rentable. Fait que, tu sais, ça me tient busy, ça me tient occupé parce que, tu sais, il faut tout le temps que. Moi, il faut tout le temps que j'aille des buts puis des projets. Fait que ça me tient busy. Il y a d'autres petits projets aussi qu'on fait. Les gens veulent savoir, il est où, Théo, les maisons? C'est qu'il y a-tu une adresse spéciale? Que je pourrais vous envoyer après les adresses sur le site que tu pourrais mettre. Mais j'ai à West Palm Beach, j'en ai deux qui est proche de la beach. Pompano, j'ai trois adresses que tu traverses la rue, tu es sur la beach. Puis j'ai une maison à Fort Lauderdale qui est sur le canal, une plus grosse maison avec piscine creusée, trois chambres. Fait que tu sais, je touche un peu à toutes, des plus petites maisons, des maisons moyen gamme, haut de gamme. Fait que, tu sais, c'est encore là, c'est pour me tenir busy, j'aime bien ça. Puis comme vous savez, ben on a eu la chance d'acheter le Mirage à Céline Dion il y a 2 ans. Fait que c'est encore là, ça nous tient occupé parce que c'est encore là, on est les 4 là-dedans. On a amené beaucoup d'investisseurs, puis c'est tout du monde connu. Je ne veux pas les nommer juste parce que je ne sais pas à quel point ils sont à l'aise, mais c'est beaucoup de monde dans le milieu de sport, cinéma, du monde qui sont connus. Fait qu'on a une bonne gang, puis on est les 4
qui prennent des décisions, mais tu sais, c'est le fun. Moi, je suis un passionné de golf. Tu sais, supposons, il y a de quoi que tu n'aimes pas. Supposons, je ne sais pas, je ne suis pas confortable assis dans un divan, sur la terrasse, puis je trouve ça. Mais tu sais, c'est le fun parce qu'on se fait un meeting, puis après, on peut changer. Fait que c'est le fun d'avoir comme le contrôle d'améliorer le club selon qu'est-ce qu'on a le goût de faire. Puis on est une gang de chums, on a du fun. Fait que c'est quelque chose qui me tient vraiment busy. Puis c'est une des raisons que j'aime retourner à Montréal, c'est parce qu'on a vraiment du fun. Puis encore là, je vous le dis à vous deux, là, anytime vous voulez jouer au Mirage, au téléphone, puis là, peut-être là, même la poche bleue numéro 4 avec moi, on va prendre ça, moi puis Serge Tabard, au Mirage. Tiens, ça serait quand même le game fun, de golf, ça, je serais d'accord. Ça serait cool. Ouais. Anyway, tout ça pour dire que je me tiens pas mal occupé, puis c'est... Tu sais, c'est le fun. Écoute, moi, j'ai la chance de côtoyer un gars comme Serge Chavard qui m'a repêché. T'sais, pour moi, là, c'est un idole, puis c'est un homme. Autant point de vue joueur, DG, homme d'affaires, ouais, politicien. Tu sais, Serge, c'est comme... Tu sais, puis comme je disais, là, tu sais, il y a deux ans, quand Serge était à Hilton Head, je partais avec mon avion, j'atterrissais. Serge, tu sais, monsieur Chavard, il venait me chercher à l'aéroport, on allait jouer au golf. Après, j'allais chez lui, puis tes games de hockey dans les séries. Je couchais là, le lendemain, je m'en reviens. Je peux te dire là, que les histoires qu'on se compte après une coupe de verre de vin, c'est intéressant. Puis c'est pas moi qui parle, mais c'est intéressant d'entendre ça. Fait que, tu sais, j'ai la chance en or d'apprendre de des personnes qui ont eu du succès. Tu sais, dans la vie, vous le savez, là, puis je vous laisse là-dessus, mais c'est comme jouer au hockey. Tu peux pas gagner si t'es tout seul. Ça te prend un entourage de bons joueurs, des bons coachs, de la bonne famille. Mais tu sais, c'est pareil en affaires. Si tu t'entoures de bonnes personnes, tu mets plus les chances de ton côté. Ça veut pas dire que c'est un succès garanti. Tu mets les choses de ton côté, puis depuis que je suis avec Mario Messier, puis Serge, puis Charles, j'ai beaucoup appris, j'apprends encore, puis sky's the limit, dans le fond, en immobilier pour moi. Fait que je m'amuse avec ça, je me tiens busy, puis demain, j'ai une loge, je vais aller voir le Canadien jouer demain, nice. Je vais aller dire salut aux boys après. Fait que tu sais, quand il y a du monde qui m'intéresse, comme qui joue, je vais aller voir les Panthers, je suis avec une couple de joueurs des Panthers. Fait que tu sais, je me tiens busy, je me tiens impliqué dans le hockey, mais pas comme vous autres, pas comme quand je l'étais à RDS. J'ai écrit dans le journal de Montréal, pour moi, ça, c'est le fun. Je peux dire mon opinion, je lance mon opinion, puis après, le monde qui aime pas, whatever. Vous savez, boys, là, pourvu, parlez-en bien, en mal. Si t'en parles, j'ai fait ma job. 100%. C'est ça. Ben, fin, Théo, merci. Un gros merci, les gens. Ce que tu dis, là, c'est gardien de but, puis tout ça, c'était tellement clair et précis, puis ça fait réfléchir pas mal. On va acheter le journal. Ouais, on va acheter le journal. Bien, les boys, hey, sérieusement, là, vous êtes deux légendes. Avec vos sous de trois pièces, vous allez ramener ça en mode. C'est pas en mode, mais vous allez le ramener en mode. Ça sent bien. Je m'en suis fait un, les boys. Fait que, là, mais sérieusement, vous faites vraiment une méchante bonne job. Puis je l'ai fait à TVA. Puis c'est pas facile des fois, tu sais, vous veux pas. Puis vous êtes sur la coche. Fait que, sérieusement, les boys, chapeau. T'es bien fin. Puis lâchez pas. Merci beaucoup. Puis, t'es bien fin, Théo. Mon sou de trois pièces sent bien. Il est normal. Il est normal. Salut, gros Tango. Je vous aime. Salut à tout le monde qui nous écoute. Salut à tout le monde. Puis, let's go. Go, let's go. Salut, gros. Salut. C'est une beauty. Quand quelqu'un vient souvent de même, puis à chaque fois, c'est un coup de circuit. C'est une beauty. C'est plaisant. On fait un petit flashback. On revient immédiatement après. André Roy, mémorable authentique. Marc-Antoine, mon petit, va être avec nous. Donc, on revient dans quelques instants, la gang. Il y a un gars, là, comme André Savard. Félicitations. Qui était mon GM, là. Il m'appelle une fois assis dans sa chambre à Toronto. Je pense, moi, je pense qu'il va vraiment me supporter, tu sais, il va dire, on est arrière de toi. Ouais. Ça a été complètement le contraire. Qu'est-ce que tu fais? J'ai l'air d'un fou de t'avoir donné ce contrat-là, puis nanana. Martin Brodeur se divorce, lui, puis gars, il performe pareil, puis nanana. Je suis assis dans sa chambre, là, je ne peux pas croire que mon directeur général me donne de la merde comme ça. Ouais. À place que je suis déjà bas. Ah, non, rabaisse-moi ça. Pas plus, je peux pas être plus bas. Alors quand je te dis, il y a des gens qui a Jérémy ça, qui nous supportent. Et ce soir-là à Toronto, savez-vous qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais j'ai fait de l'arythmie. Hey, t'étais-tu stressé? Exactement, mon cœur était à 100. J'étais dans la chambre, Dave. Je n'ai jamais pris du Red Bull à rien pour me stimuler.
J'étais dans la chambre après une TP, mais OK. Vous savez où ce qui est arrivé? D'un coup, là, ma patate a fait tout, 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 comme je venais de finir une présence. Là, je dis, c'est pas normal, ça. Puis après ça, si deux, trois fois demain, je m'en vais, Graham, il prend la pression. Il dit, non, ah ouais, l'hôpital, toi, là ça marche pas ton affaire. Après ça, j'ai passé un cardiogramme, mon cœur. Docteur, maintenant que t'es un athlète professionnel, tout est beau. Alors, c'était mon cerveau qui m'avait dit shut down. Là, il faut que tu arrêtes. J'étais plus capable, j'étais plus. Mais c'est ça que je t'ai dit. Mais ça a été tough. Ça a été tough de toutes ces affaires-là. Tu fais comme, mais pourquoi? Je veux juste jouer au hockey, je veux juste performer, je veux juste. C'est pas de ma faute. C'est une équipe. Puis je m'en souviens, ces années-là, on avait des blessures aussi. Hey boy! Mais je faisais mon possible, mais si on n'a pas. Hey oui, le moment mémorable authentique avec Marc-Antoine, mon petit. On avait oublié de te donner un micro. Micro, puis les écouteurs. Mais je sais pas, tu m'entends-tu? Y a-tu quelqu'un à parler? Je vais les enlever et tu te sens mieux. Oui, c'est ça. Ben, je me demandais pourquoi tu les avais toi aussi. Là, je me sentais mal. Ben, moi, c'est dans le fond, je fais canceller le son. OK, c'est ça. Fait que là, en ce moment, il voit juste des lèvres qui bougent. Exactement. Il n'y a aucun plaisir. Exactement. On voulait t'en parler, mais. La coupe de cheveux, je le sais. La dernière fois qu'on t'a vu, on dirait que quelque chose s'est passé avec ta coupe de cheveux. C'est comme. Mais je mets plus de casquette. Sérieux, ça s'enlève. Je mets plus de casquette. Ça s'enlève. Mais regarde, en ce moment, la tienne n'est pas mieux. on rit pas des cheveux. Ah, c'est ça. Bon, ben, c'est ça. On rit pas des cheveux des autres. Mais pour vrai, ici, je peux tirer. Ouais, vas-y. Vas-y. Ouais, oui. Non, c'est des vrais. C'est très beau. Mémorable Authentique avait un petit message pour vous. Il y a deux joueurs du Canadien qui vont être disponibles pour signer des autographes le 19 mars prochain à 13h chez Mémorable Authentique. Qui sont ces joueurs, Marc-Antoine? Je te fais un petit quiz. Deux blessés. Juraj Slafkovský et Kirby Dak. T'es solide. Allez, donc, signer vos affaires, la gang. Exact. Les deux vont être là. Il y a deux options qui se présentent. La séance publique, où vous pouvez vous présenter à la porte avec votre item ou un article que Mémorable Authentique vous procurera. Ou la séance privée, où vous pouvez commander un article sur mémorableauthentique.com. Ils vont vous l'expédier par la suite. Donc, deux façons d'avoir un item signé de Slafkovský et Kirby Dak. Utilisez le code promo POCHEBLEU20. Et obtenez 20% de rabais chez mémorableauthentique.com. Non valide pour les séances d'autographes. Donc, si vous voulez acheter un chandail et un cadeau qui n'est pas dans cette séance-là, Kirby Dak et Slafkovský, la poche bleue 20, vous avez 20% de merveilleux. Rabais. Merveilleux. Ça me fait plaisir. Je te regarde à la télé. Là. C'est dur à croire pareil que tu es 6-2, 200. Hein? Ouais, ben, c'est un petit format de 6-2. C'est. Wow. C'est tout est compacté. Mais le 200, c'est vrai, par exemple. C'est-tu 6? C'est 6 et 2. C'est 6. 6 et 2. Commence pas avec le saucisse, toi. C'est 6 et 2. Mais moi, justement, tu as parlé de cadeaux. Allô? Hier, j'ai participé à des entrevues à l'école Promédia où j'ai étudié. Je voulais mentionner les étudiants qui m'ont reçu en entrevue. Il y avait Marie-Laurence, Héloïse, Kimilia, Jordan et Cédric. Je vous salue. Ils ont fait une super bonne job. C'est les premières entrevues qu'ils ont faites. Et ils m'ont donné un cadeau. Pour vous, en fait. Puis là, je me suis dit, je vais le donner. C'est... Oh! Fallait pas que je l'échappe. Ben, je sais pas. C'est grave. Quoi? C'est... Je sais pas si on peut le voir à la caméra, si on le voit. Ouais, avance, continue d'avancer. Si on le voit bien, là. Avance. Je me lève, ça va à peine. Je m'en vais full screen. Ouais, vas-y. Va les montrer. Il y a quelqu'un qui dit le souffre-douleur des deux boys. C'est pas vrai, c'est un ami. C'est un peu ça. Je suis un peu souffre-douleur, c'est correct. Ben, c'est, hier, je ne savais pas c'était quoi, mais de proche, vous allez comprendre, c'est deux belles... c'est ça, puis deux c'est quoi belles, t'as dit à la table? Tantôt, on était six autour de la table, t'as dit quoi? Touchez-les toutes! Je veux que tout le monde touche la poche bleue! Je veux que tout le monde touche la poche bleue, et là, on se passait toute la poche bleue. Mais c'est le... Ça peut devenir important, ça. Moi, je dis que ça, là, ça doit être dans le décor. Ça, faut absolument que ça soit dans le décor, c'est pour ça que je l'ai apporté ici. Je me suis dit, on trouvera une manière de le mettre quelque part... Puis la gang à Promédia qui vont moi, attends une minute. Fallait pas asseoir. Je dis qu'on commence ça le prochain show. On le cache toujours dans le décor quelque part. Puis celui qui le trouve en premier, il gagne un petit quelque chose. Là, je vais le manger. Mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Prochain épisode, mercredi prochain, il va être quelque part dans le décor.
on fait tirer comme un t-shirt. Un t-shirt. Ah, mais non, on a nos chandails de la classique. Ouais, nos chandails autographiés des gars de la Ligue nationale. On en a plein à donner. Bon, ben ça va être ça. Ça longtemps qu'on n'a pas donné. C'est parti, mon kéké. La semaine prochaine, on va suivre les gosses bleus. La poche bleue, c'est ça, exactement. Non, mais les gosses bleus, ça, c'est les petites gosses bleues. Ouais, ça te ferait bien, des ça. Beaux, des belles boucles d'oreilles. Sinon, ça se met aussi dans un ornement de Noël. Pas pour fou. Dans l'arbre de Noël. J'aime ça. Je suis là pour remémorer des fun facts qui sont passés. Aujourd'hui, on est le 15 mars. Oui. Et plusieurs fun facts, Guillaume voulait pas que je le mentionne parce que c'est passé le premier affaire qui s'est passé un 15 mars. C'est 44 ans avant Jésus-Christ. Jules César assassiné à Rome par son fils Brutus. Je vais mettre mes écouteurs, moi aussi. C'est une vraie date, ça, là? Oui, ça part fort. C'est pas ça, le 15 mars, ça fait plusieurs mois. Jules César est mort le 15 mars. Ouais, assassiné. Rien de moins. Par Brutus Cassius. Oui, c'était son fils qui avait renié. Okay. Ouais, fait que c'était César Cassius. Là, il n'y a pas de descendance à qui j'ai pu contacter pour confirmer ça s'en engagé. Un autre fun fact qui s'est passé le 15 mars en 1985. Premier nom de domaine déposé, donc Internet commençait. 85, quoi. Ça s'appelait symbolique.com. Et là, pour commémorer ce fait marquant le 15 mars, j'ai décidé d'acheter un nom de domaine. Pour vous, vous pouvez prendre vos téléphones, puis le monde à la maison aussi, vous pouvez aller voir sur Internet. Vous tapez edmontoncalice.com, calice, C-A-L-I-C-E.com. Vous allez sur la page et vous avez un nouveau site web. Guillaume, tu peux le montrer aussi à l'écran. Je sais pas si... Ouais. Ah, Max, tu l'as peut-être mal écrit. Je sais pas si Simon peut nous faire entendre un petit... Edmonton College! Oh, wow, ça, c'est des classiques. Là. Un classique! Sors les classiques! Hey, les gros, ça veut dire qu'on peut prendre ce site-là à cette heure pour faire de quoi avec? Fait que ce site-là nous appartient maintenant. J'espère que vous appréciez parce que ça coûte 40$ la joke. En fond, c'est juste Bailey qui. Une image de Bailey Edmonton qui écrit Edmonton Callis. C'est edmontoncallis.com. Je sais pas si on serait capable de ça, mettre le beau, son ça. Quand la page ouvre. Oui, on peut. On peut ajouter ça. On peut ajouter ça. On va faire ça. Puis si vous allez. Moi, ce que j'aimerais faire en ce moment, c'est que le site devienne trendy. Ouais. Tu sais, que le monde commence à y aller, puis tu sais, quand tu fais tes recherches Google, Edmonton Callis devienne un site en demande. Fait que là, si ceux qui sont sur le chat en ce moment, allez tous sur Edmonton Callis, CALICE.com. C'est un épais, ça. Puis je veux le plus de clics possible pour un site qui a juste une photo de Belé. Bon, on essaie de battre des records. On essaie de battre des records. C'est business encore. J'aimerais ça voir jusqu'où ça peut. C'est pour ça que l'école de l'humour, ils t'ont comme à 40$ la joke, ils ont dit. Ouais, Ben, ça va vite pareil. C'est 40$ la joke, 40$ sauver sa coupe de cheveux. Ça s'équivaut pas mal. Le point, c'est que je mentirais pas. Et comment dit-on en plus ma coupe de cheveux? Ouais, je te mentirais. Oui. Je te mentirais. Je connais pas la suite, par exemple. Je te disais que j'ai pas pensé aller me faire couper les cheveux. Mais je vois une fois par mois, puis là, visiblement, c'est. Mais moi, j'aime ça. C'est à la place, je tire l'attention avec des gosses bleus. Très bon. Revenons à Mémorable Authentique. Oui, c'est vrai. Oui. Fait que, dans le fond, le principe est simple. On nomme des dates. Ouais. Tout s'est passé un 15 mars. 15 mars 96, la sortie du film Ed. On peut voir une photo. C'était un singe qui jouait au baseball. C'était bon, ça. Et les critiques, c'est possiblement un des pires films de l'histoire. Je sais pas si toi, t'as des bons souvenirs de ce film-là. C'était pas un vrai singe. C'était une marionnette robot. Mais ça a quand même lancé, c'était en 96, puis après ça, il y a eu en 97, il y a eu Toby le chien, puis ça a lancé comme une grande vague de films avec des animaux. Tu sais, Toby, il a joué à Toby a joué à tout, puis même en faisant mes recherches, j'ai vu que Toby avait eu des suites jusqu'en 2013. C'était les séries sur les enfants de Toby. Mais Toby, ça n'a pas duré longtemps, non? Mais le vrai Toby, fun fact, j'avais écrit spoiler alert. Là. Fun, moins fun. Toby, le vrai, celui qui a joué dans le film en 97, est décédé. 2 mois après sa sortie du film, donc le chien n'a pas pu voir son propre succès.
Ah, il avait regardé Ed, il a fait une crise de cœur. Il a fait une crise, il s'est dit, moi, je peux pas faire un flop. Mais un singe, par exemple, qui était populaire, par contre, dans un film, c'est dans le film MVP. C'est un vrai singe qui avait appris à patiner. On allait voir des images du singe qui patine. Mais non. Oui, honnêtement, quand même pas si... il est loin d'être mauvais d'un, il n'y a pas de petite chaise, il n'y a rien de ça. Bon. On va aller voir de qui il avait pris son inspiration, le singe, de qui il avait appris à patiner. Je salue mon ami André. Ben, Simon, mets-nous les deux côte à côte, pour vrai, c'est... C'est magique. C'est magique, ça c'est bon. Okay. Ben, je salue mon ami bon. André, pour vrai, ouais. Qui a appris à patiner. C'est sûr qu'il la regarde en plus en ce moment. C'est bon, man. Je sais, puis il m'a dit, reste jusqu'à ma chronique, mais là, à cause que j'ai mis ça, je suis pas sûr que je vais rester, parce que j'ai peur des représailles. Bonne idée. Puis je sais pas, en passant, je fais une petite parenthèse, allez voir la capsule qu'on a faite ensemble avec sur les André, réseaux sociaux, ben ouais, sur les médias sociaux. On depuis, va la mettre partout, toi. Sont depuis peu est sorti. Allez voir André, pour vrai, incroyable. Il s'est donné à fond cette journée-là. On a eu vraiment du fun. Ouais, puis on va continuer d'en voir. C'était épique. Un bon moineau. Du côté des Canadiens, il est arrivé quoi en 1941? En 1941, le Canadien affronte les Americans de New York. Ça, c'était leur dernière saison sous ce nom-là. Il y avait aussi les Rangers, là, mais c'était vraiment un autre club de New York. Le coach Dick Irvin utilise une stratégie hors du commun. Lui, c'était dit, pour motiver mes gardiens à rester toujours allumés dans le match à toutes les tranches de 7 minutes, je vais changer de goaler. Cette game-là, il s'est dit, je vais changer mon goaler à toutes les 7 minutes. Fait qu'à peu près, quand il y avait une pause... Changement de goaler. Fait que lui, il s'est dit, je vais diviser 60 en 7. Ouais. Fait au lieu de commencer en 6. En 6, okay. Ben, c'était à peu près. T'sais, c'était grand 4 et 9, mais t'sais, c'était à peu près 6-7. Je pense pas que c'était précis, là, t'sais, comme dans les matchs préparatoires, ouais. Quand il retirait un goaler à une demi-heure, c'est pas précis. Puis il avait gagné son match 6-0. Quand même. Le qui Canadien. A eu le blanchissage? Le c'est, dernier? C'est le dernier, c'est ça. C'est un point 5. À leur stats. C'était 0.5. C'était carrément, crime. Les coachs, des fois, sont ouais. Surprenants. Mais pis cette saison-là, c'est pas que le Canadien gagnait tout le temps. Il y avait une fiche à ce moment-là de 16 victoires, 26 défaites, 6 matchs nuls. Fait que c'était même pas le temps qu'il gagnait. C'était normal. Puis lui, il s'est dit, je vais essayer de quoi. Fait que ça m'a inspiré un petit top 10 de stratégie de coach hors du commun. On commençait avec. Il y en a qu'on. Ah ouais, il va. Qu'on, ouais, on il s'en va. Souvient un peu. Déroule-nous plus. Ça. Le numéro 10, on se souvient tous, Patrick Roy, quand il coachait l'Avalanche, avait retiré son gardien, il perdait 5-1, il restait 13 minutes à faire. Ça, c'était pas vraiment jamais vu de voir quelqu'un retirer son goaler, il reste 13 minutes, mais tu sais, c'est 5-1. On essaye le tout pour le tout. Il avait quand même perdu, mais depuis, c'est de plus en plus commun. Sergei Fedorov en KHL, ouais. Qu'on a vu, ça fait deux fois. Il enlève son gardien, lui. Il enlève carrément son gardien quand son équipe a la puck. C'est pas fou pareil. Ben vraiment. J'aime bien cette stratégie-là. Ouais. Puis t'as à 4 contre 3, tu récupères la rondelle, t'as pas ben le temps de mettre de la pression, de prendre ton puis temps pour shooter. C'est ça, il y a pas d'icing. Il y a des icing, je veux dire, c'est pas une pénalité. Fait que, c'est ça. Mais savez-vous pourquoi personne l'a fait encore dans la Ligue nationale? Non. C'est que si tu fais ça, mais que tu te fais scorer dans un filet désert, tu perds le point bonnie. Hein? Ouais. Gary Bettman a mis cette règle-là. C'est pour ça que personne ne l'a fait encore, parce que c'est vrai, ça t'es serait sûr, ultra là. Logique. Je vous jure, on peut t'es sûr, ça. Là? Je vous jure, sur la tête à ma mère. Francine! Oui, certain. Wow. Francine, la c'est Ligue ma nationale, t'étais pas loin. La Ligue nationale a mis un règlement que si t'enlèves ton gardien en prolongation, tu te fais scorer, tu perds le point bonnie. Tu perds ton point bonnie. T'as pas le droit parce qu'ils veulent garder ça à 3 contre 3 parce qu'ils ben, je pense qu'ils voient justement... Ils veulent le spectacle. Ils veulent le spectacle, puis ça durerait peut-être moins longtemps, puis là, tu perds la puck. Et j'avais vu quelque chose passer comme quoi, exemple, tu joues contre Boston, puis tu te fais scorer un moi, peu. Moi, honnêtement, un là, désert, c'est comme ça. Ce que tu dis, je suis content que tu nous apprennes ça à soir. Moi, là, j'irais jusqu'à 2 contre 2. Quand c'est fini, 3 contre 3, puis il n'y a pas de but, ah pas ouais? De shootout. 2 contre 2. 2 contre 2? Même que j'irais un peu plus court, puis 1 contre 1. Imagine, là, overtime, ça marche pas. Washington-Pittsburgh dans le prime, là. Crosby contre Ovechkin, c'est à la glace sur le face-off. Juste one-on-one. Tu t'en veux-tu un show? Tu peux pas avoir plus un show que ça. Mais ça va faire partie de mon top 10, tu vas voir. OK. On s'en va au numéro 9. Le premier, ça, c'est encore une fois une mode qui a été lancée en 2017. Todd Nelson,
Il avait été le premier dans la Ligue américaine à Détroit de faire un power play à 5 attaquants. Ça, pour ou contre, c'est quand même quelque chose qu'on voit de plus. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Ouais. Lui, cette année-là, 26% d'efficacité. Fait qu'il a quand même réussi son pari. Ouais. C'est ça. En numéro 8, un assistant coach hors du commun, comme Sarek, on peut aller voir une photo. Justement, Max, on te voit en coin. Salut, Mike. Puis Markov sourit. Ah ouais, mais il était souriant, ce jour-là. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il t'avait cloué au banc? Qu'est-ce qui t'était passé? Non, Mike, dans le fond, il était exactement où j'étais. Par période, c'était 17 minutes. Les gars, ils chirpaient-tu, hein? Ouais. Les gars de l'autre équipe passaient devant le banc. Puis il l'écœurait tellement. Ouais. Mais vraiment, fait que lui, c'est... Ben, racontez-moi si je voulais savoir. C'est Carbo qui a demandé parce qu'il trouvait qu'il était leader dans le vestiaire. Mais ça, c'est... mettons, dans la carrière de Carbo comme coach, c'est un des mauvais moves qu'il a fait. Ah ouais, ouais. OK. Pour vrai? Ben, c'est inutile, là, mettons. Ça me crisse quoi que Camisarek soit là, mettons. Mais je le savais pas, moi. T'sais, c'est ça qu'on aime ça apprendre. Ah. Moi, c'est pour ça que je suis là. Je suis comme un peu le fan qui pose des questions aux gars qui ont joué à la game. T'sais. Moi, je m'étais dit peut-être d'avoir un coach. Ça change rien, mais ça... pourquoi que lui en arrière du banc plus qu'un autre blessé? Ben, c'est ça. Parce que c'est dans le fond, Carbo, lui, il le voyait peut-être comme plus important que ce qu'il était. Ouais. OK, c'est ça. J'aime ça. Fait que j'aime ça. Pas un gros impact. Après ça, numéro 7 et 6, j'ai été demander à mes amis sur Facebook. D'ailleurs, oh, si vous voulez participer aux prochaines chroniques, ajoutez-moi Facebook, Instagram. C'est bon, ça. Blog, ouais, subtil. Marc-Antoine Montpetit. Allez m'ajouter. Donc, le numéro 7, Bourlou Boursier, qui m'a rappelé. Il s'appelle vraiment Bourlou. Ça, c'était à Beauharnois, un coach qui pratiquait les block shots. Mais pas juste comme on va faire slapper du monde, il disait de se lancer. C'était... Ouais, moi je l'ai vécu ça. On l'a fait avec Carbo. Ah ouais, on le faisait avec des balles de tennis. Ouais. Ah, mais là, c'était pas des vrais pocs au moins. Non, c'était des balles de tennis. Ok, mais au moins c'était une coche au-dessus. Là, ouais, on était quand même dans la Ligue nationale. Ça, ben là, t'as dit Carbo, c'était pas son meilleur move. Comme ça règle, comme un star coach. Pourquoi les balles de tennis. On va faire Carbo à soir. Ça fait 10 ans qu'on a dit que c'est le meilleur de l'histoire. Puis là, finalement, à soir, on le détruit. Ça va pas bien, nos affaires. Ben les balles de tennis, ça vous a-tu appris quelque chose? Ouais, dans le fond, c'est vrai, que. Ça fait moins mal qu'une rondelle. Non, mais c'est le timing. Tu veux juste le timer comment glisser devant une rondelle. Mais en tout cas, nous autres, ça avait pas changé grand-chose. Il y avait personne qui était dans le junior B. Personne n'a fait le A l'année d'après. Merci, Bourlou. C'était vraiment pas bon. Francis Dumais qui m'a écrit que lui, dans son équipe au secondaire, au football, le coach les forçait à arriver en retard à la game. Tu sais, t'as tout le temps, comme quand tu joues midget junior, t'as tout le temps comme un 10 minutes, 15 minutes de délai. Pour déstabiliser l'adversaire, on se disait, ah, ils se pointeront peut-être pas, fait que là, moins sur tes gardes. C'est pas fou, ça. Mon coach junior avait fait ça. C'est vrai? Vois-tu, c'est Drummondville, on joue contre Batters. On avait un 3-3. Troisième soirée, le coach, il dit là, les gars sont fatigués, fait qu'il dit, les boys, s'asseoir, pas de warm-up. On n'embarque pas dans le warm-up. Fait que l'autre bord, patiner 15 minutes tout seul. On n'est pas embarqué. T'es embarqué fresh pour la game, perdu 6-0. T'avais perdu 6-0. C'était vraiment de bonne stratégie. C'est un coach-là, il a sûrement pas coaché l'année d'après. Je ne répondrai pas à ces questions. Mais en tout cas, justement, Francis qui m'a dit que le premier botté, ils sont fait passer un toucher. Salut Francis. Salut Francis. Bonne stratégie. Numéro 5, on tombe dans le top 5. Dans les années 50, les partisans des Browns de Saint-Louis au baseball, les DJ savaient pas comment attirer les fans. Et ils ont décidé qu'une journée, ça allait être les fans, mettons 1000 fans, qui allaient décider ce qui allait se passer dans le match. Tout le monde avait une pancarte, yes or no. Puis là, ils disaient, voulez-vous que ce soit, mettons, Guillaume qui va frapper? No! OK, lui, parfait, yes, OK, prochain frappeur. Et ils ont gagné ce match-là 5-3. Ils ont mis fin à une série de 4 défaites. Ça fonctionne, ça a été la seule essai. Wow. Mais le monde des estrades avait vraiment des pancartes. Qu'est-ce que ça a créé comme show de télé? Je sais pas. La poule. La poule aux œufs d'or! La poule aux œufs d'or, c'est ça que ça a créé. La poule. Ça a créé la poule ou l'œuf ou la poule. C'est ça que ça a créé. Numéro 4. Dans une école secondaire au Minnesota, l'entraîneur de soccer Ben Hildre. Sûrement je prononce mal son nom en ce moment. On donne le nom. Désolé à Ben Hildre. Eldre. Et à la dernière pratique de l'année, ça c'était en 2016, il y avait une grosse mode, le film Hit est sorti aux États-Unis. Ouais. Puis c'était déguisé en clown, on peut voir. Puis il attendait c'était des filles, il attendait les filles de même dans un baril. Résultat, suspendu de l'école. Toute une technique, coach. J'adore ça. Ça, vraiment.
Et on rentre dans le top 3. Oh. Le top 3 que j'ai accordé à Roger Nilsson. Que les trois moves qu'il a fait, ça a changé trois règles qui ont été obligés de changer après dans la Ligue nationale. Dans les années 70, il coachait pour les Pete de Peterborough. Le numéro 3, c'est il mettait trop d'hommes volontairement sur le jeu. Combien de P dans Peterborough? Il faisait ça pour avoir un break. Lui, il se disait, ben, il n'y avait pas de deux minutes associées à trop de joueurs. Fait que là, mais il faisait quoi? Il arrêtait tout. Embarque. Là, il embarquait, il faisait, puis... il y a trop de joueurs, face off. Fait que là, il voyait que l'autre équipe avait comme une chance de marquer. Vas-y, embarque. On voit justement sa coupe de cheveux. Il a à peu près la même coupe de cheveux que moi. Il y a des bons sides. Mais ce gars-là, il était membre du Temple de la Renommée. Pour vrai. Oui, il était au sénateur et tout. Oui, il avait fini avec les sénateurs début des années 2000. OK. Numéro 2. Celle-là est bonne. Et quand il retirait son goaler, il disait au goaler, laisse ton bâton traîner dans le filet. Parfait, c'est pareil, des bons. Fait que tu sais, c'est comme juste en va, échappe le bâton, continue à patiner. Fait que le bâton reste là, il n'y avait pas de... T'es obligé d'aller le chercher. Il n'y a pas de règlement là-dessus en ce moment. Puis ça, ça vois-tu, tu me prends au piège, mais je... Sûrement ben, que oui. Dit qu'il y a trois règlements qui ont changé à oui, cause de lui. Ben ça, je pense, t'as pas le droit de laisser ton hockey. Y a-tu un goaler qui laisse son hockey? Non. Ben... T'as le droit? Je pense pas que volontairement, t'as le droit de laisser ton hockey. Ouais, non, je pense pas. Non. Ben... Y a-tu un règlement pour ça? Le goaler s'en va, il laisse son bâton. Je pense que, mettons, que le puck s'en va là, ce serait la même affaire que lancer ton bâton pour l'arrêter. Oui, c'est ça, parce qu'on a vu un gardien, il pas si long, des Rangers, il avait lancé son bâton sur Ovechkin, sur un penalty shot, pas sûr celle-là. Puis ils ont accordé le but. À vérifier. À vérifier, mais je suis pas mal sûr que t'as pas le droit de laisser ton hockey. Vas-y au dernier. Et le dernier, ça, c'est le plus épique. C'est celui que j'aimais, dans le fond, quand t'as parlé du 1 contre 1. Lui, quand il avait un lancer de pénalité, il disait à son goaler, tu reviens au banc. Il envoyait un défenseur, puis le défenseur, il était pas obligé de rester dans son demi-cercle. Pinchait le gars, il faisait un one-on-one. Fait que là, le gars partait à bleu. T'sais, s'il tire de loin, ça se peut plus. Il y a des vidéos de ça. Ben, c'était des années 70. Il n'y a aucune vidéo, puis c'était pas dans la Ligue nationale. T'as trouvé ça où, toi, EdmontonCallis.com? Y a-tu plus de chances d'avoir la séquence vidéo de ça ou d'avoir ce qui est arrivé avec César? Les vraies informations. Je suis sur un appel, puis d'après moi, peut-être César. T'es bon en crime, t'es recherché. J'adore ça, c'est cool. Ouais. Vraiment le fun. Vraiment, puis fait que ceci complète mon top 10. Malade. Je vous laisse parce que le 27 avril prochain. Ben là, laisse-nous. Non, t'es bien stressé. Là, t'en vas où, peux-tu toi? L'emmener le sujet? T'as bien raison. T'en vas où, toi? Antoine, t'animes le podcast Pas de temps à perdre qui est rendu avec la poche bleue. Oui. Puis le 27 mars, c'est un tournage. 27 avril. 27 avril. Ah, bon été. 27 avril. Pourquoi tu bois dans une bouteille de ketchup? Tu m'énerves. Oui. De la moutarde. 27 avril. Qu'est-ce qui se passe le 27 avril? Puis qui est là? Quelle heure? Quoi? Où? Quand? Quoi? Ben, je reçois Matt Duff et Léonard Lagacé. Ça va être vraiment un show énergique, coloré. Ça va vraiment, vraiment, vraiment être le fun. On vend des billets. On pourrait laisser le site. Sûrement que Vicky peut épingler le site. On va épingler le site. Ouais. Vicky, je vais t'envoyer ça si c'est pas déjà fait. On va épingler ça. Les amis, allez vous acheter des billets, ceux qui trippent sur eux. Sinon, il y a des shows aussi en mai et en octobre, mais ça, c'est plus loin. Puis la prochaine saison de Pas de temps à perdre avec toutes les entrevues que tu es en train de faire. À la poche bleue. En septembre. L'automne prochain. Et en primeur, là, on se quitte pour aller rejoindre André Roy. On va voir la première entrevue que j'ai faite avec Guy Jodoin. Vous étiez là. On a eu bien du fun. Ouais. On va aller voir un extrait. Un preview. Un preview. Le premier qui sort, là. Ça va être là. Ça, merci, Marc-Antoine. Merci. Merci, les mémorables. Très, très bon. Merci, mémorables. Très, très bon. Mané, dans Télépirate, peut-être que c'était too much, mais Mané, je dois faire... Je suis une infirmière. Fait que je suis habillé en infirmière. Puis là, on se challenge. Puis là, il y a quelqu'un qui me donne une réglisse. Puis il dit, hey, suce la réglisse en arrière. Puis tu sais, je n'ai pas de problème. Fait que moi, je suis en arrière. Il n'y a pas grand-chose à mon épreuve. Ils font leur sketch en avant. Moi, je suis en arrière. Je suis là. Les autres sont là.
Puis là, je suce ma réglisse. Tu sais, je veux dire, je suis là en arrière. Comme tout bon, t'es humain. Comme tout le monde, tu suces une réglisse. Mais oui, j'en suce encore des réglisses. Là, non, mais des réglisses. Ben oui, des réglisses. Pas bien infirmière, mais je veux dire. Fait que là, je faisais ça. Et là, il voit ça. Puis là, on tourne. Le réalisateur a tout vu ça. Tout le monde rit. On a du fun. C'est drôle. Là, il vient de voir. Fait, là, la productrice a fait mais ta tête était où? Pourquoi t'as fait ça? Je voyais, mais en fait, on a ri, là, c'est juste drôle. On est fatigué, des grosses journées, on s'amuse. Je suis loin, je suis en arrière. T'sais. Puis la fête, là, on n'est pas capable de le refaire, on ne peut pas le remonter. Non, non. Bien, c'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont mis une barre noire dessus. Fait que là, on me voit dans l'émission, si on la revoit, puis je suis de même en arrière avec une barre. Puis j'ai fait, voyons! J'ai fait, mais vous avez la tête de faire ça! Fait que maintenant, il y a comme une barre noire, puis je suis là avec une infirmière, puis je suis sur une réglisse. La télévision pour enfants, mesdames et messieurs. Je me demande pourquoi ça se ferait plus. La deuxième période vous est présentée par le Ford F-150 2023, construit pour accomplir de grandes choses. T'entends plus rien? Je suis de retour. Excuse. Merci. Marc-Antoine s'en va, lui, il laisse tout traîner, tu sais, comme si... Fait que... Ben, c'est ça, on passe en deuxième période. André Roy, es-tu prêt, Simon? En train d'écrire. 1, 2, 3, 4, 5. Tabarnak! Qu'est-ce qui se passe, là? Hey, on va savoir, on va t'aider! Attends, là, je vois pas! Qu'est-ce qui se passe? Nous autres, on te voit, mais là, t'es en train de m'étourdir en crime, là. On t'entend plus. C'est Yéti. Lui, là. As-tu fermé ton son, Dédé? Swipe l'écran à gauche. Oh. Il est crampé. Ah, André, ça va pas bien. J'aime ça. J'aime ça. Il avait l'air en forme, André, à soir, là. Lâche pas, André, ça va bien aller. Il vient de changer son flip. Il y avait un flip avant. Il est où, là? Ben, il cherche comment rentrer, là. Ah, oh, mais tu l'entendais pas? Hein? Tu y parlais quand mais il était crampé, il est parti. Il l'a quitté. T'es-tu sérieux? C'est pas grave. Ah, ça... C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Maudit. Hey, la gang, Simon, on va faire le joueur du mois Certain D, s'il vous plaît. En attendant notre ami André. Et Certainty, la gang, c'est le choix des pros de la rénovation et de la construction. Vous trouverez des produits de calibre professionnel, des matériaux de pro, que ce soit pour le revêtement extérieur, les bardeaux d'asphalte, les panneaux de gyps ultra robustes qui résistent au feu et à l'eau, les matériaux d'isolation de qualité supérieure ou les systèmes de plafond. Les produits de marque Certainty sont hautement recommandés par les experts. Ils sont disponibles dans la plupart des bons magasins des grandes surfaces qui offrent des matériaux de construction. Certainty, le choix des pros. Le choix des pros pour le joueur du mois est... Mike Matheson! Mike Matheson, la gang. Tout qu'un joueur de hockey. Il m'impressionne de match en match. Tellement rapide, tellement agile sur ses patins. 3 buts, 5 passes, plus 7. On s'entend que c'est des grosses peux-tu performances. Peux-tu remettre la slide, Simon, s'il te plaît? OK, c'est ça. C'est ça, je pensais. Mike Matheson, le joueur du mois du Certainty pour le mois de février. Ben oui, Guillaume, le mois de mars, c'est pas fini. Ouais, c'est ça. 9 matchs, 3 buts, 5 passes, plus 7, comme t'as dit, Maxime. Donc, bravo à Mike Matheson. Oh, merci Mike. À Certain D de leur présence avec la poche good bleue. Good job. Il patine super à peu près, lui. Il est bon. Hey, où André? Lui, là, j'aimerais ça. OK, André, là. Arrête de niaiser, André. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu du linge gratuit, toi? Hey, regardez ça, mon uniforme, hein? Je suis concept à soir. T'es concept. La casquette, le t-shirt, la poche bleue. T'es concept. Hey, j'arrive. Non, mais c'est... J'étais crampé, vous m'entendiez, hein? Je place mon téléphone pour rentrer, tu sais. Là, je vois, c'est la genre d'intro pour que j'arrive.
C'est comme j'arrive, mettre mon sel, il sac le canter, je le ramasse. Puis là, il c'est noir. Je... Mais oui, il était freezé. J'essayais de... Je faisais tout, il n'y a rien qui marchait, mais je vous entendais. J'étais crampé. J'étais là en bas. Ah boy, le gars, pas de technique, pas en toute technologie. Ben là, t'as appelé ton technicien. Ton technicien est descendu, puis il a tout réglé ça. Ouais. Ouais. C'est ça, j'ai appelé le singe sur patin là, qui. Hey, qui patiné pareil. T'as-tu aimé ton entrée? Ah ouais. Ah non, ça, non, non. C'était bon tout à l'heure. Hey, vous êtes pareil. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Je dis, je m'en vais à Tampa en fin de semaine pour une autre réunion. Tu nous invites jamais, ça, hein? C'est tout, c'était, ben c'est Lightning qui paye tout. Okay, là. Okay. Là, j'ai rien à voir. Ils invitent plein d'anciens. Ils jouent contre le Canadien samedi à Tampa. Ouais, puis ils vont être intronisés, je pense, Martin Saint-Louis au temple de la renommée du Lightning. Puis nice. Je devrais être là-dedans. Là. Non, mais je ne sais pas qui d'autre. Peut-être Andrew Chuck, ça. Mais c'est ça, je m'en vais là. Puis ça, cette vidéo-là, c'était en 2014, je crois. Ça faisait 10 ans qu'on avait gagné la Coupe. Il avait ramené une dizaine, douzaine. Il y avait encore quelques gars que je vois dans la Ligue. Mais on a joué au golf toute la journée. On filait un petit peu cocktail. Là, les gars étaient là, André, pas semblant de tomber en embarquant. Je dis, non, je vais embarquer. Je vais patiner comme un beer league, comme un gars de ligue de garage qui commence à jouer, là, qui a perdu ses... Puis quand j'ai fait ça, je me rappelle, le Twitter, tout a capoté. Ben, ouais. Red, la montre était là. Qu'est-ce qui est arrivé, André? Y a-tu un accident? Tout le monde décrit, c'est plus patiné. Mais tu sais, évidemment, je niaisais. Fait qu'anyway, ça me fait rire de revoir ça. Manquait d'huile dans les genoux cette fois-là. Ouais, c'est ça. Je faisais ça dans les pratiques. Des fois, j'embarquais, tu sais, avec le casque super bas, là. Tu sais, patinais, là, la tête. Les gars, ils riaient, en tout cas. C'est carrément. Tu devais être fatiguant, j'y repense encore, là. LP, je peux-tu avoir une autre consommation? La meilleure affaire qui est arrivée, c'est qu'on joue pas les trois ensemble, parce que moi, j'aurais été crampé tout le temps. Juste à regarder la face dans le vestiaire, sûr, moi, je pars arrêt devant le coach. Oublie ça. Oublie ça. Quand Jacques Martin aurait parlé, hein? Ah. Oui, Maxime, c'est important, tu bloques les rondelles, puis... Non, mais ça, mais c'est sûr. Je t'aurais été en arrière, ouais. Je t'imagine déjà que ta face s'est crampée. Là. Non, ça, c'est pas bon. Ça. Ouais. Oh, ça aurait été le fun. On a des bons sujets pour toi à soir, puis je pense qu'il y a pas mal de sujets qui vont t'allumer. Il y en a un. Allume-moi. On va l'allumer, notre chum André, à soir. Allume-moi. On a un gars qui joue très bien pour sa fin de saison ou sa fin de carrière à Montréal. Là, pas sa fin de carrière, mais avec le Canadien. En tout cas, je pense. Jonathan Drouin, là, il ramasse des points, il joue super bien, puis le monde commence à penser, est-ce qu'on le signe pour un an? Est-ce que là, ça fait 5 ans que tout le monde chiale, puis tout d'un coup, on est prêt à l'extensionner? Ouais, c'est délicat, mais tu sais, je pense que la meilleure chose qui pourrait arriver pour Jonathan, c'est qu'il se trouve un nouvel endroit où jouer, là, un autre marché. Comme il connaît du succès présentement, il ramasse des passes. Il semble avoir plus confiance avec la rondelle. Mais comme tu as mentionné, Max, ça fait 5 ans qu'il est ici. On l'a vu, il a eu beaucoup, beaucoup de blessures aussi. C'est sûr qu'il y a une certaine pression en étant Québécois, jouer ici, vous le savez un peu. Fait que là, il y a un peu de succès. Mais tu sais, de dire que moi, je donnerais un contrat, j'ai de la misère avec ça, puis j'ai rien contre Joe, mais je pense pour lui, pour sa famille, tout, pour avoir un nouveau départ, des fois, c'est ça que ça prend. Juste d'aller ailleurs, je suis sûr, s'il finit fort, il y a sûrement au moins avoir une invitation, un camp d'entraînement de la Ligue nationale, s'il ne signe pas de quoi, tu sais, à 1,5 par année, un an, par exemple. Un peu comme Galchenyuk, là, tu sais, qui. Il a fait quelques équipes. On lui donne si Galchenyuk a eu autant de chance, là. C'est ça, tu sais, pourquoi pas. Il est encore jeune, là, Joe Drouin, du sang en plus, fait que. C'est pas, il peut relancer sa carrière facilement. On dirait qu'on passe tout le temps à l'Arizona avec un André Tourigny, pas de pression, il n'y a presque pas de médias. Peut-être ça l'aiderait d'avoir un. Pas sûr qu'il fait très qu'André tant que ça. Bon. Ouais, non, il fait très bien qu'André. Ouais, André, il est assez demandant. Hein. C'est un gars qui est très dur sur les joueurs, c'est ça? J'aimerais ça. Peut-être un Seattle. Non, ouais. Ben non, je veux dire, il y a une directrice, puis tu respectes sa façon, puis c'est correct, là. Non, c'est sûr, tu sais, c'est... Puis je pense, en tant qu'entraîneur, il faut que tu sois dur, tout, mais tu sais,
ça dépend qui. Comme Tortorella, ça ne marcherait pas avec Joe Drouin. Là. Oublie ça, là, il serait dans il y a une affaire qui est sûre. Il y a une affaire de confirmer, il ne s'en va pas à Philly. Non. Dan Brière a beau l'appeler, il va faire « No way, I don't want to go there. » Hey, une autre affaire que je veux t'entendre, André. En ce moment, les DG sont à Boca Raton, en Floride, pour parler du règlement d'instigateur sur une grosse mise en échec. On voit ça cette année, puis le monde n'aime pas ça. Là. Ouais. Il y a plusieurs mises en échec légales, puis les gars sont obligés de se battre. Là, on veut enlever ça, mettre un instigateur. Ouais. Tu penses quoi, toi? Ouais, c'est fou, hein, comment on parlait de ça. Je pense de 240 quelques combats, whatever. Il y en a une centaine que c'était tout après des mises en échec légales. Là. Fait que je pense que c'est quelque chose. De ce que je comprends, c'est qu'ils se réunissent tous. T'sais, ils veulent rien changer. Ils aiment où ils sont présentement, la Ligue nationale, à ce niveau-là. Il y a des règlements en place. Je pense qu'ils veulent juste voir est-ce que. Avoir l'opinion de différents directeurs généraux à propos de ça, tu sais, on est où, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Est-ce que c'est correct? Je pense que là, on parlait peut-être de donner un instigateur plus un 5 minutes, plus un inconduite de partie, puis après 3, tu commencerais à accumuler les suspensions. Fait que quand tu fais 3, 4, 5, que tu fais de même avec les suspensions, tu payes de la paye aussi. Moi, j'en sais quelque chose. Là. Aujourd'hui, je fais des tunes à la guitare pour ça. Je vais donner de l'argent aux anciens de la NHL avec des suspensions, des affaires ridicules. Mais tu sais, c'est tout ça, en gros, je pense, qui se réunit. Évidemment, on y regarde aussi les affaires de la POC au-dessus de la baie vitrée, les coups de bâton, les bâtons élevés, des fois, les gars, ils ont de l'air d'en mettre un peu plus, il y a une punition, puis ça peut coûter un match. Voir les reprises vidéo de ce côté-là, c'est tout ça. Mais les bagarres, c'est sûr, hey, c'est un sujet qu'on parle au niveau junior, Ligue nationale, depuis des années, puis ça s'en va juste en s'améliorant. Honnêtement, je pense qu'on est quand même pas peu. Il y en a déjà moins, il y a moins de coups... ridicule, là, épais, à la Marty McSorley, sur Donald Brashear, exemple. Là, ouais. On n'en voit vraiment pas des coups de main. Fait que, mais si je pense qu'on pas, est quand même une bonne place. Si je me trompe pas, me semble cette semaine, j'ai lu qu'un gars comme Daniel Brière, lui, avait peur pour la protection des joueurs talentueux. Puis à Edmonton, le directeur général, lui, il trouve que c'est une très, très bonne chose. Fait que, tu sais, ça prouve encore que les équipes pensent pas toutes de la même manière. Là. De garder bagarre, eux autres? Edmonton, ils sont d'accord qu'on n'a plus besoin de bagarre. Puis Daniel, je pense qu'il disait que pour protéger les joueurs étoiles, ça l'inquiète un peu d'une certaine façon. J'ai hâte de voir sa réponse. Si un Ryan Reeves frappe Connor McDavid, ou n'importe qui, Draisaitl, McDavid, ils se font frapper solidement par peu importe. Puis là, il n'y a plus de bagarre. Ben non, il n'y a plus de bagarre. On va le frapper, puis on va le... Tu sais, puis... Ben en même temps... J'en crois pas à violence, mais tu sais, c'est sûr que tu veux protéger tes joueurs étoiles. Tu sais, si Caulfield se fait frapper à Montréal, Suzuki, tu t'attends que quelqu'un les protège chez des gros mais projets. Mais c'est la job de la Ligue, André, non? Tu trouves pas que c'est la job de la Ligue? À un moment donné, là, la réalité, ça, c'est que... Ouais, mais d'abord, il va falloir enlever les mises en échec. Non, mais le quoi, plus gros problème, que... c'est les hits légales. Tiens, mettons, Trouba sur Kadri, il n'y a pas de raison d'avoir un combat. Ouais, non, mais la réalité, on le dit souvent, puis c'est con, mais il y en a des astiques de hits encore bien plus durs au football. Des fois, là, le gars, il court pour attraper le ballon. C'est un receveur de ballon étoile, puis il se fait ramasser. Il y a du gazon dans la grille. Il n'y a pas de bateau. Il n'y a même pas de réaction. Monde le regarde à terre, puis il est mort. Puis OK, bon, ben. Pour moi, ça revient peu importe. Pis... Le gars, il arrive en courant avec son Gatorade. Vas-tu une gorgée? Vas-tu une gorgée? Ben, ça revient. C'est tellement une autre mentalité, hein? Les gars, sérieux, il y a un gars, il est couché à plat ventre, esprit, il fait le bacon à terre, puis tu vois les gars de l'autre équipe. Hey, comment ça va, Johnny? Tu t'es sur ton chalet dans le nord, ouais? Il a pas l'air affilé, le gros, à terre. Mais je pense qu'on le fait à l'inverse dans tout. Tu sais, t'as beau aboler les bagarres, t'as beau, à quelque part, pour moi, il faut que c'est dans l'éducation des jeunes. C'est là que ça va passer. Éduque les jeunes d'une certaine façon, puis dans 5-8 ans, t'en auras plus de problèmes, t'en auras même plus de bagarres. Si une mise en échec à la Trouba, c'est juste normal, puis ça fait partie de la game, ben, that's life, ça va faire partie de la game, comme au foot, là. Si au foot, à tout fois qu'il y avait une mise en échec, que le gars fait le bacon à terre, on se sautait dessus, ben... Ouais, mais en même temps, j'ai joué en Suisse, t'as pas le droit de te battre, puis t'as des grosses amendes, il y a des coups salauds, puis il y a des bagarres pareil. Ouais, c'est ça.
Hey, moi, quand je suis arrivé, premier coup, les gars gardaient les gants, puis l'autre, il attrapait les points. Première game, ils n'ont pas jeté les gants, parce que si tu jettes les gants, c'est un match plus, c'est quoi, 750$? C'est 2800$. 2800$. Fait que là, les gars se battaient avec des gants, mais ils se grabaient pas. C'était comme un, comme si c'était un cours de boxe, puis l'autre, il grabait pour pas se faire frapper. J'étais comme, OK, c'est... Ouais. C'est une autre ligue. C'est une autre ligue. Ouais, c'est ça, le côté de l'Europe par rapport à ça, Max, c'est un bon point que tu amènes, Guillaume. Si tu es allé en Europe, mais en tout cas, bref, quand un gars se fait frapper vraiment vicieusement, y a-tu une réponse? Les gars, jettent-tu les gants ou c'est juste ça se donne des coups dans la grille? Ben, y en a des combats. De... Oublie pas qu'il y en a des gars qui ont joué dans la Ligue nationale de hockey. Comme moi, mettons, je me suis battu 3-4 fois là-bas. Il y en a joueurs qui ont joué là, quand même. Là, ouais. Mais ça, c'est pas mal ça qui arrive, par exemple. C'est t'as deux joueurs qui ont joué, qui jouent un contre l'autre, puis ça revient. C'est un combat que t'as déjà eu, mettons, en Amérique, là, 10 ans, puis c'est les mêmes gars. C'est ce style d'affaire-là. Donc, la Ligue nationale, veux-tu imiter un peu comme l'Europe d'abord par rapport au... Dès qu'il y a une bonne mise en échec, ben t'as une amende, mais ça, tu peux pas jeter les gants. Je vais être honnête avec toi, la réalité, puis je m'en cacherai pas, c'est que ça picosse, puis que t'as des joueurs de talent qui sont pas gros, puis sont pas forts, puis qu'ils se gênent pas pour aller voir un gars comme André Roy, puis ils pètent ça en arrière des mollets, en arrière du jeu, puis ils savent qu'ils peuvent pas rien faire, puis que s'ils décident de faire quelque chose, ça va coûter cher, pas à peu près, tu sais. C'est ça que j'ai peur, mais tu sais, on va peut-être voir là, tu sais, au niveau de la Ligue nationale, si on enlève complètement ça, là, tu sais, il n'a plus. Parce que il va peut-être avoir des jeunes, même des gars qui aiment ça, des agitateurs, André, parce que moi, mettons, ça n'aurait pas changé ma game. Les NO, ils nous couraient après, pareil, puis on les faisait nos niaiseries, tu comprends. Mais c'est les gars de, je dirais, mettons un Kyle Turris. T'sais, c'est un gars de talent, c'est un petit picosseux de temps en temps, très rarement. Mais là, lui, il n'a plus de limite, il n'y a pas personne qui va rien faire. T'aurais pas allé bien non, plus loin. Non, mais mon point, c'est qu'il va passer, un gars comme Turris, il va un moment donné en série, ça, il ne gênera pas, il va prendre son bâton, il va péter ça en arrière de la jambe à McDavid, puis il va dire, personne ne va rien faire, parce que si le gars saute dessus pour se battre, il est suspendu prochaine game de série. Exact. C'est vraiment touché, mettre un instigateur pour moi. Non, c'est sûr, mais tu sais, comme tu disais, il faudrait peut-être commencer avec les jeunes à les coacher un peu mieux de ce côté-là. Mais tu sais, c'est ça, si on met des règlements en place très stricts par rapport à la première fois, OK, tu as une amende, peu importe, puis après, tu commences à ajouter des suspensions, puis tu le doubles, puis tu le triples, puis les gars ont peut-être réfléchi à aller tout le temps répondre à une bonne mise en échec d'un gars. Puis l'autre affaire, OK, on a cette mentalité-là, tu sais, c'est un sport, depuis qu'on est jeune, ça a évolué, là, encore une fois, mais on a cette mentalité-là de tout le temps tenir, tu sais, on s'en va à guerre ensemble, puis on n'a jamais un gars derrière nous, peu importe, fait qu'on a tout le temps la mentalité d'aller protéger ton chum ou ça, comparativement au football, comme tu disais, c'est « Hey, what's up, buddy, how you doing? Hey, high five, ça se rogue après les games. » Nous autres, on veut quasiment se battre dans le couloir parce qu'on a perdu en overtime. T'sais, c'est une autre mentalité. Mais pareil, on s'en va vraiment vers la bonne direction. Ouais. Je pense que le hockey est à la bonne place. Là, t'as NHL, c'est sûr. Mais moi, je trouve, puis c'est plate parce que ces gens-là font un bon travail, pareil, la plupart du temps, mais je trouve que la qualité du produit joueur évolue beaucoup trop vite pour l'évolution des arbitres. Je suis désolé, là, mais il n'y a pas un arbitre, je pense, qui est capable de suivre McDavid en vitesse. Fait qu'on s'entend que t'es déjà un step en arrière, là. Mm-hmm. Des McKinnon, McDavid. Ouais. Moi, je pense qu'il faut trouver une façon de mieux entourer la situation des arbitres, que ce soit les révisions, que ce soit des gens dans les gradins qui pourraient peut-être un jour faire un call sur l'offside ou sur un coup que tu vois, d'en mettre aux quatre coins de la glace, mais en haut, ça passerait. Tu comprends-tu? Il faut les entourer, il faut les aider. Il y a une transition qui est en train de se faire en ce moment. Même, je te dirais que la glace va falloir commencer à penser qu'elle est trop petite parce que des mises en échec vont avoir de plus en plus. Tu sais, imagine-toi dans 10 ans, là, quand il va y avoir beaucoup plus de gars comme McDavid, puis ça va commencer à geler sur la glace. Ah, c'est sûr. Mais... Il va y avoir des règlements. Ouais, c'est sûr. Mais moi, tu sais, rappelez-vous, à l'époque, il y avait un arbitre en chef seulement. Il manquait des calls. On a amené deux. Tu sais, déjà, il y a une amélioration de ce côté-là. Là, je serais d'accord qu'il fasse comme au football. Le coach peut challenger sur peu importe. C'est ça que sont en train de faire. Tu vois, McDavid, c'est ça. McDavid a un coup, mais personne. Qu'est-ce qui est arrivé? Hey, moi, je challenge. Allez voir ça. Là, tu vois, l'autre, il l'a dardé dans le sac à la poche bleue. Ben là, tu dis, bon, lui, il a donné ça. On vient de le voir sur la tablette. 5 minutes, game
Tu sais, peut-être amener ça, tu parles des caméras aux quatre coins, mais amenons des challenges, t'en as le droit. C'est sûr, si on commence à dire qu'ils ont le droit à 5 challenges par game, ça va être ridicule. Mais peut-être... Non, mais tu le gardes comme là. Tu le gardes comme là, t'as un challenge, puis that's it. Mais t'as une punition s'il marche pas, puis t'en as juste un. Puis s'il est bon, puis t'as raison, tu le gardes. Puis that's it. De même, le coach, ça va te faire réfléchir si tu veux, est-ce que c'est un offside, est-ce que c'est obstruction, est-ce que c'est un... Tu sais, parce qu'on peut pas commencer à en donner trois, là, sinon ils vont, ils vont les prendre les trois à tous les games. C'est ça, mais s'il commence, c'est un match robuste, puis un, deux, trois coups, salauds qui ont manqué. Mais normalement, ils devraient avoir mais si t'es sûr, si t'es sûr de ton cas, André, tu perds pas ton... Tu perds pas ta demande. Mais moi, je trouve ça très con, là, honnêtement, d'être puni quand ton call est pas bon. Là. C'est tellement serré. Là, t'sais, mettons, peu importe ce que tu calls, tu as la mauvaise réponse, puis là, tu t'en vas dans le box. Tu viens de donner un but, puis tu t'en vas en désavantage en plus. Ça, je trouve que ça fait aucun sens. Là. Ben, c'est un risque à prendre. Quand ils font les appels de but, on parle des reviews. Gardien, interférence, ça en vient des fois. Ça brise, ça brise le rip, là. Tu vois, à game, t'as ta bière, t'es dedans, tu cries, oups. Bon, là, t'es là 8 minutes à attendre. Des fois, c'est long, c'est ridicule, ça cause tout le rip, ça, je suis d'accord. Mais c'est une autre affaire, je pense, qu'ils vont parler aussi, là, les challenges d'offside, puis goalie interference, puis le pas que tu rentrais ou pas. En partant, je pense que c'est assez simple, si tu mets... Tu mets quelque chose dans la glace, dans la ligne bleue, un sensor qui fait en sorte que tu es capable de mesurer le poids. Chris, on est en 2023, là. Dis-moi pas qu'il n'y a pas quelque chose. Un peu comme un laser aussi qui traverse la ligne rouge, qui traverse la ligne bleue, là. C'est nice. Ouais, tu sais, comme quand on va jouer au bowling, tu piles sa ligne. Ouais, c'est ça. Ben non, mais c'est ça. Il arrive à l'eau bowling. Dans l'aréna. Le gars arrête parce que le buzzer a sonné à bleu. Mais tu sais, c'est sûr que. Peut-être des caméras dans les quatre coins de la glace, t'en mets au bleu, là, ça va être rendu fou là, un moment donné, mais je sais pas si on veut que ça demeure quand même la game de hockey qu'on a connue. Ouais, mais ça sera pas, c'est pas ça la direction qui est prise. Non, c'est ça. Fait que, ça se peut avoir, hein? Ça reste à voir, André. Ça reste à voir. Je veux t'entendre, André. Tu as joué pour les Sénateurs d'Ottawa, puis il y avait le propriétaire Eugene Melnyk qui est décédé. On a mis l'équipe à vendre, puis là, Gary Bettman a comme dit que dans les prochaines semaines, on allait savoir c'est qui le propriétaire. Tu souhaites quoi comme propriétaire? C'est moi. C'est toi? Oui, je pense que c'est sûr que quand on regarde comment que les Sénateurs... Non, mais je pense que de ce que j'ai entendu, je regardais ça, il y avait une dizaine de groupes intéressants à acheter les Sénateurs d'Ottawa. C'est sûr que pour le bien de l'organisation, des gars, c'est fatigant aussi quand tu sais pas trop, l'équipe t'a vendu. Tu sais, c'est le fun de régler ça. Enfin, on peut se concentrer sur le hockey. On va être payé. Puis tout là, tu sais, c'est comme un peu sur la glace, mais tu sais, j'espère que ça va se faire bientôt. Puis c'est sûr que ce serait le fun d'avoir des gens peut-être du Canada, tu sais, qui viennent ici. Ryan Reynolds, aujourd'hui, il a fait une grosse vente. Je ne sais pas si ça a un lien avec ça, mais c'est en haut d'un milliard. Il a vendu une de ses compagnies à lui. À quelle compagnie? Wow. Mint, je pense. C'est sa compagnie à lui s'appelle Mint, puis elle aurait été vendue à quelqu'un de très, très... Au-dessus d'un milliard? Oui, au-dessus d'un milliard. Fait que pour lui... Parce que là, je pense que les Sénateurs, on parle d'autour de 900 millions, hein, juste en dessous là, du milliard, c'est quand même de l'argent. De ce que je m'ai fait dire en plus, M. Melnyk, qui avait payé ça, moins de 150 millions. Ça a été vendu à T-Mobile, qui a acheté Mint, qui appartenait à Ryan Reynolds. OK. Pour un milliard plus. 1,3 milliard. Fait que peu importe qui va acheter le sénateur, je pense que les deux filles à M. Melnyk vont faire un bon coup d'argent. Là. Un beau party. Un beau party, ça, c'est sûr. Mais c'est pour le bien de l'organisation, tout, on parle aussi de peut-être bâtir une nouvelle aréna downtown qui faciliterait le déplacement puis tout pour les gens. Parce que, on sait comment que ça allait à Canada. Il y a beaucoup de gens qui vous écoutent, là, qui nous écoutent. Puis Canada, sont allés là, puis ils sont poignés, c'est à 417, ouais, c'est ça. C'est carré, t'es 2 heures dans le parking, OK, c'est bien le fun. Ouais, là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'espérons que ça se règle bientôt tout, puis ça serait le fun. Pas le choix. T'as pas le choix, c'est un beau marché de hockey si ça fonctionne.
Ils ont-tu besoin d'un groupe avec des Québécois pour aller chercher le côté tout de Gatineau, ces choses-là? Ou vraiment Gatineau, ben, je pense, c'est vendu canadien. T'as vécu là-bas plus? Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Moi, je pense que ça serait bon, tu sais, si tu peux avoir un Québécois tout ou au pire, si c'est vendu à des Canadiens, Ryan Reynolds et son groupe, exemple, qui est canadien, soit dit en passant, mais tu sais, faut que c'est là, c'est la job du groupe de vente, là, d'aller chercher du monde peut-être plus au Québec pour essayer d'amener du monde de revenir et voir les sénateurs. Mmh. Fait que de ce côté-là, le marketing, il y a une job à faire de ce côté-là, mais puis garder des gars, je pense que là, M. Pierre Dorion a fait des bons moves jusqu'à présent avec des Chikrin, amener Claude Giroux, Chabot, de Brinkhead. Ouais, c'est ça, ça c'est leur dernier voyage, il a fait mal. C'est belle. Ça, c'est sûr. Hey, il était tellement sur une belle lancée avant de partir dans l'Ouest. Il échappe ça à Chicago. Ça. Non. Ça change peut-être pas le gros voyage, mais ça aurait été 2 points de plus dans la banque. Ça a fait mal, celle-là. Ils ont gagné par la peau des fesses. On va se le dire à Seattle. Puis là, Vancouver, Edmonton, Calgary, c'était autant de succès que l'album de chansons à Jacques Villeneuve à l'époque. On salue Jacques. Je connais en toi. T'as-tu déjà chanté? Ouais, je chante un peu, mais. Je fais pas de vente. Mais ouais, c'est ça. Mais non. Le gars, il fait des conversations tout seul à deux personnes. Il y a deux personnages. Hey, merde. Le gars, il regarde d'un bord puis de l'autre. Non, mais qu'est-ce qui me fait peur, c'est qu'est-ce qui est mélangé? Il fait une discussion à deux personnes lui-même. Ouais. Mais il regarde à gauche puis à droite. Fait que le gars du milieu, c'est qui là-dedans? C'est vous autres! je m'imaginais juste Jacques qui s'en vient me donner de la chenoute. Non, c'est ça. Je veux t'entendre. Ouais. Es-tu plus gros que moi? Non. Okay. Ton bras gauche. C'est toi le plus gros. c'est toi le plus pesant ici, André. Ouais, là, j'ai commencé le keto hier. Mais oui, c'est sûr. Mais parlant d'Ottawa, ce serait le fun qu'ils fassent les séries, mais ils sont à 4 points de... 6 points avec 2 matchs en main. Oui, c'est sûr. Oui, là, il faudrait vraiment... Tu sais, Talbot qui est blessé, là, tu as ça entre les mains de Sogard puis Milan Nancello. Oui, ça va pas bien. L'autre jeune, là, ouais, tu sais, tu as deux jeunes qui ont, je pense, qui ont 14-15 games d'expérience ensemble. Il y a trop d'équipes entre ici. Ouais. Puis, tu sais, dans ce temps-là, tu as besoin de tes gros gars là, de se lever, mais hey, ils l'ont pas fait dans l'Ouest. Je pense qu'ils ont... Des gros sujets à remplir, là, mais ouais. Le deuxième pire calendrier dans la Ligue nationale. C'est vrai, ils affrontent Tampa, Boston, Jersey... C'est malade, là. Ouais. C'est malade. Pittsburgh, je pense, ils ont des... Ouais, ça sera pas facile. Non, ça comme va, ça dirait Bob Dimboys. Mais ouais. Mais espérons qu'il y a de la magie qui se passe à Ottawa. Vendez l'équipe au plus vite. Puis ça donne un boost, mais bon. J'amènerai des cheerleaders dans les estrades. Dernière question de mon côté, André. On a vu le gars à Pat Poulin, Samuel, qui a quitté l'équipe il y a quelques mois pour prendre sa santé mentale en main. Puis il revient aujourd'hui, a annoncé publiquement qu'il retournait à Wilkes-Barre, puis retournait dans l'équipe. Ouais. On est rendu là en 2023. Trouves-tu qu'il y a assez de support? Trouves-tu qu'on aide assez les joueurs? Puis tu penses que c'est perçu comment dans un vestiaire? Non, à Star, je pense que c'est perçu de la bonne façon. Chapeau à Sam Poulin, que je connais en passant. Je connais Pat aussi, Annick, sa famille, Nico, Catherine, ça, qui restait à côté. C'était mes voisins ici, là, fait que je les connais bien. Puis pour Sam, je suis content. Bien, c'est un bon jeune petit gars. Il a du talent, un potentiel. C'est un choix de première ronde. Aujourd'hui, où est-ce qu'on est rendu, je pense que... Écoute, c'est vu de la bonne façon. Depuis quelques années, là, on a changé cette mentalité-là de tough, puis de momoun, puis tout est un si tu fais ça. Les gens, on voit de plus en plus de gens, puis d'histoires qui sortent, je dirais pas du garde-robe, mais qui sortent leurs histoires qu'ils ont peut-être gardé pour eux pendant des années, qui n'étaient pas bien. Master, les gens, je pense, de plus en plus, sont plus à l'aise de partager justement ce qu'ils vivent.
Sam, justement, tu sais, écoute, chapeau à lui, il est allé chez l'aide, il est entouré par toute sa famille, le monde, le médecin qui l'a suivi, fait que, tu sais, de voir ça, on en voit beaucoup dans tous les domaines aussi aujourd'hui, ouais. Que ça soit dans des compagnies, des grosses compagnies, dans le sport, même des médecins, toutes sortes de monde, puis je pense que c'est correct qu'on se supporte entre nous, puis c'est une bonne chose. Il y a 15-20 ans, tu sais, quand nous autres, on joue, mettons, là, c'est sûr que les gars, ils auraient dit, hey, c'est un soft, c'est un momoun, c'est un, on se serait peut-être pour ça que les gars étaient plus, ils souffraient intérieurement tout seul, tu sais, dans le fond, ouais. Là, c'est peut-être pour ça qu'il y a bien des gars qui ont tombé dans la boisson, dans l'alcool, mais il y a d'autres solutions, puis on le voit, là, tu sais, Sam, puis il y en a plusieurs autres, là, que espérons que, c'est on a besoin d'aide, ça, ben aller à chercher l'aide parce que personne va vous juger pour ça. J'irais plus loin, tu sais, je trouve qu'on fait des pas excellents là, dans ce milieu-là, ouais. Tout ça, mais à un moment donné, il va falloir penser à avant aussi. Tu sais, on pogne tout le temps quelqu'un à la fin quand ça fait le pas, puis il a besoin justement de se retirer et aller prendre un break. Tu es entouré de professionnels, tu es entouré de coéquipiers. À un moment donné, il faut le voir avant d'arriver là, tu sais, de prendre les choses, peut-être d'enlever de la pression ou de trouver un moyen d'aider les gens avant qu'il soit trop tard. Puis je pas trop tard ou ce que c'est dramatique, mais trop tard avant ou ce que tu as besoin de tout arrêter parce que ça fait le pas. Moi, je trouve ça. Je trouve qu'on serait peut-être rendu à prendre ce step-là aussi. Oui, puis souvent, tu sais, le monde, mettons l'équipe ou ça, l'entourage, on ne le sait pas. On ne le sait pas. On dirait la personne qui vit ça, il attend jusqu'à la dernière minute quand il n'est plus capable, puis là, pouf, ça éclate out of nowhere, tu sais, là, de nulle part. Là. Me semble, je l'ai vu il y avait, la semaine passée, tout était beau, mais. C'est ce qu'on sait pas, c'est depuis le point intérieur. Je sais, mais ce que je veux dire par là, puis j'en ai parlé souvent, mais exemple, cette situation-là, on parle du monde du hockey puis tout ça. Mais Chris, on fait jouer nos jeunes au hockey 100 fois par jour pendant 12 mois par année depuis qu'ils ont 5 ans. C'est sûr qu'à un moment donné, ça pète, tu fais tes devoirs, tu fais ça, tu fais ta première blonde, tu fais la pression de la famille, l'école, les notes, le hockey, t'as pas le droit de sortir du système parce que puis là, les parents passent le puck, passent pas le puck, faut que tu fasses l'équipe, faut que tu fasses le 2A. Si tu fais pas le camp, ben l'année prochaine, tu feras pas l'équipe. C'est trop de stress inutile, moi, je trouve, pour du 5, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Mais c'est ça, mais c'est là, moi, je trouve qu'il faut que ça commence, là. T'sais, faut que tu commences à nettoyer ça un peu en bas avant que ça te pète dans la face en haut, comme tu disais tout à l'heure. Ah non, ça c'est sûr, ça tu touches un point incroyable. T'sais, aujourd'hui, là, comme tu dis, là, c'est à l'année, puis les parents et le monde sont tellement intenses là-dedans. Dans le temps, on se permettait de jouer au baseball, soccer, tennis, faire un autre sport. Il n'y en a pas de fun. Là, c'est à l'année, puis il y a de la pression pareil sur les jeunes que le parent veut, puis tu veux pas décevoir ton père, ta mère qui investit de l'argent là-dedans. Ouais. T'sais, fait qu'on dirait, puis ça a commencé avec les Européens, là, on fait ça ici, puis les jeunes, tous les chums, t'sais, mon chum fait ça, moi aussi, je veux être aussi bon que lui, fait qu'on se challenge, on se relance, ce qui crée ce monde un peu négatif-là, cette espèce ben, de... La différence, ouais, comme tu dis, il y a moins de fun, pour vrai. Tu sais, les Suédois, les Finlandais et autres, ils sont 12 mois par année, ça glace aussi, puis très souvent, la seule différence, c'est que c'est 6 pratiques pour une game. Fait que la compétition, puis dire, mon voisin a 3 buts, puis ça m'en prend 3, puis il pratique, puis il s'améliore, puis, tu sais, je pense qu'il y a une différence énorme aussi entre les deux visions d'être sur la patinoire tous les jours, là, tu sais. Je pense qu'il y a une vision à avoir là-dessus, là. Ouais, mais tu sais, c'est sûr qu'on veut jouer des games. Tout le monde, c'est le fun de jouer des games. On aime-tu mieux jouer 3 matchs par semaine, pratiquer 3-4 fois ou faire 6 pratiques un match. Ça doit être long pareil, ce côté-là, en Europe, on utilise cette façon-là, je sais pas. Ben, moi, tu pratiques tout le temps. Ah, une game, là, tu pratiques. Ouais, mais ils font rien l'été, par exemple. En tout cas, en Suisse. En Suisse, ils ont leur petit break l'été, puis ils font leurs affaires. Là. À un moment donné, c'est ça le problème. Les parents sont même pas capables de prendre des vacances, tu sais, parce que, bien, c'est le camp la semaine prochaine. Puis c'est le pré-camp. Puis c'est le pré-camp. C'est le pré-camp du pré-camp avant le pré-camp. Dans le fond, c'est les recrues c'est les recrues de l'année prochaine qui pratiquent avec les recrues de dans 2 ans pour savoir si les recrues de 3 ans vont être capables d'être acceptées au camp. Tabarnak! Tu comprends? Mais pourtant, toi, Max, c'est ça. Pourtant, Max, que toi qui as joué en Europe, souvent, quand je revenais m'entraîner, les gars de l'Europe, t'es ici 2 semaines, ils repartaient, on était là en juin, mettons. Hein, tu t'en vas, ben ouais, le camp commence déjà pour retourner, on se prépare. Tu sais, mais eux autres, je comprends qu'ils finissaient au mois de mars, peut-être, là, c'était plus tôt. C'était quand même cool, leur break aussi, là. Ouais, c'est ça. L'équipe professionnelle, t'es payé pour ça aussi. Ouais. C'est vrai, rendu nouveau professionnel. C'est plus du plaisir, mais... là,
Donc, ben, peut-être c'est la formule... Puis je vais être honnête, puis j'ai eu la chance d'aller en Allemagne, j'ai joué en Suède, puis j'ai joué en Suisse. Fait que pas mal les trois meilleures ligues en Europe, puis le rythme de vie, c'est pas pareil. Là. T'sais, on parle de hockey. Les plus belles femmes. Non, mais la pression est... Saint-Julie. La pression est pas pareille pendant tout. Là. Les gars arrivent à l'aréna professionnel, puis c'est une heure avant pratique, puis une demi-heure après, tout le monde est parti. Là. C'est pas la même affaire, puis il n'y a pas de coach qui crie, puis t'as pas le droit de crier, puis l'autobus doit arrêter. Après, le chauffeur peut pas conduire plus que, je pense, c'est 2 heures. Ça prend un break de 45 minutes à chaque 2 heures. Il y en a là, des restrictions pareilles, là, pour être sûr que tout le monde soit heureux. Là. C'est là que j'aurais dû jouer. Mais ouais, non, mais, mais c'est sûr, ils ont leur façon de faire, mais ça fonctionne aussi, là, tu sais. Mais si on revient, c'est ça, là, nous, on parle strictement au niveau du hockey mineur ici, là, jusqu'à temps midget 3, peut-être. Évidemment, je pense que là, le comité, le nouveau comité avec Justin Thibault, Marc Denis, je pense qu'il y en a quelques-uns, en tout cas. Je pense qu'ils sont en bonne main avec ces gars-là qui ont vécu aussi. Puis espérons que. Tu sais, sûr, il faut changer ça un petit peu la mentalité des gars qui pensaient qu'hockey. Puis ça amène pression. Parce que, comme j'ai mentionné, tu ne veux pas décevoir personne. Puis tu te mets cette pression-là de performer. Puis j'en connais d'autres jeunes qui ont lâché le hockey, mais c'était trop pour eux autres. Ouais, puis qui avaient du talent. Là, fait que. Mais c'est ça, faut avoir le pouls du jeune aussi, voir comment est-ce qu'il va avant justement que ça déborde comme le cas Sam, parmi plein d'autres. En plus, je dis Sam Poulin, mais il y en a tellement d'autres des cas de même. Non, bravo à Sam d'avoir pensé. Bravo Sam, ça, c'est très très bon. Bravo à Sam. Il y a Kevin qui me demande, donc Tortorella ne pourrait pas coacher en Europe. Tu créerais même pas à ça, à quel point ça serait court. Même les propriétaires diraient tu parles trop fort, bye. Le crew et Mark Crawford, il est capable. Hey, puis même aujourd'hui, avec Enjeu 2.0, je me suis promené puis j'ai fait des entrevues avec les gars. C'est complètement différent de là quelques années. Les gars, l'image est importante, sont plus gênés, sont réservés. T'sais, ils veulent tellement pas. C'est un autre game. Les gars sont plus vraiment hockey, font des vidéos. Fait que quand je vois Tortorella qui est encore là, je sais comment ce qu'il est, même s'il y a du monde qui dit non, il a changé un peu. C'est sûr qu'il y a encore ces vieilles façons de faire qui soient là. Dans le hockey d'aujourd'hui, c'est un gars qui est rough, puis c'est le hockey à ma façon ou rien d'autre. André, je suis allé avec mon gars. Il n'a pas peur de te faire passer pour un tata. Je suis allé à Philly avec mon gars. Ça me surprend. Je suis allé à Philly avec mon gars qui a 14 ans. Je voulais voir le vestiaire. Puis Chuck Fletcher, c'était mon GM. C'est le GM de l'équipe. Là. Ouais, je l'appelle, je dis, pense que je peux venir voir la chambre. Ouais, mais il va falloir que tu attendes 30-45 minutes. Comment ça? Ah, il dit Tortorella, il dit, il veut pas d'invité dans le vestiaire. Fait qu'il dit, mec, je le vois partir avec son char, je vais te rentrer dans la chambre. Voyons, sacrément. Ben, voyons donc. Hey, je capotais. En 2020, tu sais, les jeunes. T'aurais dit aller t'asseoir tout nu dans son bureau. Pas fou, ça. Qu'est-ce qu'il dit que tu l'as pas fait? Non, il y a ses règles dans c'est main, débile, là. Voyons. Les gars qui jouaient pas le jour d'un match, comme moi tout le temps, souvent. On pouvait pas, il fallait pas qu'ils nous voient avant le match dans le lounge des joueurs ou rien. On pouvait pas être à l'aréna parce qu'on était une distraction à l'équipe qui se prépare à jouer. Fait que les 3, 4, 5 gars qui jouaient pas, on attendait comme en dehors dans le couloir un peu plus loin. Les gars embarquaient sur la glace. Là, on se dirigeait soit dans le lounge où ça a passé. Comment donné, mettre des joueurs qui se sentent pas bien dans l'équipe, tu sais. C'était peut-être toi, André Baum, qui était une distraction. Hey, mais ça, moi, je suis à la distraction juste quand je sortais de la c'était, douche. C'était peut-être à cause de toi. Hey, pendant que tout le monde est sur le chat, là, je voulais te dire, il y a une idée qui m'est venue en tête, puis je veux pas l'oublier. Il faudrait faire un podcast là-dessus, vos pires histoires sportives en tant que parent. Tu sais, d'entendre là, comme Joe Roberge qui était venu puis qui nous dit qu'il y avait un joueur dans son équipe qui avait un écouteur puis son père, il parlait dans le casque pendant la game. Des histoires de même, on pourrait faire un podcast juste là-dessus puis débattre des points. Ça serait écœurant, je trouve. Pour avoir de la chicane. Aussi, qui ont été ruinés. Hein, des gardiens qui ont été tellement... Tu sais, t'as un coach, t'as la game, mais ton père aussi en cours qui te dit « Mets ta mythe de même, place-toi en papillon. » J'ai déjà vu ça puis je capotais. C'est fou. Voyons donc, le jeune... Il lâche pas de regarder son père dans les estrades pour dire si tu es correct. Puis, hey,
Laisse-les avoir du plaisir. Moi, là, mon... voyons donc. Mon... Ça, ça me fait capoter. C'est fou, ça me fait capoter. Puis c'est tout du monde qui n'a jamais joué la plupart du temps. Ils n'ont jamais, jamais joué. Mets ta mythe, fais ta part. C'est ça. Mon père, moi, il me parlait une fois dans la game. C'est quand il restait une minute, il se penchait sa passerelle et il disait Gatorade rouge ou bleu. Bleu. c'était ça ma discussion. moi, c'était dans le show après la game, la raid, là, quand que j'avais trois punitions. Là, c'est quoi, t'as fait? C'est quoi? Non, mais, tu sais, pendant un match, laisse-les s'amuser, là. Mais c'est intense, tu sais, ça crée un stress, ça. Si on parlait des exemples, ça, c'est une autre façon de. Hey, l'écouteur, de même, voyons donc, le jeune, OK, papa, je me place où, là? Va-t'en dans. Wow, j'avais un père, un moment donné, je m'en vais voir un de mes chums. Mon gars, il joue, je vais aller voir. Puis là, il y a un père, il arrêtait pas de chialer. Regarde-le, il est en arrière du net. Bonne place. Pourquoi il se met pas en avant? C'est en avant qu'il faut. Il sort du jeu lui-même, gars. Il est derrière le filet, il est pas. Et puis là, je l'entendais, le père, j'étais là, voyons. Là, j'ai quasiment le goût. Mais tu sais, j'étais là, OK, je connais personne. Je suis juste venu voir le garçon, mon ami. Puis là, j'entendais le père intense de même qui chiolait. Ben, son gars, t'es pas bien positionné devant. Aïe, aïe, man. J'étais, wow. Tu sais, là, fait que, mais tu sais, ça, il doit en avoir des milliers. Je suis sûr, là, si tu fais une émission puis tu demandes aux gens d'écrire, tu vas recevoir des courriels à l'infini. Ça, hey, ben, je veux le faire. On va le faire, là. On va le rappeler aux gens de nous écrire leurs histoires, puis on va y rentrer. Je veux entendre ça. Il y a tellement monde, des bonnes affaires. Le monde pourrait nous écrire un courriel à notre adresse email avec les détails, puis nous autres, on pourrait découper les meilleurs moments puis les mettre en, tu sais, dire, mettons, le top 5, là, tu sais. Puis on se fait un débat aussi en gang. Là, c'est pas être la fun. Ouais, mais ça on donne des attentes, opinions par rapport à ça. Ouais, c'est moi, ça, je dis, moi, je dis 10 histoires de 3 minutes. T'as 3 minutes pour compter ton histoire. En ligne. Russie, là, les parents sont pas dans les pratiques. Ils sont dans le portique, puis ils attendent, puis les jeunes sont sur la glace. Je suis d'accord avec ça. Il y a bien des... cheerleading. Ils mettent une télé, puis ils regardent la pratique sur la télé. Bon, mais André, il faut te laisser, mon chum. On a Alex Turcotte, le fish and chip, et d'après moi, il va être trop cul dans pas long. Oh, je vais regarder la recette. Ça va m'inspirer. Salut, beauté. OK, les gars, ben, ouais, c'est ça. À soir, j'ai été easy sur le c'est bon, ça. De temps en temps. Le jetateur. C'est bon, c'est bon, des fois, on analyse. Ouais, on l'a fait. Je l'ai vendu, là. J'ai été m'acheter un sac de chips à la place. C'est bon. Fait que je vais revenir tout à l'heure. Le lendemain qu'il a oublié sa montre. La même crise de joke. Il est là, puis il rit encore. Salut. Salut, Dédé. On met ta casquette, s'il vous plaît. On va aller vendre les vêtements. On met ta casquette, s'il vous plaît, des enfants qui sont pas. On pensait que c'était juste à nous autres, mais ils font serrer à tout le monde. Salut, André. Bye, André. Où ça? OK, salut, bon. C'est son nouveau vidéo de sortie. Aïe, aïe, c'est j'adore ça. Faut merci, toilettes. André. Ouais, vos toilettes. Pendant ce temps-là, je vais rentrer notre ami de chez Triple A, Projet Barbecue, Alex Turcotte. Rentre Alex Turcotte, mon Simon. OK, rentre pas Alex Turcotte, mon Simon. Bien sûr. Et comme on a dit, allez voter pour les saucisses. Avec la gang de la Fernandière, les saucisses préférées, la 84, qui a deux saveurs exceptionnelles, allez voir ça. Et de l'autre côté, la 40, on est en train de travailler là-dessus. Donc, plusieurs belles surprises à vous emmener, à vous présenter. On a aussi nos bières, la poche bleue et tout, et tout, et tout, et tout. J'attends juste un peu d'informations. Prêt. Let's go! Yes, sir. Salut, mon Alex. Pour Comment ça va, mon chum? Triple A. Merci d'être là. On s'excuse un peu de retard ce soir. Théo, ça a pris une heure. Fait que ça retarde tout le show dans ce temps-là. On s'en excuse. Ben écoute, il y a zéro problème, mais un Théo, on le prend. C'est ça. Les anecdotes sont tout le temps délicieuses. Fait que tu veux rester là, c'est clair. Ah non, c'est ça qu'on se disait. Il a été, encore une fois, très généreux. Puis, ben le fun, le Théo. Fait que non, on est bien content. On est bien content. Fait qu'on s'excuse un peu de retard. Et, encore salut, une fois, mon ami. La recette AAA. Merci à AAA d'embarquer dans nos foleries, d'être avec nous. Allez voir ça. Distribution AAA.com. Et tout est là. J'ai reçu justement ma deuxième commande. Hier, je me suis fait un filet mignon, mon ami. Hop là.
Là, je sors la température commence à être meilleure, je sors les tomahawks. Débile. Comment ça va, Alex? Débile. Excuse-moi. Top shape, mon gars. Top shape. Vraiment en forme. Le seul problème, c'est que j'ai déjà mangé la recette. C'est pas grave. Ça va être bon pareil. Non, ça va être excellent. C'est excellent. Mais en fait, je grignote depuis tantôt. si vous ne l'avez pas encore testé, pour vrai, la morue là, de... Hey, man, pour vrai, c'est vraiment un beau produit. Si c'était pas que... On va boire de l'alcool, on décroche de tout, on est dans le bois, le téléphone ne sonne pas, puis on est heureux. Ça ne vaudrait même plus la peine d'aller à la pêche. tellement le produit. tellement le produit, il est top. J'aime ça. Vraiment un excellent produit, puis encore là, un bon sous-vide. Tu te trompes pas. Moi, j'avais essayé leur saumon, j'avais pas encore essayé des poissons en chair blanche, tout ça. La morue, à date, là, pour vrai, j'ai grignoté sur mon fish and chip là, parce que j'en ai de préparé déjà. Là. Incroyable. Ah, oh, man. J'aime ça. Donc. Explique-nous ça. Excuse, tu m'as fait rire. Fait que ouais, un peu. Ouais. Dans ce cas, c'est correct. J'ai fait déconnecter. Premièrement, ben, si vous faites ça, faites ça avec un poisson à chair blanche, évidemment. Là, les pêcheurs de doré et tout ça, cette recette-là s'adapte hyper bien au doré. Fait que, tu sais, ça donne des morceaux à peu près de ce grosseur-là. Est-ce que ça dérange que, mettons, tu parles de doré ou autre, un doré est pas mal moins épais que peut-être l'épaisseur de la morue? Absolument. C'est pour ça que, de toute façon, ça, c'est trop gros pour faire du fish and chip comme morceau. C'est ça, hein? Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais me le couper un petit peu en angle, puis je vais me sortir à peu près... je vais me sortir 3-4 morceaux à peu près là, de mon filet, je te dirais. Là. OK, c'est ça. Fait que, tu sais, je vais arriver avec des morceaux... des morceaux de cette grosseur-là, à peu près. OK. C'est ça, mon problème. Sinon, avec la panneuse... Tout est fait au complet? Avec la panneuse, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu le frites, tu sais, on va toujours frire autour de 350 degrés. Quand tu frites, ta panneuse va quand même frire assez rapidement. Là. Tu sais, c'est un 2-3 minutes. Fait que si ton poisson est trop épais, ben, ta cuisson ne suivra pas. C'est ça. Mais s'il est plus petit comme ça, ben, tu vas avoir une cuisson qui va être absolument parfaite. Puis ça va être... Ça va être génial. Fait que la recette, c'est une recette que j'ai trouvée. Je suis allé au Royaume-Uni faire un gros voyage culinaire. Non, c'est pas vrai. C'est pas rien sur Internet. Non. Mais pour vrai, c'est une recette que j'ai un peu perfectionnée, un peu twistée d'une base d'un gars qui est réputé pour faire le meilleur fish and chip ever. Que j'ai un peu twisté à ma saveur parce que je fais toujours une petite twist à ma faveur. Donc, on part avec une tasse de farine. Farine de riz, super important. Une demi-tasse. À la texture que tu vas avoir à ton batter, que ta marinade, ben, ton... je ne sais jamais comment le dire en français, là, mais le batter, là, dans le fond, ton, où est-ce que tu vas tremper ton poisson. Farine de riz, une demi-tasse. On a une cuillerée à thé de... Puis la recette est disponible sur mon site en passant, là, si le monde veut la refaire après. Une cuillerée à thé de poudre à pâte, une... 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, un zeste d'une lime puis un zeste d'un citron que je viens dropper là-dedans. Je viens mettre mes épices, épices à poisson idéalement, mais ça peut être n'importe quel mélange d'épices que vous avez, ça va bien fitter dedans. Et sel poivre. Moi, j'utilise, parce que je l'ai, là, mais tu sais, un sel poivre standard ferait la job. J'ai un poivre forestier à la maison puis j'ai un sel de conifère. Je trouve que ça amène vraiment une twist. Ça fait quoi, ça? C'est un peu herbacé, si on veut, là, plus forestier. Fait que tu sais, t'as les herbes et tout ça. Fait que je trouve que dans le fish and chip, ça sort bien là, parce que c'est un peu plus sauvage comme produit. Okay. Mais un sel poivre standard fit super bien. Là. C'est mon petit sel fancy. Je voulais juste le plugger, dans le fond. J'aime ça. Ça goûte la même affaire. OK. Puis là, c'est là que la twist commence. Il y a beaucoup de gens qui vont le faire avec de l'eau ou de l'eau gazéifiée. Pour moi, un fish and chip, c'est avec de la bière. Ça prend absolument de la bière. C'est une tasse de bière. C'est quoi, ce bière-là? La moitié d'une... Ben, c'est une 84. Ah, oh, OK, excuse, je voyais pas avec tes grosses mains. Ouais, c'est... La canette avait l'air petite. J'ai quand même des papiers mains. Mais fait super bien avec son, tu sais, les agrumes puis tout ça, une blanche là-dedans, ça, c'est juste perfect. Puis le petit secret, un once de vodka que je viens rajouter dans mon mélange.
Puis c'est une recette qu'on fait toujours avec un petit verre. Super important d'avoir le petit verre à côté pour en garder un peu avec nous autres. Donc, je mélange ça vite. Pas fou, hein? Pas fou, ça. Je mélange ça vite. Fait que, tu sais, ça prend une bonne... Tu sais, au pire, ajouter, commencez avec moins de liquide, puis rajoutez-en progressivement, là, si vous voyez que c'est pas assez liquide, ce que vous voulez faire. Normalement, une tasse, dans les dosages que j'ai donnés, ça va juste être parfait. Je mélange tout ça, Comme je disais, mon huile va être à 350 Fahrenheit, qui est vraiment mon go-to là, dans la friture que j'aime utiliser. Frites, que souvent, je vais faire un blanchiment à 230. Fait que souvent, mes frites, je vais faire deux passes d'huile. Je vais faire une passe à 230, puis je refais une passe à 350-375. Puis c'est juste perfect. Fait que ça me donne un mélange qui est quand même assez liquide. Puis le côté gazéifié de la bière va vraiment amener de la légèreté à ton, ton fish and chip, dans le fond. Fait que je vais juste me tremper ça vite. Je drop ça dans l'huile. Puis comme geste, à peu près 3 minutes. Puis là, évidemment, fish and chip, qui dit fish, qui dit chip, dit aussi chips dans le fish and chip. Fait qu'on se fait des petits chips maison. T'as aimé ça, Max? Ouais, je trouve ça à coche à soir. Ouais, à soir, il y a des... Fait ça, là... Tu sais, je veux voir mon doigt. Tu vois un peu, mais attends, je vais m'approcher. Peux-tu ça le faire? Okay, c'est bon. Tu veux vraiment être hyper, hyper, hyper mince dans ta chip. Peux-tu l'essayer avec ton œil? Comme un pirate, genre? autre chose hyper importante, si vous faites des chips, si vous faites des frites maison, tout ça, faut enlever l'amidon de la pomme de terre. Donc, on fait tremper minimum 30 minutes. Puis une fois après ça, je vais aller faire frire, puis ça va me donner quelque chose comme ça, comme produit. Ah, oh, Lord. Ouais, t'as fait ça. Ça a l'air bon. Ouais, quand même. Bon, les chips, honnêtement. Ouais. Ah, c'est débile. Pour vrai, des chips maison, là, puis après, tu sais, tu peux twister avec la saveur que tu veux. Ça, c'est santé, d'une certaine façon? Ouais. Ben, plus que celle dans le sac, admettons, ou non? Ouais, plus que celle dans le sac, c'est clair. Okay. Là. Moi, je vais rajouter un peu de lime sur mes chips. Parce que un lime poivre, c'est toujours bon là, dans un chip. Puis avec le poisson, ça fait super bien. Moi, je verrais un poivre puis, de conifère là-dedans. Là. Ah ouais, quelque chose de très, très herbacé. Non, je vais y aller avec les épices de la poche bleue. Ah ben oui. Qui fit super bien. Ben oui, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Qui fit super bien, dans le fond, comme celle d'assaisonnement aussi, évidemment. Tu sais, les rubs tout usage comme ça, c'est toujours parfait. Fait que là, tu te projettes une coupe d'affaires plus loin, puis t'es rendu avec une assiette. Ouais, là. Avec tes chips. Je pense que c'est le top que j'ai vu à date de sa part. T'es fatiguant, man. Man, invitez-moi en studio, les gars. On n'a pas de cuisine. J'ai pas besoin de cuisine, man. Je cuisine partout. Fait que ça donne, tu sais, les morceaux, là. Lord. Puis tu sais, je sais pas si on n'entend pas le crunch, je pense. Ouais, on l'entend. Mais Lord. C'est hyper feuilleté. Puis tu sais, les chips. Wow. Ça a tellement l'air. C'est vraiment croquant. Hey, mon Pokéball, il est loin en esti. Puis, accompagné, ça, là, j'ai droppé ça sur les réseaux sociaux hier sur toutes mes plateformes. Une mayonnaise maison que l'huile, je l'ai fait infuser de chorizo puis de jalapeno. Ça, mais ça donne quelque chose de... Fou. Ah, c'est fou raide, man. C'est, là, c'est vraiment... C'est de combien loin. De temps? Ben, en fait, je prends mon chorizo cru, je vais le couper en petits morceaux, puis je vais le faire infuser avec l'huile. Dans l'huile, je vais faire chauffer l'huile. Fait que le temps que le chorizo soit cuit, dans le fond, ça va sortir de la saveur du chorizo, puis ça va le laisser dans mon huile. Puis tu sais, ben, la porte est à droite. Ouais, c'est ça. Ah, oh, c'est ça, bon. Ça te donne ça comme couleur à la fin. Puis là, j'ai rajouté un peu de... C'est ça, j'ai rajouté un jalapeno aussi rouge dedans, dans l'infusion. Fait que t'as un petit côté spicy aussi là-dedans. Wow. La recette, là, je l'ai faite en vidéo. Là, c'est sur toutes mes plateformes Projet Barbecue. Vous pouvez aller voir ça. Puis sérieusement, man, cette recette-là, hyper rapide à faire. C'est une recette que tu fais en 15 minutes, peut-être.
Puis c'est vraiment, mais vraiment bon. Là. C'est, je pense que je mange c'est de loin la meilleure. Tu sais, j'en avais testé pas mal avant des recettes de fish and chip. Puis là, clairement, c'est la top. Là. Tu veux faire ça. Wow. T'es tellement bon, man. Fait que c'est ça. Bon, félicitations. Pas pire, hein? Suivez ça, la gang. Ça vaut à peine. Wow. Fish and chips. Mais ça, guys, sérieusement, si vous êtes abonné à AAA, rajoutez ça dans votre commande. La qualité de la morue est vraiment géniale. C'est un super beau produit. Encore une fois, là, comme toute la reste, je veux dire. C'est écrit? Bonne question. Ben, ça doit. C'est tout le temps. C'est une pêche sauvage. Le océan? Océanique? Produit des États-Unis. OK. Pêché aux États-Unis. Okay. Fait qu'un produit américain. Donc, on se trompe jamais. Hein? On se trompe jamais. Mais pour vrai, encore là... ils sont débiles. Ils sont débiles. Le suivi des têtes, le produit est bon. Fait que c'est vraiment une recette à essayer. C'est sur mes plateformes, ça. Vous connaissez déjà un peu le truc. On s'en va direct là. Puis je m'en vais me claquer beaucoup, mais beaucoup trop. Ouais, mais mets-toi devant la télé, là, puis mange tout ça. Tu vas être heureux, toi. Ouais, je vais venir écouter la finale. C'est la finale du show. Salut, mon chum. Merci, triple A. All right, guys. Yes. Un gros merci. Salut, mon chum. Ciao, guys. Bye-bye. Salut. Ciao, prochaine. Hey, j'ai-tu faim? C'était carré. Hein? J'ai vraiment faim. C'est ça le problème. Quand lui arrive à 11h le même, t'es comme tabarnak. Et fin. C'est petit flashback. Attends. C'est le temps d'une remise en place avant. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Ah non, là. Ah oui. Maxime. C'est Luc Lafortune qui dit Maxime, lui, était agitateur, puis là, il est con. Normalement, c'est un fumeur qui a eu des problèmes qui te dit de pas fumer. C'est comme ça dans la vie que ça marche. T'apprends, tu fais des affaires, puis tu réalises que peut-être t'aurais pas dû les faire. Tu sais, au lieu de chialer, Luc, là. T'as pas l'air de bonne humeur à soir, tu peux aller faire un tuto dodo dans ton pyjama avec les bananes, comme les bananes en pyjama. Fais une chanson, là. Les bananes en pyjama. Non, c'était pas ça, je m'attendais à une chanson. Criston, quand? C'était plus ça, je m'attendais. Pas te coucher, Luc. Tu m'énerves. Ben, tu correct, ça? Merci, triple A. On met le lien. Venez nous jaser dans Zone Molson X. On traverse immédiatement Salut. Après le flashback. On est de retour dans les studios Ford. Là, Marie, tu vas nous expliquer ça parce que t'es meilleure que moi. Ouais, ben. Qu'est-ce qu'on fait, là? Ça, c'est une belle passe à la palette. Non, mais c'est parce que Cynthia, elle essaie tout le temps. Puis là, je suis obligée de rajouter une couple de mots. Puis je pense que dans le dernier enregistrement, j'ai dit un mot. Puis elle a fait comme wow. Moi, je complète Marie. Mais ça me prend toujours mon noyau. Je sais que c'est Marie le noyau. Fait que moi, je complète. C'est le travail d'équipe, là. C'est exactement ça. Tu vois-tu, on répond même en même temps. J'ai remarqué, des fois. Oui, j'ai remarqué. Fait que tout ça pour dire que dans le ring, tu as 2 minutes pour répondre à nos questions. Tu dois absolument trancher. Okay. Donc, tu peux pas dire les deux. Je peux pas élaborer. Je peux pas. Ah, tu peux élaborer. Okay, OK. Mais c'est parce que tu as 2 minutes pour répondre à nos questions. Dieu, tu peux élaborer. On veut que tu élabores. OK. Mais tu dois trancher. Tu peux pas répondre les deux. Tu peux pas dire je passe. OK. 2 minutes. Ah, je peux pas passer. Ben okay, non. 2 minutes. Ah, j'aime pas ta face. Là. Oh, que j'aimais pas ta face. T'es contente de ce que c'est Marie, en plus, qui l'a fait d'habitude. Je m'en occupe un peu, mais là, Oh mon non, Dieu. C'est pas super. Il y a beaucoup trop de confiance sur ton visage. Ben non. Okay, combien 2 minutes? 2 minutes, Simon. C'est parti. Ouais. Télé ou radio? Radio. Hôtel ou camping? J'haïs le camping. Hôtel. Neige ou sable? Je dirais... Oh, mon Dieu! parce que le ski alpin, c'est mon sport. Il aime ça. Non, mais le ski, il est tout le temps dans le sud. Le ski alpin, c'est mon sport préféré, mais je vais dire sud parce que je me repose. Ah, avec le sable? Ouais. Ouais, le sable. Guy Mongrain ou Ève-Marie Lortie? Guy Mongrain. Ève-Marie, je l'aime, parce qu'on s'est écrit il n'y a pas longtemps. Journée en famille ou virée en boys? Journée en famille. Ah ouais? Bon, oui, de loin, okay. À part ça. Sucré ou salé? Pas trop salé. J'aime qu'il y ait la vente. Manger ou s'entraîner? Manger. Par en avant ou par en arrière? Par en avant. OK. Ford Focus ou Ford F-150? F-150. Oh, okay. Ouais, je suis rendu là. Vin ou gin? Vin. OK. 6h du matin ou 6h du soir? 6h le soir. La journée est presque finie. Alexandre Despatie ou Marilyn Jonca? Alex Despatie. Ah ouais? Marilyn, je l'aime aussi, mais Alex, c'est comme mon petit frère. Okay. Hockey ou boxe?
plus boxe maintenant. Ouais. Ça vient de mon père, ça. Okay. J'aime beaucoup le hockey, mais mon père tripait. Moi, je suis un fan de Mike Tyson depuis toujours. Oh. Je l'ai déjà croisé à Vegas. Incapable d'être là-dedans. Oui. C'est Mike Tyson. Ouais. C'est comme... Je sais pas comment parler. Il n'y a pas un mot qui sortait. Ouais, mais moi, j'aime ça que tu continues la boxe. Ah ouais, parce que le temps, il roule, puis on a encore des faits. Ouais. Vérité ou conséquence? Vérité. Vérité. Es-tu un homme rose? Oui. Okay. Ouais. Ouais. Oui, okay. De façon générale, oui. Très romantique, en tout cas. Guillaume, Max? Je connais plus Guillaume, je veux dire Guillaume. OK. Épicé ou doux? Puis Max, dans le temps, il m'énervait. Doux ou épicé? Si on se fait ma dernière réponse, épicé, mais c'est plus doux. C'est doux, océan? Piscine ou océan? Piscine, parce que... OK, non, mais attends, oh, ouais, non, mais Ben, je pense que t'es le plus poche de tous les concurrents qu'on a eu, je m'excuse. Comment ça? C'est parce qu'on n'est même pas rendu à moitié de la feuille. Mais parce que moi, j'ai du contenu, les autres invités n'avaient pas de contenu, okay, c'est okay, ça? OK, on shoot les autres de base. OK, ben oui, on a le temps. Coller ou dos à dos? Coller ou dos à dos, coller? OK, rouge ou TVA? Comment? Rouge ou TVA? Rouge. Cardio ou musculation? Cardio. Batman ou Spider-Man? Spider-Man, parce que... Ah oui, Spider-Man, il est cool. Peut-être son saute, mais sinon, Spider-Man. iPhone ou Android? Oh, iPhone, j'ai jamais eu d'Android de ma vie. Cru ou cuit? cru, je dirais, parce qu'on mange beaucoup... Ouais, on mange très cru à la maison. Seul ou en amoureux? En amoureux. Chip ou chocolat? Oh, chocolat. Ouais, ben oui. Mais t'as dit salé, pas trop salé pas tantôt. Pas trop salé. Mais chocolat, oui. OK. Film ou télésérie? J'ai pas le temps, malheureusement, pour les téléséries, donc film. OK. Cuisiner ou take-out? Oh, maudit calvasse. cuisiner. Cuisiner parce que j'aime faire à manger beaucoup. OK. Moi ou Cynthia? À cause de ta face, Cynthia. Qu'est-ce qu'elle faisait comme ça? J'ai juste regardé. Non. Elle était menaçante. Je me suis senti menacée. Mais Ben, malgré notre... On a passé à travers, là? Ouais. Un petit plus que deux minutes, mais écoute... Cinq peut-être, mais c'est pas grave, rendu là. C'est juste parfait, c'est juste parfait. Non, pour vrai, c'était super le fun. Merci pour l'invitation, c'était vraiment fun. J'espère qu'on va se revoir au gym, là. Mais oui. La fois, on est en plein défi, là. Ouais. Il va falloir t'embarquer dans un autre défi. C'est moi qui ai pris une belle photo de vous deux. Avec Jeff Godreau. C'est vrai, ouais. Merci beaucoup. Invitez-moi au moins juste pour les photos. Pas pour les faire, mais pour les prendre. C'est bon? Ah, c'est ça. Hey Ben, un grand plaisir. C'est le fun. Merci à vous deux. C'est le fun ce que vous faites. C'est trippant de mettre en valeur les expériences des gens, de voir ce qu'ils font aussi autre que ce qu'on connaît. Oui, c'est ce qu'on a fait. Puis, ben, c'était le but. Merci à toi de valider qu'on a visé juste. Vous avez été bonne. Bravo. Félicitations. On s'est tout mis en valeur. C'est vrai? C'est genre de chin de micro. Première fois de ma vie. 33 ans de carrière, puis chin de micro. C'est ce qu'il y a la première fois. On en fait un à chaque show. À chaque show, c'est notre rituel. C'est votre signature. Faire ça. Ben oui. Continuez à le faire, d'abord. J'espère que les gens qui nous écoutent en audio sont pas en train de... Non, ils sont encore là. OK. Mais c'est pas fini, parce que là, on s'en va voir notre ami... Humoriste Christophe Dupéré. Ah oui! Yes! La troisième période est une présentation de Molson X. Yes, sir. Bienvenue tout le monde dans la zone Molson X. On est bien contents. Encore une fois, merci à Molson X. Notre magnifique bière. On t'aime. Qu'est-ce qu'il dirait, Bruiser, là-dessus? Molson, salut les vrais. Il faut lever le doigt, dans le fond. Il y a un petit délai. Il y a un petit délai, Bruiser, de ce temps-là. Refais donc un test, ouais. Molson, salut les vrais. C'est pas ça la coche, Gabin. Moses! Yes, Molson, en collaboration avec Bumble, ont un partenariat pour vous, pour vous permettre de gagner un magnifique cadeau. Donc, vous craquez pour un fan de bière et de hockey. Vous pourriez gagner une expérience de rêve pour une soirée romantique lors d'un match des Canadiens et profiter d'une pinte avant le match. Gracieuseté de Molson en téléchargeant Bumble, l'application, et en vous rendant sur MolsonMatchup.com. Le concours est ouvert jusqu'au 17 mars. Entrez via l'application Bumble, swipez jusqu'à ce que la carte Molson Bon Match apparaisse pour avoir la chance d'encourager les Canadiens lors de votre nouveau match. Termes et conditions applicables, pas d'achat nécessaire, droit à l'âge légal pour boire. Amateur de hockey célibataire, c'est votre chance d'établir une vraie connexion. Je ne sais pas pourquoi on a mis le pool.
Mais le pool de hockey aussi qui est encore disponible à la Poche Bleue. Allez voir ça, allez suivre toutes les choses. Premier prix, la loge avec Maxime et moi et 5 de vos amis. 3500 piastres cash, 1500 $ comptant pour le prix 2 et 3. Donc, deux belles promotions. Le pool a gagné des beaux prix. Et Bumble, en collaboration avec Molson X, un beau produit. C'est quoi ça, Bumble? C'est une application pour les célibataires? Ouais, Bumble, j'ai entendu parler par un cousin de la face droite qui m'a dit télécharge Bumble pour si tu veux aller voir le Canadien. Puis, fait que j'ai dit, ben, j'ai une blonde. Là, c'est pour ça que je viens propager la bonne nouvelle. Ah, c'est bon. Moi, je suis là puis je dis au monde, prenez, t'es célibataire. À soir, t'écoutes le show des célibataires, va sur Bumble, swipe, elle m'a emmené voir l'affaire Molson, tu t'inscris là-dessus. Puis si t'as un match, mettons Maxime, il est là, je fais comme, hey, Maxime, je le trouve beau. Molson match, bon, 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 c'est réglé. Bon. Ça va la game du Canadien. Hey, yes, sir. Bumble, bon, 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 bon. Ouais, beau prix en tête, ça. Merci. Oh! Si tu aimes JP, crie JP, JP. Si tu aimes JP, crie JP, JP. Comment ça va, JP? Bien, tu aimes JP, tes vacances. Ça a bien été. Toi, c'est ça qu'on parlait tantôt. T'as-tu eu des vacances, toi? Non, je travaille. Oh, ben, monsieur est discipliné. C'est bon, c'est une bonne affaire. T'as-tu un nouveau T-shirt du Canadien? Non. Qu'est-ce que t'as dans le dos comme numéro? T'as-tu un numéro? Calique Folie. Oh! Oh! Tu l'as eu à 50% de rabais, je sens d'ailleurs. Ouais, tu l'as acheté après qu'il soit parti. Là. Oui. On connaît tes trucs, JP. D'après moi, si tu fouilles dans une couple de place, il y en a qui coûtent 10$ des lapières et des latendresses. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Méchant raclé, Colorado. Ouais, ça n'a pas bien été. Mais Colorado sont trop forts. On a plein de joueurs de la Ligue américaine, même s'ils font leur possible. Là, c'est pas. Tu sais, faut faire attention, là, nos petits Canadiens, là. Hein? Faisait pitié. Faisait pitié. On va y reprendre dans 2-3 ans quand on va être bon avec notre équipe boostée, là. Ouais. Hein? On va être écœurant. C'est quoi le Grouin à Montréal? Ben, moi, j'aimerais ça qu'il aille ailleurs, vivre une autre expérience, pas de pression, vivre avec sa famille, là, sa petite famille qui s'amuse, qui joue au golf après les matchs de hockey, puis qui se mette pas de pression. Je pense qu'il mérite de vivre ça, puis qu'il fasse des points, puis tout ça. Je suis d'accord. Hein? JP, qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui. En vacances. JP, ta barbe. Ben... Qui m'en va à Robertval? À Robertval, qu'est-ce que tu vas faire? Un chalet. Oh, un petit chalet. Ah, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Prendre une petite vacance avec mon chien. Ouais. Et ma mère, mon père et ma grand-mère. Oh, wow. C'est le fun. Des beaux moments en famille, ça. Profite-en. As-tu déjà vu le lac Saint-Jean? Oui. T'as déjà vu? Oui. C'est gros, hein? Oui. Il va faire frette, mets ton manteau d'hiver. Là, t'as rasé ta barbe en plus, mets un petit foulard, là. Ouais, mets-toi un petit foulard. Il se rase avant la série. Ça te rajeunit, Ouais, mais il se rase avant la série. On dirait que t'es en secondaire 1. Tout le monde se laisse pousser la barbe. Allô? Mais JP se rase, lui, avant la série. JP se rase, mais c'est bon. Salut, mon ami. Attention à toi. Salut, boys. Bye, Guillaume. Bye. Hey, JP, l'impact, ça va pas bien, hein? Dernière question. Ils vont-tu marquer un beurre à un moment donné, ou... Salut, JP! Je viens que te fâcher avant de te coucher. Salut. Salut, boys. Ah, notre JP national. Ouais. Pourquoi on dit national? Ben, c'est parce qu'il était aimé à travers le Canada. C'est ça, ouais. C'est ça. OK. Je sais pas si... Non, c'était pas pertinent. OK, parfait. Je mangerais des chips. Simon, veux-tu nous mettre la liste des gens en attente, s'il vous plaît? Non, faut pas que je mange. Non, fais-toi pas ça. Non. Bon, ça va bien, là. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Perdu. Hey, le tif qui s'excite à soir. Ah, mec. Comment ça va, le tif? Avant ses playoffs, le tif vient jaser. Bébé, on sent-toi, non, c'est la game, là. Comment ils vont, les boys? Hey, le tif. Le bébé dort-tu, tif? Il va bien. Le petit dodo? Il dort, oui, il dort. Réveille-le pas, là. Non. Moi, j'ai une question pour vous autres. Deux questions, dans le fond. Deux questions en soi. Yes. Max, tes deux goals le matin, solide dans ta barre. Excuse-moi, Didier, je sais que t'es goal scorer dans la Ligue nationale. Lesquels, Max? Les deux dans l'arrière, disaient. Ah, en arrière du net, OK. C'était calculé, là, on s'entend, là. J'ai pas dit le contraire, là. T'as-tu déjà vu un gars faire un tour de chapeau dans l'arrière du net? Je l'ai pas encore vu. Non, mais ça, je m'en ai dit. Merci, Tiff. Pas de trouble. Une petite question pour vous autres, pour de vrai, puis ça me fascine. Belzile.
sais, si on parle de reconstruction pour les deux prochaines années, on jase pour jaser, on est en reconstruction à peu près un an ou deux. Là. Belzile, tu le gardes ça à Montréal pendant la construction. Parce que soyons francs, je pense pas que quand tu vas être prêt à gagner la Coupe, rien contre Belzile. Rien contre Belzile. Quand tu vas gagner la Coupe, je pense pas que Belzile va être là. Mais est-ce que tu le gardes à Montréal pendant la reconstruction? Ouais, nous autres, il n'y a pas de doute. Ouais, on le dit dans toutes les shows, c'est 100% sûr et certain qu'on le garde. Parce que c'est important. T'sais, on pense toujours d'entourer nos jeunes joueurs vedettes en haut, mais il y a d'autres joueurs importants dans l'équipe qui sont en arrière et sont assis sur le banc plus souvent qu'autrement aussi. Là. Puis un gars comme Belzile, c'est bon pour les gars de 3e, 4e trio, les jeunes qui apprennent en désavantage numérique, toutes ces affaires-là. Ça en prend des vétérans. Je veux pas parler d'hierarchie tout ça, mais il y a un monde de vedettes dans le national, puis il y a le monde des pas vedettes. Puis ça prend un leader des pas vedettes, puis je pense que Belzile est capable de faire ça. Puis non seulement je le garde à Montréal, mais moi je lui donne un one-way. Là. Je suis pas sur le two-way avec garantie 300 à Laval. Là. Moi, je le garde à Montréal. Il va être mon 13e. Puis il est capable de jouer 10e aussi là, pour les deux prochaines années. Il est capable de jouer. Ben, je veux dire, ça se peut que certains soirs, je vais le mettre Owen Beck parce qu'il remonte. Puis c'est lui qui est dans le line-up. Puis son sort. Belzile peut jouer partout, peut pas jouer certains soirs. Puis être le bon vétéran qu'on a besoin autour des jeunes. Permettre aux jeunes d'aller à Laval, revenir. Fait que moi, c'est le gars parfait dans un vestiaire. Moi, je signe ce gars-là, one way, puis il joue à Montréal. Aucune il va-tu jouer 82 games? Peut-être pas, mais je vais le vais à Montréal autour de l'équipe. Aucune question. D'accord. Je vais finir avec ça. Désolé, troisième question. C'est pas vrai. T'as le temps que tu veux. Avec un beau setup de même, tu prends ton temps. Là. Anthony Richard, hier, qui joue 7 minutes. Pour de vrai, ça m'a bugué un petit peu. Ça bug un peu parce que oui, je suis d'accord. On ira pas avec le fait qu'il soit québécois, là, puis qu'on soit québécois. Mais Anthony Richard, je pense qu'il amène quelque chose que la Ligue nationale. Et la Ligue nationale a ça, c'est la vitesse. C'est un gars qui va s'en sortir à tous les soirs à cause de sa vitesse. C'est un gars qui est intelligent. Mais Anthony Richard, hier, mérite de jouer plus que 7 minutes. Il marque un gros goal, puis il joue 7 minutes au bout de la ligne. Mais j'étais sûr qu'il disait « faut lâcher ». Mais Chris, au final, là, je regarde la game, puis je regarde les joueurs, puis le Canadien ne gagne pas de game. Ils ont gagné une game sur 8. Là. Puis, sais-tu quoi? Le fait qu'Anthony Richard soit québécois, là, ben, faut arrêter de dire que ça n'a pas rapport. On est un marché spécial, puis faut commencer. Ça a le rapport. Il y a un sentiment d'appartenance avec ces jeunes-là. On est fiers de les voir là. Puis là, je parle pas du hockey. Je parle Anthony Richard, ce qu'il me donne, ça a une valeur. Raphaël Harvey-Pinard, Alex Belzile, ce qu'il amène aux Canadiens. Arrêtons de dire, oh, faut arrêter d'être chauvin, puis dire, Chris, c'est des Québécois, c'est des kids qui ont grandi dans notre programme, qui sont là. Arrêtons de vouloir. Puis moi, j'étais un de ceux qui disait. Québécois, pas Québécois. Non, c'est pas vrai. Faut arrêter. Puis je le réalise cette année comment je trouve ça le fun de regarder nos kids d'ici, ce qu'ils réussissent à faire. Puis Anthony Richard, oui, mérite plus que 7 minutes. Puis mais je veux pas second-guesser Martin Saint-Louis. Je pense que c'est la bonne personne pour le développement d'un joueur qui est en arrière du banc. Peut-être qu'on a évalué certaines lacunes qu'on doit améliorer chez Anthony Richard, mais je suis certain que plus que ça va avancer, on va y en donner. Mais soyons chauvins, puis soyons fiers de nos jeunes d'ici, puis arrêtons. À talent égal, prenons le Québécois. Puis le Québécois, il y a un sentiment d'appartenance. Les jeunes l'aiment. Les jeunes aiment le Canadien encore plus. On en a 7, là, je pense, en ce moment dans l'équipe. T'as jamais vu le Canadien perdre autant de games, puis qu'il y a autant de positifs autour de ce club-là. Ah, la réalité, c'est que c'était pas mon travail de regarder les games. Je regarde pas les games si je suis pas fier d'Harvey Pinard puis de Belzile parce que tu t'assois puis t'espères. Ça fait ta soirée quand il joue une bonne game, il score un but, tu t'en vas te coucher, t'es content. Quand Dadanov score, là, moi être bien honnête avec toi, je pense que ça m'enrage plus que ça me met heureux. C'est comme Calis, s'il score, il va rester. Mais là, il est parti. Là, mais... je laisse le monde rentrer, mais je suis content de voir que vous êtes encore en forme après avoir joué à 7 attaquants, à 7 joueurs. Matin. J'ai vu Max Lapierre en sortant de la. L'entraque, man! Il était là. À l'entraque, j'ai dit, Chris, je vais le perdre. J'étais à bout. Ouais, mais je sortais d'un breakaway. Oh, mais hey, il a tracké deux fois ce chiffre-là. Là. Il a fait un méchant chiffre. Là. Faut que j'y donne. Ben, je laisse le monde rentrer. Salut. Hey, Tiff, toujours le fun quand tu viens. Viens plus souvent. Bonne soirée, les boys. Salut. Bonne soirée, les boys. Salut, mon Tiff. Hey, puis, on a parlé du pool tantôt. Classement. Anthony Mété encore qui est premier. Stéphane Taillon et Mario Chaput qui est troisième. Félicitations. Puis, gagnant des dernières semaines, 26 février, Catherine Provencher qui a gagné un bâton mystère utilisé par un joueur des Canadiens. Semaine du 5 mars, Bao Nguyen, qui a mérité un kit CCM Apparel, regroupant casquette coton ouaté, paire de pantalons de la part de nos amis de chez Tricolor Sport. Et ben c'est ça. On est bien contents. Félicitations à tout le monde. Merci d'avoir participé. Les amis. On passe à Danick.
Pas d'Annick. Oh. Il est fatigué. Hey, oh, les gars. Mark Thibault, Mark Thibault, Mark Thibault, Mark Thibault. Let's go, Mark. Yeah, Mark Thibault. Oh, yeah, oh, yeah. Only one Mark Thibault. One for the money. Where's Mark Thibault? Oh, I want Mark Thibault. Oh, oh. Mark Thibault. Il y a un podcast. Habillé en voltigeur. Des tigres, excuse. Ancien voltigeur, ouais. Il vient avec les affaires des tigres. Il est baveux, un esti. Hein? Aucun sens. Il a changé, depuis qu'il a fait un certain show de télévision. Non, mais j'attends encore mon hoodie des voltigeurs. C'est ça l'affaire. Ben, ça va, Marc. T'as raison. Ça va bien, vous autres, les boys? Ça va. Ce qui se passe de bon? Du nouveau dans ta vie? Hey, cheers. Un petit drink. Hey, Marc, je connais pas ta situation personnelle. Et, loin de moi l'idée de rendre ça public. Mais Molson et Bumble font un événement très, très, très intéressant. Hey, tu devrais m'envoyer ça par email. T'as un match, tu vas sur MolsonMatch.com, tu rentres les informations et t'as la chance de gagner des billets pour le Canadien avec ta nouvelle dulcinée. Est-ce qu'on a droit à un mois gratuit sur Bumble? on prend tout. Fait que ça prend absolument un match. Ben, je pense bien, j'ai lu le règlement en même temps que toi. Fait qu'à mettons que. T'as un candidat qui c'est plus difficile d'avoir un match. Entrez via l'application Bumble et swipez jusqu'à ce que la carte Molson Bon Match apparaisse pour avoir la chance d'encourager les Canadiens lors de votre nouveau match. Ouais. Swipe-tu les joueurs ou bien tu swipes les filles? Ça va pas bien. Bonne question, Marc. Va sur Bumble, essaye. Essaye, là, Marc. Tu nous diras le compte-rendu des fins de choix, ça finit le 17. Ouais, let's go. Assoir en raccrochant, faut que t'aies là. OK, fait que c'est quoi? Je vais être porte-parole officielle. C'est quoi l'affaire? On sait pas. Puis j'ai déjà le jaune de Bumble. En plus. Fais cette photo de profil-là. Arrête, il va y avoir trop de demandes. Non, mais le best, c'est qu'il faut que tu mettes une photo de ton chat ou quelque chose. Tout le temps. Ça, c'est gagnant. Tout le temps. Mais hey, on pourrait. J'ai hâte de le voir demain en habillé avec un chihuahua dans les mains. On fait-tu le compte Bumble à Mark live? Tu sais, on lui demande, mettons, ses centres d'intérêt, ses qualités. Ça serait quelque chose. Tu es prêt, Marc? Ça serait malade. Tu es prêt? Ouais, Simon, mets-toi sur la coche, là. On s'en va sur Bumble. Ouais, à soir, on te crée ton code Bumble. Let's go. OK, vas-y. Ça va être écœurant. C'est une très bonne idée. Ça va être notre dernier pour ce soir. On est désolé, les gens qui sont en ligne, mais on a des projets très, très sérieux ici. Alors, Bumble, here we are. On te crée ton code. C'est parti. Let's go. Pendant ce temps-là, tu peux nous parler de ton expérience à la voix. T'as-tu le droit? Ou... OK. Ah oui, j'ai le droit en masse, là, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Dans le fond, voulez-vous parler de l'élimination ou quoi? Ben, comment t'as vécu ça, ton expérience? J'ai pleuré quand je t'ai vu avec tes enfants sur le stage quand ils sont venus, puis j'ai repleuré quand je l'ai réécouté. Ah, c'est incroyable. C'est écœurant, ça. C'est écœurant. Puis tu sais, ce qui est trippant là, pour les gens qui ne savent pas, là, c'est que quand on est devant le mur, dans le fond, là, avec le compteur de 20 secondes, là, c'est malade parce que tu tombes vraiment dans ta bulle là. Là. Tu as le 20 secondes qui défile, puis là, tu as le réalisateur à côté qui te fait mon année. 5, 4, 3, ça doit être malade. 2. Là, tu pars. Écoute, tu marches, tu fais juste le tour du mur, tu t'en vas. Là, tu arrêtes, tu as une étoile sur le stage, puis là, c'est comme. Puis je vais t'avouer honnêtement là, que quand je me suis mis à jouer, hey, puis je me suis fourré en plus dans un accord de git, là, mon année, je m'en ai rendu compte après. Là. Ça paraît pas, là. Mais à un moment donné, quand Marjo s'est retourné, mon gars, là, en tout cas, ceux qui le revoient, là, vous allez voir, j'avais même pas remarqué, mais j'ai un petit sourire en coin en voulant dire « Yes! » Parce que, tu sais, c'est comme un peu le moment ultime, là, tu sais, si ça ne servait pas, parce que, tu sais, on vit toute la même affaire aller jusque-là, tu sais, tu vis le même processus puis toute la patente, mais tu sais, ceux qui le font pas puis ceux qui ne se retournent pas, tu sais, il faut qu'ils peuvent pas dire la même chose que nous autres, tu sais, je veux dire, ils peuvent rien dire eux autres non plus, mais en plus, ils le font pas. Fait que, tu sais, c'est encore plus plate, là, mettons, mais non, j'étais content. Il y a combien de nuits que t'as rêvé que personne se tournait? Aucune. T'as jamais, une fois, c'est arrivé que t'as... Tu sais, on fait tout ça, non? Tu vas en finale, puis tu rêves... Ah, c'est sharp. Jamais. T'avais moi, j'étais un compétiteur, mon gars. Honnêtement, je suis... Tu sais,
je m'en vais tout le temps pour la victoire. Fait que, tu sais, je pense vraiment pas à défaite dans le sens que ce qui pourrait arriver. Je me dis juste, la seule affaire, je me dis, je vais faire le mieux que je peux avec ce que j'ai, puis je vais me donner à fond, puis il arrivera ce qui arrivera, mais je peux pas. Le bout que je peux pas contrôler, c'est s'il sort vire ou non. Fait que dans le fond, c'était juste ça pour moi. Fait que j'étais content en crime, là. Puis tu sais, ce qu'on voit, là, c'est sûr, la décision et tout ça, là, ça se passe quand même rapidement. Là, on le voit à la télé, mais tu sais, ça a duré peut-être un 10 minutes, là, dans le fond, le temps qu'on parle et tout ça. Là. Je m'attendais pas honnêtement à ce qu'il me pose autant de questions. C'est 10 minutes que j'ai été déstabilisé. Une fois que les coachs sont virés? Ouais. Après, là, c'est comme t'as un gros 10 minutes là, que. Ah ouais. Je suis tombé déstabilisé parce que moi, je m'attendais. Je dis, OK, ils vont peut-être me vendre leur salade, là, je vais décider. Mais là, ils me posaient comme plein de questions, puis là, je suis comme tombé. OK, ouais, là. T'embarques dans un autre mode, ouais. Mais j'ai trouvé ça weird du coup. Tu sais, comme la passe Guigui, là, quand il a parti son iPad, là, puis qu'on a tout fait comme. Il fait jouer une toune sur l'iPad. Ouais. Tu sais, c'est ça, je me doutais qu'elle allait être dans le monde. Tu t'en souviens de ça? Là, je m'en rappelle, là, oui. On était assis sur le divan, là, fait comme, OK, on va écouter une toune, moi. Là, ils passent son iPad. C'est malaisant. Comme... c'est malaisant, on est juste oui. Là comme. Tout, tout, tout. Ouais, c'est. Là, je fais quoi? Je chante-tu? Ou je fais-tu? Let's go! Ou je sais pas quoi. Là, on sait pas trop. Mais c'est sûr que toi, tu passes au montage, là, tu sais. Ah ouais. Fait que, parce qu'en fait, ils en gardent pas tant que ça, parce que notre entrevue a duré ouais. Pas mal plus longtemps que ça, ah ouais. Tu sais. Ça a-tu changé pas mal d'affaires dans ta vie après? Honnêtement, oui. Ouais, ouais. Comme quoi? Ben, tu sais, ben là, il y a beaucoup de shows qui s'en viennent, dans le fond, avec le show country et tout ça. T'sais, j'en ai déjà, je te dirais, j'ai la Saint-Jean dans les Laurentides qui est bookée. Puis là, Guigui, tu vas être content, je vais être obligé de chanter en français. Ah! Fait que... Mais la bonne nouvelle, c'est que je le fais avec Audrey Lachance, qui est une des chanteuses de la voix aussi. Là. Fait que, ben, celle avec qui j'ai fait le duo Time of My Life, la tune de Dirty Dancing. Là. Okay. Fait que, elle est une chanteuse incroyable. Puis, c'est ça, vu que j'avais une Saint-Jean, je l'ai invitée aussi parce qu'elle vraiment ça coche. Tu me diras sur une playlist québécoise. Ben, je vais avoir besoin de toi, là, sérieusement. Comme ça. Il va m'en manquer un brin, mais ouais, ça va être du Québécois à côté. Sinon, le 25 mai, j'ai un show dans le coin de Laval, je pense, le 7-8 juillet. En tout cas, ça se book là, de plus en plus. Fait que non, il y a eu des belles retombées là, par rapport à ça. Fait que c'est vraiment cool. Je suis content pour elle. Ouais, super. Les messages sur le chat sont tous positifs. Tout le monde est content. Fait que... Ouais, tout le monde t'aime. Ouais. Ben, je suis pas surpris non plus. Là. Ouais, ça a été bien fait. T'avais-tu question hockey? Simon semble pas être habile avec Bumble. Là. D'après moi, son application, il a peur je de l'ouvrir parce qu'elle est déjà logué. Ouais, c'est ça. C'est comme non, j'ouvre pas. Mais... ça aurait été vraiment le fun de le faire, par exemple, parce qu'on aurait eu des réponses weird, là. Ouais, des affaires ça, malaisantes. Ça aurait été pas pire aussi. Regarde, on va se reprendre là-dessus. Hey, mais là, question hockey, ouais, dans vas-y. Le fond, moi, on dirait que je suis un peu mêlé, là, puis vous connaissez mon niveau de connaissance. Là. Fait que dans le fond, je me demandais qu'est-ce qui s'en vient cet été, joueur autonome et tout ça, là, qu'au côté canadien, qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond? Ben, c'est de signer des s'il y a des agents libres jeunes, ben, on s'entend que ça va être 27 ans environ, là, 28 ans peut-être, là, mais on va pas plus vieux que ça. On veut pas des gars de 35 ans finis qui s'en viennent. On bouge pas de trou. C'est ça mon point. Là, on l'a fait trop souvent. S'il y a un esprit de bon joueur, all-in, on le prend pour longtemps. Si un gars moyen, on le passe, puis ça sera l'année prochaine. Puis si un vétéran, peut-être un vétéran, mettons, un Corey Perry, là, qui, s'il veut revenir, puis il peut entourer nos jeunes, puis ouais. Du leadership dans le vestiaire, mais à part de ça, j'en veux pas, là. On a des joueurs, là, c'est tout. Mais il me semble que j'ai fait le tour, puis ça se peut-tu qu'on dirait que je sais pas s'il y a pas grand-chose, je sais pas quoi, là, mais... Il me semble que je n'ai pas vu de gros noms tant que ben ça. Moi, je l'ai dit tantôt, puis je vais être sincère, je ne connais pas sa situation contractuelle depuis l'échange. Je sais qu'il était agent libre avant, mais j'ai été en vacances puis j'ai perdu ce bout-là. Mais un gars comme Timo Meier, il est agent libre, il n'a pas été signé par les Devils de son arrivée. Moi, je serais all-in sur Timo Meier. C'est un gros attaquant de puissance, très, très talentueux, bon lancé. Moi, c'est le fit parfait pour Suzuki Caulfield, selon moi. Très, très intelligent, sa patinoire. Encore jeune, il va avoir 28 ans. Fait qu'il est là encore là, un gros 5 ans de gros hockey. Moi, je le prends, c'est sûr, certain. Lui, j'y offrirais son gros salaire puis je serais pas gêné. Yes, sir. Thank you, mon Marc. Puis, thank you, les boys. Si les gens veulent te booker, Marc, c'est sur tes réseaux sociaux?
Exact. Peuvent me contacter sur les réseaux sociaux. Puis j'ai un booker maintenant aussi pour les spectacles. Fait que ça, il n'y a pas de problème. Vous me contactez, puis j'envoie vos informations tout de suite à mon booker. Puis on organise ça, c'est sûr, sûr, sûr. Lâche pas mon chum. Allez, mon Marc. Merci beaucoup, les boys. Salut, chum. Bonne soirée. Ciao. Merci tout le monde d'avoir été là encore une fois. Un show de 3h30. Hein, on a du fun avec des chums. Fait que merci André, merci Théo, merci la gang, Simon, Vicky, Louis-Philippe, everyone. Marie-Ève, ben oui, je la vois pas à cause qu'il y a un papier. Merci tout le monde. Puis il faudrait peut-être arrêter de remercier tout le monde parce que là, on est rendu avec tellement de monde dans l'équipe qu'il faudrait remercier tellement de monde. Ben, c'est comme les Oscars à chaque soir aussi. C'est quoi? Les Oscars à chaque soir. Il faudrait s'habiller plus beau. Puis il faudrait que je te mette ma main sur la gueule comme Will Smith. Pourquoi c'est pas l'inverse? Ben parce que c'est moi qui ai eu l'idée en premier. Roche, papier, ciseaux? Non, j'ai eu l'idée en premier. Je vais me trouver, je vais aller réécouter tous les Oscars. Salut, la gang. C'est pas un coup de pied d'un gosse ou quelque chose. Bye tout le monde. Bonne La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec et de CertainTeed.